Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backstreet. Bonsoir, bonsoir le public. Bonsoir à vous, bienvenue, merci à toutes et à tous. Vous êtes exceptionnels, merci à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Backstreet, chers amis, comme chaque semaine sur Twitch. On va parler ensemble de politique toute la soirée, merci d'être avec nous. Merci aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube, merci également si vous nous écoutez en podcast. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle qu'on va commencer avec un before très particulier ce soir, un before sponsorisé par une très très belle ONG, Médecins du Monde, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour parler d'un sujet passionnant, d'un sujet sur lequel ils et elles œuvrent au quotidien. Particulièrement en ce moment, on va en parler avec de très belles personnes qui sont avec moi sur ce plateau. Vous êtes nombreuses et nombreux. On est avec Jean-Luc Pelle. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Jean-Luc, toi tu es médecin généraliste, c'est voilà. Ça, à la retraite. Je suis médecin généraliste, retraité depuis 4 ans. Retraité depuis 4 ans, félicitations. Tu es responsable de mission à Briançon. Ouais. Merci. Je suis médecin bénévole à Médecins du Monde. Médecin bénévole à Médecins voilà. du Monde, exactement. Et responsable de la mission à Briançon. Ok, et bien content de t'accueillir Jean-Luc, merci d'être avec nous. On est aussi avec Paul Allozy, salut Paul. Salut. Bienvenue, merci d'avoir accepté toi aussi de venir sur Backstreet. Toi tu es également chez Médecins du Monde, tu es coordinateur du programme en Ile-de-France. C'est ça. Programme ouais. dont on va parler dans quelques instants. Tu es pas tout seul, tu es avec ta collègue également Diane Léon, salut Diane. Salut. Merci d'être avec nous. Diane, toi tu es également coordinatrice du programme, mais toi c'est côté nord. Absolument. Nord littoral, ça comprend oui. quoi comme zone? Dunkerque et Calais. Dunkerque et les alentours. Ok, d'accord. On est aussi avec Christian Reboul. Salut Christian. Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Ça va? Très bien. Merci d'être avec nous Christian. Toi, tu es référent migration, droit et santé chez Médecins du Monde. C'est ça. Et je m'occupe particulièrement des questions de plaidoyer autour de l'accès aux droits, de l'accès aux soins des personnes migrantes. Ok, et ben c'est ce dont on va parler ce soir. On est aussi avec Ouda Merimi. Salut Ouda. Salut Jean. Toi aussi, tu es médecin? Moi aussi, je suis médecin. Et ben merci d'être avec nous. Ouda, toi, tu es responsable qualité des pratiques en santé. Tout à fait. Chez Médecins du Monde. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on voit la manière qualitative dont il faut prendre soin de la santé des gens. Et donc, la santé, ça va au-delà du soin. Ce sont des aspects beaucoup plus globaux dont on pourra parler. Ok, d'accord. Bon, ce soir, ensemble, on va parler dans ce before avec vous d'un sujet particulier. C'est celui de la question des migrations et de l'accueil des personnes exilées. D'ailleurs, quand je parle de ce sujet, je ne sais jamais si je dois parler d'exilés, de réfugiés, de migrants. C'est quoi le vocable que vous utilisez, vous, quand vous en parlez chez Médecins du Monde? Ah, là, c'est, la sémantique est importante. Hein. Ouais. On a tendance à parler de personnes migrantes. On rajoute souvent, il faut personnifier tout simplement. Personnes migrantes, personnes réfugiées, personnes exilées. Voilà. Ok, d'accord. Tu pourrais nous expliquer pourquoi Médecins du Monde travaille sur ce sujet-là en France? Parce que Médecins du Monde, on connaît l'ONG, on imagine bien une ONG qui intervient dans le monde entier. C'est dans son nom même. Mais on ne vous attend pas spécialement sur des actions en France et sur ces publics-là? Alors, on est parfois plus connu effectivement sur nos missions à l'international. Ouais. On est né quand même en 1980, ça ne rajeunit pas. Le docteur Bernard Kouchner, si ça vous parle. Oh oui, les French Doctors. Voilà, tout à fait. Avec une première mission fondatrice, je dirais, auprès des Boat People en mer de Chine, pour les personnes qui fuyaient le régime du Vietnam et du Cambodge. Ouais. Un bateau avait été affrété pour aller les sauver. Donc, c'est parti de là. Mission fondatrice. Maintenant, Médecins du Monde s'est beaucoup développé à l'international et c'est peut-être moins connu, mais maintenant, notre plus grande mission, notre plus gros programme se situe en France. En France métropolitaine. En France hexagonale, tout à ouais, fait. Ouais. Mais on est aussi présent en Guyane, à Mayotte, okay. à La Réunion. Et on a ouvert notre premier centre d'accueil, de soins et d'orientation en 1986. Et aujourd'hui, nous en avons 14. 14 partout sur le territoire. D'accord, voilà. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que... Donc, tu l'as dit, l'action dans le monde entier. D'ailleurs, vous étiez venu, Médecins du Monde, dans un before de Backstreet. Mmh. C'était suite au terrible tremblement de terre qui avait eu lieu dans la zone Turquie-Syrie, pour parler justement de l'action prioritaire des ONG suite aux catastrophes naturelles. Pourquoi est-ce que vous travaillez sur le sujet des personnes exilées en France? Alors, il faut voir que notre principe d'action, c'est vraiment d'aller vers les personnes les plus précaires, vers les personnes les plus vulnérables. On ne s'est pas dit, tiens, on va aller voir les personnes exilées. On s'est dit, on accueille tout le monde. Et dans nos 14 centres de soins, et on a des centres, mais aussi on fait de l'aller vers dans les squats, dans les campements, et on va en parler tout à l'heure avec Diane, Paul et Jean-Luc. On accueille tout le monde, on appelle ça un accueil inconditionnel. On est français, pas français, étranger, quel que soit le statut administratif, on vous accueille.
Et dans ces centres, on fait des données, on recueille des statistiques, et il se trouve que ça bouge très peu d'année en année. On publie un rapport statistique, et chaque année, on tourne autour de 97% des personnes qui viennent nous voir qui sont étrangères, de nationalité étrangère. D'accord. Et donc il y a une spécificité sur ce public-là. Ouais. Voilà, et parmi elles, il y en a la moitié qui est sans titre de séjour, dite sans papier. Donc, on peut dire aujourd'hui en France, finalement, que les personnes étrangères, c'est une des figures de la précarité et de la pauvreté. D'accord. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre mission sociale. Ok, ok. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo, un reportage que vous avez tourné, Médecins du Monde, dans les Alpes, qui va nous permettre de comprendre assez concrètement en quoi ça consiste, l'accompagnement que vous proposez, du coup, pour ces personnes exilées. On se retrouve tout de suite après. On est ici à Montgenèvre, un point de passage de migration entre l'Italie et la France. C'est une frontière très militarisée. Des migrants qui essayent de passer prennent de plus en plus de risques et des chemins de plus en plus escarpés pour échapper aux forces de l'ordre. On organise des maraudes côté français pour venir à leur rencontre et les mettre à l'abri à Briançon. Tu vois ce petit sommet là ? En fait, il passe par derrière. Pour justement ne pas être à la vue des policiers. Des fois, ils partent aussi en famille, en montagne, et là, ça devient vraiment critique, quoi. T'as juste envie de les amener à l'abri, ça donne pas envie de rester là, quoi. Et votre rapport à la police quand vous êtes en maraude, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes empêché ? On est très souvent harcelés. Il y a des soirées où il y a une voiture de force de l'ordre collée à notre pare-choc derrière. On a été appelé parce que trois personnes, donc deux femmes et un homme, marchaient aux abords de la route avec une route qui est dangereuse parce qu'en fait c'est des parois rocheuses, il n'y a aucun espace où marcher. Les voitures, c'est limité à 70, donc c'est dangereux quoi. Vous voulez aller au refuge ? Oui. Allez, venez. On va mettre un peu. On a du chauffage. Ça fait longtemps que vous marchez ? Oui, depuis hier. Depuis hier sous la pluie. Ouais. Mais on arrive dans 10 minutes. Il y a des repas, il y a des douches. On est ici au Refuge solidaire de Briançon, un lieu d'accueil et de répit pour les gens qui viennent de passer la frontière. C'est un lieu qui fonctionne avec une grosse énergie bénévole et solidaire et avec aucun soutien de l'État. Donc là, vous êtes dans le local de Médecins du Monde au sein du refuge. Donc nous, comme on a affaire plutôt à une population qui reste très peu de temps ici, on est là pour prodiguer les premiers soins, pour bien sûr aussi être un espace d'écoute et ensuite les orienter. Et il y a aussi évidemment beaucoup de problématiques de santé mentale liées à leur parcours d'exil. Au refuge, on rencontre souvent donc des personnes qui nous font part de violations de droits lors de leur passage à la frontière. Et c'est donc pour ça qu'on organise des sessions d'observation où l'on se met en fait devant la police aux frontières et on observe les mouvements des forces de l'ordre et les interpellations à la frontière. La personne a des droits. Elle a le droit de pouvoir demander l'asile, par exemple. Elle a le droit d'avoir recours à un avocat, d'avoir accès à un interprète, accès à un médecin ou à un traitement, si jamais elle le demande. Tous ces droits-là ne sont pas respectés et du coup, notre rôle, c'est de pouvoir compiler les données et les remonter. Ça, c'est nos ordres de mission. D'accord, bon, bah, du coup, je vais faire pareil que précédemment. Je vais les prendre, je vais aller faire des photocopies de vos pièces d'identité et des ordres de mission. Ok. Je note tout parce que je vais tout relater. Ouais. Après, nos actions sont bien connues de vos services, il n'y a pas de souci. Oui. Un monsieur de la police aux frontières vient de nous contrôler tous nos pièces d'identité. C'est une pratique régulière et on peut estimer que c'est des pratiques d'intimidation. Ça arrive pratiquement à chaque fois qu'on fait des observations de se faire contrôler. Toutes ces méthodes, ça ne nous empêche pas de continuer. Au contraire, on reste mobilisés pour que le droit des personnes soit respecté à la frontière. La police italienne a pris une famille, une femme sûre, deux enfants sûrs et le troisième, on ne sait pas si c'est un homme ou un enfant. Au final, l'équipe de Médecins du Monde ici se bat pour le respect des droits des personnes exilées à la frontière, pour la sanctuarisation du soin, c'est-à-dire que l'État nous laisse faire notre travail de soignant, et pour que l'État prenne ses responsabilités dans un accueil digne et inconditionnel des exilés. Voilà un reportage qu'on peut retrouver comme d'autres sur la chaîne YouTube de Médecins du Monde. N'hésitez pas à les regarder. Jean-Luc, c'est toi qu'on voit dans cette vidéo dans les Alpes. Comment est-ce que tu as rejoint Médecins du Monde, toi ? C'est quoi ton parcours ? Bon, pour la petite histoire, ma première mission à Médecins du Monde, c'était il y a 41 ans et je suis en Afghanistan. Et t'en jamais reparti ?
Voilà, avec des moments où j'étais plus présent à Médecins du Monde et d'autres moments où j'y étais moins. Voilà. D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi, du coup, tes actions ? Là, on en voit quelques exemples, mais t'es sur le terrain tout le temps, tous les jours, ça ressemble à quoi ? Eh bien, j'habite Grenoble, donc c'est pas très simple non plus. C'est une mission qui se passe à Briançon. Et du coup, j'y vais souvent. Et on voit Isabelle, là, dans le reportage, qui est une salariée de la mission qui habite à Briançon. Et voilà. D'accord. Paul et Diane, c'est votre cas ? Vous êtes salariés tous les deux ? Vous êtes coordinateurs ? C'est ça ? Ça consiste en quoi, vos missions ? Alors, Paul. Moi, quand je vais sur le terrain, j'ai un rôle de médiateur. Ouais. Aller parler avec les exilés, organiser la rencontre, etc., organiser mon équipe. Et après, sinon, ça va être du travail. Il y a de l'administratif, il y a du budget. Et bien sûr, il y a toute la partie plaidoyer qui est hyper riche et très motivante à Médecins du Monde. Et ça va être venir ici répondre aux médias. Là, je suis payé pour le faire, c'est cool. C'est génial. Ouais, meilleur job. Et ça va être mobiliser des élus, de la presse. Enfin voilà, tout un tas de choses. Et on a beaucoup de liberté pour le faire, donc c'est très appréciable. Diane, toi aussi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagée chez Médecins du Monde ? C'est une très bonne question. Je pense déjà pour les valeurs qui sont défendues par l'association. Ouais, ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Je connais bien le public exilé parce que ça fait à peu près 7 ans que je travaille avec les personnes exilées sur le littoral. Et voilà, j'avais cette envie de m'investir pour l'accès aux soins, mais aussi pour le plaidoyer, pour faire bouger les lignes et que la question de la santé soit enfin prise en compte par les autorités. D'accord, ok. Ça a été un cap pour vous à franchir de vous engager dans une ONG, de travailler dans une ONG, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, le fait de bosser dans une association, de s'y engager tous les jours. Pour moi, c'était une évidence. Toi, c'était une évidence, ouais. Ok. Bon, je peux le comprendre aussi. Christian, c'est pareil. Ouais, ça fait un certain temps, oui. Pourquoi Médecins du Monde, quand on fait du plaidoyer, on s'occupe de questions politiques. Dans ton introduction, tu as dit qu'on allait parler politique. Ouais. Et en effet, on fait de la politique. Mais attention, on ne fait pas de la politique politicienne. On s'occupe de politique publique, politique de santé, politique de lutte contre la précarité, et au sens noble du terme, finalement. Et on a une assez grande liberté à Médecins du Monde pour prendre des positions fortes. Ouais. Et ça, c'est très appréciable. C'est de l'action d'intérêt général, ultra concrète, sur le terrain, au service des personnes. Et du coup, ça a du sens. On l'a vu, frontière franco-italienne, on a parlé de Dunkerque aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des spécificités dans les points où vous travaillez, ou est-ce que ça se ressemble absolument partout ? Ah non. Oui. Oui et non. Jean-Luc. La frontière, c'est une mission bien particulière. Je pense que la veille à Paris, c'est aussi une mission particulière. Et le nord littoral, c'est aussi... On a affaire à la même population de, ouais, de personnes exilées, mais en même temps, à Briançon, ils arrivent, on les voit de passage. À Paris, je pense que Paul en parlera mieux, mais voilà, ils sont là et... Ils sont moins de passage à Paris que dans la frontière. Et à Dunkerque aussi, ça doit être spécifique. Il y a une volonté de traverser la Manche, souvent. Oui, c'est ça. Bien. En fait, la spécificité de Dunkerque et du littoral nord, c'est que c'est une zone frontière, mais une zone de blocage. C'est-à-dire qu'en vertu d'accords entre la France et le Royaume-Uni, on empêche les gens de partir. On les empêche de rejoindre le Royaume-Uni, ce qui est a priori leur souhait, en tout cas de ce qu'elles expriment pour la plupart. Et pour autant, on ne les accueille pas. Donc c'est vraiment une spécificité, c'est que en fait, c'est aussi intéressant qu'on soit là tous les trois. Parce qu'en fait, on va avoir tendance à croiser effectivement les mêmes personnes, pour certaines, qui passent à Briançon, qui restent un peu à Paris. Et du coup, nous, on les retrouve à Dunkerque, et toujours dans cette volonté de s'en aller parce qu'elles ne sont pas accueillies, parce qu'elles sont harcelées par les forces de l'ordre. Et du coup, nous, on essaye de les accompagner du mieux que l'on peut sur le plan de la santé. C'est une question que j'allais vous poser. Il y a une trajectoire type de ces personnes exilées sur le territoire, ou est-ce que toutes les trajectoires sont très différentes, ils ne rentrent pas par les mêmes points, ils ne vont pas aux mêmes endroits ? Bah écoute, Paul. Paris, c'est assez représentatif de ça, parce que tu as un peu cette triple dynamique. Tu as à la fois des gens qui passent, donc qui arrivent de Briançon, qui vont à Calais, qui continuent leur trajet. Il y a des gens qui se fixent, donc qui veulent commencer leur vie à Paris, qui font le début des démarches, et donc qui vont... malheureusement survivre dans des campements, à la rue ou alors dans des squats. Et Paris sert aussi d'un peu de lieu de dispatch sur toute la France. Il y a une politique de l'État d'essayer de, oui, de répartir un peu les migrants partout, en dehors de la capitale, etc. Donc il y a toutes ces dynamiques-là qui se mélangent avec à la fois la volonté des gens de soit construire une villa, soit essayer d'aller en Angleterre, et à la fois la volonté de l'État, quoi, de gérer, lui, d'une manière bien particulière et parfois maltraitante, le phénomène migratoire. Et oui, donc du coup, j'imagine que vous retrouvez des personnes, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais des personnes que certains de vos bénévoles ont rencontrées à Briançon, que vous recroisez à Paris, que vous retrouvez à Dunkerque. Ça arrive souvent, ça ? Ça arrive, mais c'est pas forcément simple de le savoir. Il y a autant de trajectoires que de personnes.
Donc il y a des personnes qui disent « Ah bah oui, vous, je vous connais, Médecins du Monde », parce qu'ils reconnaissent le logo. Ouais. Mais voilà, c'est pas, je dirais pas que c'est la norme forcément de passer par Briançon et ensuite d'arriver à Dunkerque, et heureusement. Parce que voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent rester, qui veulent s'installer. La question, c'est de si on leur donne le droit ou pas, et c'est ça le problème. Est-ce que la France est souvent, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que la France est souvent une destination finale de leur exil? Ou est-ce que vous arrivez à avoir des pourcentages de combien viennent pour s'installer, combien veulent changer de pays, vous le savez ça ou pas, Christian? Il y a autant de trajectoires que de personnes, c'est super difficile. Ouais. Alors il y a des statistiques bien sûr sur le nombre de personnes demandeuses d'asile, ça c'est très, très documenté, mais c'est très difficile de... Ouais, il y a tellement de trajectoires, des personnes qui arrivent à Briançon, la plupart continuent quand même du côté de Paris, Île-de-France, un certain nombre continuent après du côté du Nord-Littoral, ouais. Certaines décident de faire une demande d'asile, mais c'est très minoritaire. D'accord. Vous savez estimer le nombre de personnes que ça représente, le nombre de personnes que vous accompagnez chaque année en France? Oui. Ouda? En moyenne, ce que disait Christian tout à l'heure, c'est qu'on a les centres de santé, donc les gens se dirigent vers les centres de santé. Ouais. Et puis on a toutes ces activités qu'on appelle aller vers, où parfois c'est à pied, parfois c'est en voiture, des camions, il y a des consultations, les permanences, parfois les villes mettent en place des permanences. Donc dans nos centres de santé, les 14, ce qu'on appelle CASO, en moyenne, on voit 20 000 personnes. Les CASO, ce sont les centres de santé? Ce sont les centres de santé, c'est les centres de soins, d'accueil et d'orientation, donc les CASO. Ce sont des formats centres de santé avec des équipes multidisciplinaires. Donc à peu près 20 000 personnes par an en moyenne dans les centres de santé et un peu plus de 30 000 sur la totalité des projets mobiles ou aller vers. Sachant que si on a 14 centres de santé, on a un peu plus de 35 projets aller vers les personnes et donc aller à leur recherche aussi dans leur lieu de résidence. De résidence, c'est une manière de parler, que ça soit à la rue ou en bidonville parfois ou en squat. Ouda, ils ont besoin de quoi? Ils et elles ont besoin de quoi? Ces personnes que vous accompagnez, c'est quoi leurs besoins en matière de santé? Eh ben en fait, ça dépend. Parce que quand ils viennent, par exemple, sur les centres de santé, quand ils viennent nous voir, les demandes peuvent être diverses. Il faut savoir que, vu leur parcours d'exil, vu l'état de non-accueil quand ils arrivent en France, la santé, ce n'est pas toujours leur priorité. Donc, nous, on va essayer de les faire parler de santé, mais ce n'est pas toujours leur priorité. D'accord. Donc, ils viennent aussi pour comprendre le système, pour comprendre cette histoire d'accès aux droits. Ouais. On a beaucoup de questions d'accès aux droits. On se rend compte que beaucoup n'ont pas accès aux droits. Et puis, on creuse pour savoir justement s'il y a des problématiques de santé. Et on creuse quelles sont les problématiques de santé. Certaines sont visibles. Les personnes, on ne les voit pas, on ne les revoit pas toujours. Donc parfois, c'est répondre directement à « j'ai un besoin de santé physique », mais parfois, c'est aussi prendre le temps, les laisser se poser, voir un petit peu leur santé mentale. Ouais. Donc pour faire le tour de leur santé globale. C'est ce que disait Jean-Luc dans le reportage, on constate aussi beaucoup de problèmes de santé mentale. Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas juste le soin. Quand on parle de santé, ce n'est pas que du soin. Vous parlez aussi chez Médecins du Monde de santé globale. Ça veut dire quoi? La santé globale, c'est de considérer cet individu comme un tout, donc avec cet aspect physique, avec cet aspect mental, mais aussi très interdépendant de son environnement et donc de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Donc, quand ils arrivent, ils ont quoi comme réseau? Ils connaissent quoi comme personne? Le fait de ne pas avoir de travail, le fait de ne pas avoir de logement, tout ça, le genre, le sexe de la personne, tout ça, c'est des choses qui ont un impact direct sur la santé. Et donc, d'avoir cette approche holistique, globale, qui s'oppose à un aspect biomédical, juste vous avez mal où, et puis je vais vous donner un traitement, c'est justement de prendre en considération tout cet aspect-là. Et pour le prendre en considération, notamment par rapport à cette population très spécifique qu'on voit, c'est comment on ralentit le temps, prendre le temps de parler, avoir des professionnels différents qui leur parlent, et puis ils ne parlent pas toujours la langue. Donc, il faut qu'il y ait des interprètes professionnels pour leur donner la possibilité de parler d'eux et de leur santé. Concrètement, ça se passe comment, Paul, par exemple? Concrètement, une personne qui vient vers vous dans un CASO, qui vient dans un centre de santé, vous l'accueillez, vous avez des interprètes qui sont disponibles. Comment ça se passe? Alors, nous, on rencontre beaucoup les gens via l'aller vers. Donc, nous, globalement, on prend un camion. On prend un Kangoo, un camion, des Barnums, etc. On va sur les lieux de vie. Donc, et vous allez les rencontrer. Voilà, on va à la rencontre et donc on se pose à proximité des lieux de vie. Et là, ça va être mon taf et celui de l'équipe bénévole, etc. D'aller voir les gens, de se présenter. On est Médecins du Monde, on a des soignants, on a des possibilités de soins, d'orientation, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et on fait tout ça grâce à des interprètes, en effet. Donc tout de suite, ça met en confiance quand il y a la langue quand même qui est parlée par des compatriotes. Là, on reçoit les gens et après, on va faire beaucoup d'orientation. Notre but à MDM, quand même, c'est de ne pas se substituer au droit commun.
il existe des lieux où les gens peuvent se faire soigner, à l'hôpital, etc. Ah, d'accord, le droit commun, c'est les structures de santé déjà... Oui, d'accord. Voilà. Ah. Okay. Et donc, en faisant notre aller vers, on va prendre en charge certaines pathologies. Bon, j'ai un peu mal à la tête, etc. Ça, on peut gérer, voilà. Par contre, s'il y a un vrai problème de diabète ou autre, bah ça peut être géré à l'hôpital. Mais les personnes, ils ne le savent pas forcément. Ils arrivent ici, ils ne parlent pas la langue, c'est un peu compliqué. Donc nous, on va filer des tickets de métro, on va donner un plan où c'est écrit dans la langue, avec le trajet détaillé dans la langue, des images, etc., accompagner les personnes. Enfin voilà, il y a vraiment le soin et l'orientation pour nous qui sont les deux maîtres mots, quoi. Et que ce soit dans le Nord Littoral ou à Briançon, c'est la même chose, ça se passe de la même manière, ou là aussi vous avez un enjeu de ralentir le temps, même s'ils sont peu de passage parfois. Bah, on a Diane. Un programme assez similaire sur le littoral par rapport à celui de Paris, et effectivement nous on propose des consultations, on accompagne les gens vers le fameux droit commun, vers les services de santé qui existent, et également on a tout un volet de santé mentale, d'accompagnement, de soutien psychosocial, donc on a un camion, et pareil on va se poser sur le campement, et on propose cet espace de répit. Cet espace où aussi on respecte les gens, parce qu'en fait, les personnes peuvent s'asseoir à une table, juste être tranquilles, un peu isolées. On a des bénévoles qui sont formés, qui sont là pour les écouter, pour une écoute active qui va permettre ensuite, éventuellement, que les personnes déposent des choses ou alors que nous, on puisse réussir à démêler quelque chose pour les orienter vers des soins de santé physique ou psychique. Mais par différentes activités, ça peut être des activités ludiques, de l'art-thérapie aussi. Donc voilà, on a vraiment cette idée d'accompagner les personnes vers le soin, mais surtout de les réhumaniser, de prendre le temps, comme tu le disais, Ouda. Ouda, oui, c'est ça. Vous avez vraiment tu l'as dit un peu rapidement tout à l'heure, mais vous avez une approche pluridisciplinaire. Vous pouvez prendre en charge des problèmes de santé très différents via des méthodes très différentes également. Alors, l'approche pluridisciplinaire, c'est cette histoire d'individu avec cet aspect physique et mental et qui est en interaction avec les déterminants de la santé. Donc, en fait, l'approche pluridisciplinaire, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect soignant, médecin ou infirmier pour répondre aux problèmes de santé. Il y a l'aspect aussi tout l'accompagnement social, donc les assistants sociaux, par exemple, ou les assistantes sociales qui accompagnent vers l'ouverture des droits. Il y a aussi cet aspect... il faut faire le lien justement vers le droit commun, vers les nouveaux dispositifs. Le système français n'est pas toujours lisible. Et donc, il y a aussi ces professionnels qu'on appelle médiatrices et médiateurs en santé, qui du coup évaluent les besoins des personnes et les accompagnent de manière à faire connaissance avec le système. Donc, c'est ça, cet aspect pluridisciplinaire. Nous avons des personnes qui, effectivement, sont peut-être en situation irrégulière, mais qui veulent demander l'asile. Et donc, il y a un aspect droit. Comment on fait pour demander l'asile Donc, cet aspect multidisciplinaire, ce sont des professionnels de champs différents, mais en capacité de répondre à ces besoins différents des personnes au moment où elles arrivent. Je précise que quand on parle d'accès au droit, ça peut paraître du jargon, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas, c'est à quoi a droit une personne exilée, où est-ce qu'il faut demander, prendre rendez-vous, le guichet c'est où, la préfecture, est-ce que j'ai le droit de déposer une demande d'asile, des papiers, comment je fais, etc. C'est ça l'accès au droit. C'est aussi comment je vais voir un médecin, où j'arrive, on me dit votre carte vitale, et du coup ma carte vitale, qu'est-ce que c'est quand je découvre un nouveau système de santé. C'est vrai, oui, tu as raison, oui, c'est tous les droits, c'est pas que les droits au séjour, c'est tous les droits, y compris les droits en santé. On a un témoignage d'ailleurs d'une personne que vous avez accompagnée. Je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. La France était comme un rêve pour moi. On rêvait de Paris. Lorsque je suis arrivé en Libye, moi je te réponds direct, on nous a vendu le rêve. J'ai fait 6 mois de prison en Libye. Le torture, tu vois. Je n'étais pas conscient du danger, tu vois. Je me disais que c'est juste marcher, venir, monter dans un gros bateau normal. À un certain moment, je voulais renoncer, mais j'ai pensé à la famille. Et lorsque j'appelais souvent ma grand-mère au téléphone, du fait d'attendre sa voix, ça me motivait. Je voulais être en Europe un jour pour l'appeler, pour lui dire « Ah, j'ai réalisé mon rêve. » J'ai fait 2 semaines, je dormais à la gare de Paris. J'ai dormi au dehors, tout ça, même en hiver. La vie de ma mère, je ne sais même pas où je vais aller, moi, chez soi. Il faut être bien habillé pour que les gens t'approchent. Je pue, tu ne vas pas vouloir t'approcher de moi. Tu ne vas même pas vouloir me saluer. Tu me vois, je suis bien habillé. Peut-être tu vas te dire, oh, ça va chez moi parce que je suis bien habillé, basket, tout ça, tu vois, mes cheveux. Mais tu ne peux pas comprendre combien je souffre dans mon cœur, tu vois. Même mon pied, l'ennemi, je ne veux pas qu'il passe par là parce que moi, je suis en train de traverser là. Voilà, des témoignages comme celui-là, vous devez en avoir assez souvent, je suppose, pour beaucoup d'entre nous et pour moi. D'ailleurs, c'est une découverte, je ne l'entends pas tous les jours, mais vous l'entendez tous les jours. Christian ? Oui, on a ces témoignages au quotidien, à travers les consultations, des moments un peu de répit au camion de la veille sanitaire, différents moments.
On les reçoit et c'est important de comprendre d'où viennent les personnes, quelles sont les trajectoires des personnes, parce que certes, elles arrivent sur le territoire français, mais pour bien, je dirais, répondre aussi à leurs besoins, on est obligé de comprendre leur histoire, leur parcours. Ok. Nous, on a l'habitude dans cette émission sur Backseat, on a l'habitude de suivre l'actualité politique. Il se trouve que l'actualité, c'est tous les jours. Encore ce matin à Annecy, on a connu un drame terrible. Et tout de suite, très rapidement, on a vu les récupérations politiques, les réactions du personnel politique. Il se trouve que là, ça concernait une personne en situation, une personne migrante. Et c'est quelque chose auquel vous êtes habitué, vous, à une reprise du sujet par les personnalités politiques. Christian. Non, mais déjà, dire ce qu'il s'est passé ce matin à Annecy, c'est un drame absolu et forcément, on s'associe à la peine des familles. Et au-delà de ça, après, c'est une personne qui venait de Suède. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On n'a pas les éléments. Non. Finalement, ça n'a que peu à voir avec ce dont on vient de discuter. Hein, mais dès que l'on parle de la question des personnes migrantes, de l'immigration, de la politique migratoire, il y a quand même une forme d'hystérisation, et ça arrive très souvent. On a la loi asile-immigration qui est en train de tourner au psychodrame, d'ailleurs, du côté du gouvernement sur sa date, etc. Mais même indépendamment de ça, sur le fond, tout le monde s'attend à un débat ultra tendu, parce que c'est devenu un thème central d'une grande partie du paysage politique. Ça ne doit pas être évident pour vous, qui avez l'expertise du coup du terrain, de la proximité avec ces personnes, d'entendre les discours politiques. Enfin, je ne sais pas, c'est une vraie question, quand on a des analyses là, comme ça sur des plateaux, on est vraiment à milieu de la réalité. Mais surtout que ce projet de loi asile-immigration, au départ, il ne concernait absolument pas les questions de santé. Ouais. Finalement, si. Et finalement, elles ont été introduites par des amendements de partis de droite, soutenus par l'extrême droite, où on vient à mettre en cause, finalement, le système de santé pour les personnes sans papier. Ça s'appelle l'aide médicale de l'État. La fameuse AME, voilà, qui est dans le viseur, effectivement. C'est ça, c'est un panier de soins, c'est un système qui permet aux personnes sans papier d'avoir un accès aux soins. Et elle est de manière récurrente remise en cause, sauf que là, il y a vraiment une vraie offensive avec des amendements qui ont été votés au Sénat, des débats qui se cristallisent sur cette question-là. Et ça n'est plus cantonné, c'est cela qui est dangereux, ça n'est plus cantonné qu'à la droite, à l'extrême droite, ça commence à diffuser aussi dans la majorité. La majorité Renaissance, proche du gouvernement, qui commence à, alors, tu le sens, à être sensible à un discours de remise en cause de l'AME. Pas tout le monde, mais on sent que ça intervient dans le débat. Il y a le ministre de l'Intérieur qui commence à parler santé, et ça, c'est une constante. Dès qu'on parle de santé des étrangers, nous avons des déclarations du ministre de l'Intérieur. C'est pas le ministre de la Santé qui prend la parole là-dessus ? Malheureusement, non. Okay. On ne cesse de dire que c'est une politique de santé, c'est son périmètre, il doit prendre position, il le fait, mais pas suffisamment. Mais tu vois, c'est intéressant parce que on parle depuis tout à l'heure des actions de Médecins du Monde. Vous avez une action d'intérêt général. On pourrait penser naïvement que vous êtes accompagné par l'État, que vous travaillez en bonne intelligence avec les services de l'État. Ça peut d'ailleurs être le cas au niveau local. Pour autant, vos relations avec l'État sont tendues. Elles le sont parce que la politique aussi nationale se durcit. On va le voir, on a commencé à le voir à travers les reportages, mais c'est une constante en fait sur tous les terrains, toutes les géographies, que ce soit à la frontière franco-italienne, en Île-de-France ou sur le nord littoral. Il y a quand même des constantes où on trouve qu'il y a une politique de maltraitance et une politique qui maltraite de plus en plus. Ça, c'est sur l'accueil des personnes. Après, sur le volet santé, c'est pareil. Vous avez le système, encore une fois, de l'aide médicale d'État. Il a été, différentes barrières ont été mises fin 2019. Et avec des délais qui sont rallongés, donc finalement, on provoque des retards de soins. Ouais. Et ce qui est extrêmement dangereux, je trouve qu'on banalise l'idée que finalement, sciemment, on laisse la santé des personnes se dégrader. C'est parce que c'est ça l'idée. L'idée politique derrière qui est présentée, c'est qu'on arrête l'AME et on se concentre uniquement sur les urgences. Ce qui fait que, les personnes, on laisse leur santé se dégrader avant de les prendre en charge à des stades aggravés aux urgences. Oui, ce qui en plus, si je puis me permettre, est totalement contradictoire avec ce que veut faire le gouvernement depuis des années, c'est-à-dire développer la prévention pour limiter l'afflux aux urgences au moment où c'est trop tard, en gros. Bon, je dis simple, et là, pour les personnes migrantes, on fait exactement l'inverse. Totalement, c'est un non-sens en termes de santé des personnes. On attend qu'ils aillent très très mal pour qu'ils aillent aux urgences, et là, on les traitera. Ouais, c'est donc un non-sens pour les personnes elles-mêmes, pour leur santé, et c'est un non-sens en termes de santé publique. Vous aviez fait un tweet récemment, d'ailleurs on peut le montrer, on voit concrètement les relations complexes que vous avez avec l'État, là vous le disiez, les expulsions se succèdent dans le nord littoral, et il y a une interpellation directe d'ailleurs du préfet. Ça se passe comment sur le terrain, Diane, avec l'État ? Mal.
en fait. Ouais. C'est vraiment une relation qui est très compliquée. Les personnes exilées subissent un harcèlement de la part des forces de l'ordre. On parlait de retard de soins, mais c'est aussi parce que les personnes en fait, essayent d'échapper à la police. Elles essayent d'échapper aux expulsions qui ont lieu toutes les 48 heures à Calais. Sur le Dunkerquois, c'est au moins une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Donc en fait, les personnes vont essayer de sauver le peu d'effets personnels qu'elles ont. Et de ce fait, vont essayer de se cacher. Et en fait, nous, en tant qu'acteurs associatifs, on a du mal à aller jusqu'à elles pour leur proposer des soins. Parce qu'en fait, elles se disent, bah non, en fait, si je suis visible, ça m'expose et ça m'expose aux forces de l'ordre. D'accord, donc ils peuvent même aller jusqu'à refuser d'être soignés par peur que les forces de l'ordre les retrouvent, oui, bien sûr. Méconnaissance aussi sans doute, de se dire... Ouais, ouais, oui, okay, d'accord. Tout à fait, et même le fait d'accompagner les personnes jusqu'à l'hôpital, donc vers le droit commun, en fait, c'est aussi c'est tout le travail de médiation que font les équipes sur le terrain, déjà d'expliquer comment fonctionne le système de santé, et aussi comment elles vont réussir en fait, à avoir accès au droit commun, aux soins, sans se faire arrêter par la police, sans se faire contrôler. Et là, sur le Dunkerquois, actuellement, les personnes qui veulent aller à l'hôpital, si elles veulent y aller toutes seules, elles doivent faire 13 km, elles doivent marcher 40 minutes à pied, prendre le bus pendant 40 minutes, sauf qu'en fait, juste avant l'arrêt de bus, il y a la police qui est là et qui contrôle l'identité des personnes sur des critères discriminants. Donc en fait, on a un vrai impact des relations de l'État sur de la politique étatique sur l'accès aux soins des personnes. D'ailleurs, on a vu ces dernières années une criminalisation de la solidarité. C'est devenu même un thème dont on parle de plus en plus. On se souvient notamment de Cédric Roux, par exemple. C'est un exemple. Vous aussi, vous êtes la cible sur le terrain, les bénévoles. Toi, Jean-Luc, tu as déjà été d'une manière ou d'une autre emmerdé, empêché, je ne sais pas, la justice, la police, la préfecture. Je ne me rends pas compte. Oui, bien sûr. C'est plutôt dans la partie maraude. Et ouais. En fait, on a une voiture Médecins du Monde qui tourne la nuit à Montgenèvre pour essayer de prendre en charge les personnes exilées qui ont passé la frontière, qui sont souvent frigorifiées et, j'imagine, ouais. Et épuisées. Et donc, c'est dans cette partie-là qu'on va être empêchés. Et donc, harcelés avec des filatures, des amendes abusives. Ils vont essayer de... Quand on est arrêté avec des exilés dans la voiture, ils vont essayer de nous les retirer de la voiture. Donc, oui. Non, mais c'est absolument incroyable. Enfin, on se rend difficilement compte. On parle de personnes qui sont en situation, enfin, qui ont un besoin, parfois même, j'imagine, urgent de santé. Tu parles de personnes frigorifiées qui viennent de passer la frontière. La première voiture sur laquelle ils tombent, c'est celle de Médecins du Monde. Ils sont accueillis par des bénévoles et on a du mal à imaginer que la police vienne emmerder la bagnole avec les gens dedans, alors que, enfin, juste, il faut qu'on se dépêche, en fait, il faut les soigner, oui. Enfin, je sais pas. Ouais. En plus, il y a un discours du préfet qui dit « ce que vous faites est très bien ». qui te remet une décoration à la fin et tout. Voilà. Non, mais ouais. Sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tu sens que ça s'est durci ces dernières années? Ou est-ce que ce dont on parle, en réalité, ça a toujours été ça? Parce que ça peut être aussi une facilité d'analyse pour moi de dire « oh, vous vous rendez compte, c'est pire maintenant ». Non, ça s'est durci. Hein. Ça s'est durci, oui, ok. Oui, bien sûr. Et ils ont doublé le nombre de forces de l'ordre. Actuellement, il y a à peu près 300 policiers et gendarmes sur la frontière. Donc, ça s'est durci. C'est la seule réponse. Quand on leur dit que le refuge a du mal à gérer les gens qui arrivent, la réponse de la préfecture, c'est de renforcer au lieu de participer à l'accueil, eux, ils renforcent leur présence à la frontière. Médecins du Monde a co-signé d'ailleurs aujourd'hui une tribune avec d'autres ONG et associations justement sur cette loi asile-immigration. Est-ce que vous sentez que vous êtes entendu par une partie des responsables politiques? Ou alors peut-être que l'opposition? Je ne sais pas, je suppose que la gauche est plus... On essaie. Pas être naïf deux minutes, quoi. Non, mais ouais. Non, mais bien sûr, on fait tout pour être entendu. On utilise tous les moyens dont on dispose, y compris de venir à Baxit pour faire entendre notre voix. Ben non, hein, ça fait plaisir de vous accueillir aussi pour ça. Non, mais très clairement. Après, c'est un peu mon boulot, là. Mon terrain à moi, il se situe dans les cabinets ministériels, au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, des rencontres avec des groupes parlementaires qui essayent de les convaincre. Mais tu sens qu'ils t'entendent, qu'ils t'écoutent, les encostardés ou... Oui, certains, oui. Alors, il y a des différences entre groupes parlementaires. Là, on rentre dans le champ politique, mais y compris des personnes dans la majorité qui sont très sensibles à ces questions-là, mais elles sont minoritaires dans la majorité. Okay, c'est ça le problème. Et il y a des groupes parlementaires qui peuvent relayer nos positions.
On essaye de faire poser des questions au gouvernement. Tu les streams, je crois. Ouais, carrément. Et ça arrive parfois qu'un député décide de justement de se saisir d'une situation, parce que tout notre plaidoyer part de nos constats, de nos terrains. Donc on l'interpelle et lui-même porte cette question-là et interpelle le ministre. Et c'est assez fort quand on a une interpellation directe au moment des questions au gouvernement auprès du ministre. Et il faudrait qu'on vérifie, mais je suis à peu près persuadé que c'est le ministre de l'Intérieur qui répond. Non, mais je te jure, il faudrait que je vérifie, mais ça, tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est vrai que ça rend visible ce que tu disais tout à l'heure. La France, ce n'est pas un cas isolé. On sait qu'en Europe, dans beaucoup de pays, il y a des enjeux autour de la question migratoire. Est-ce que vous avez des contre-exemples de pays dans lesquels ça se passe bien entre eux, Médecins du Monde et les pouvoirs Écoute, moi, j'aurais bien voulu te répondre là-dessus avec le côté politique migratoire et l'exemple ukrainien. Mais en gros... Ah oui. Tu parles des réfugiés ukrainiens suite à la guerre qui ont été accueillis en France, c'est où il y a eu une volonté politique, exactement, la répartition sur le territoire, etc. Okay. En gros, tu vois, pour déjà pacifier un peu le débat, si tu prends le nombre de gens qui se déplacent dans le monde suite à des guerres, la misère, etc., en fait, t'en as, selon l'ONU, 85 millions. Et la France, qui envoie en moyenne 120 000 par an, c'est 0,1%. De tous les gens qui se déplacent dans le monde, c'est 0,1%. Donc on nous parle d'invasion, de vagues, de plein de trucs. On se détend, on se calme, 0,1%. Donc tranquille, on peut souffler un petit peu. Et en plus, la France, elle a montré ce truc génial que nous, on applaudit des deux mains, mais en ayant une idée derrière la tête. Pour te faire une petite mise en situation, tu vois, là, toi, aujourd'hui, t'es français. Ouais. Mettons que t'es un planisphère des pays en guerre et que tu dois lancer une fléchette pour avoir une origine. Si tu viens de l'Afghanistan, de l'Érythrée ou du Soudan, quand tu vas arriver à Paris, t'as pas de chance parce que tu vas être à la rue. Tu vas être en campement, tout va être compliqué. Mais mettons que tu sois tombé sur l'Ukraine, alors la situation est horrible, pays en guerre, etc. Par contre, il y aura une différence qui vaut le coup et qui est intéressante, c'est que la France a mis les moyens. Et quand tu vas arriver à Paris, toi, tu vas aller à Porte de la Villette. Ouais. Il y a un centre multi-acteur, tu vas rentrer là-bas, tu vas être soigné, tu vas être vacciné si besoin, on va te donner un peu d'argent. Il y aura Pôle emploi parce qu'en fait, tu sais taffer, donc on va te faire bosser, on va pas te laisser errer, devenir fou, etc. On va te faire dormir là jusqu'à ce qu'on te trouve un hébergement ailleurs. Et ça, c'est pour les Ukrainiens. Donc c'est la preuve que quand une volonté politique est mise et elle a été mise, clairement, ça change, mais du tout au tout. En fait, c'est la preuve par l'Ukraine, quoi. En France, on sait accueillir, on peut faire. Tant mieux pour les Ukrainiens, c'est pas le sujet. Hein. Il s'agit pas d'opposer les migrants entre eux, mais j'entends ce que tu dis, ouais. C'est hyper impressionnant. Vous avez encore une fois des contre-exemples. L'exemple ukrainien est très parlant parce qu'il se passe en France, mais il y a d'autres pays dans le monde, ou même en Europe, où ça se passe mieux, Christian ? Je voudrais juste revenir sur l'Ukraine, si parce que là, il se trouve, on avait pu faire un tweet à l'époque lorsque le Premier ministre Castex avait annoncé 100 000 places d'hébergement. Ah, je me souviens. Voilà, et on avait fait un message, peut-être le message le plus simple avec le compte Twitter de Médecins du Monde. On lui avait dit « Tu vois quand tu veux ». Et ça venait symboliser vraiment notre position. Non, mais c'est vraiment super ce que vous avez fait, mais généralisez-le pour toutes les nationalités. Vraiment, tu vois quand tu veux, quand il y a la volonté politique, on y arrive, on est capable de le faire. Voilà. Et pour te donner un exemple d'un autre pays où ça fonctionne, mais tu vois, l'Allemagne, il y a quelques mois, on était sur une ouverture d'un squat là à Paris, et il y avait un Afghan, on commence à discuter, etc. Et il me dit, j'arrive d'Allemagne, tu parles allemand ? Je lui dis, oh, désolé, je parle pas allemand. Il me dit, putain, moi, je parle couramment et tout. Oh, désolé, ok. Il me dit, j'ai vécu 8 ans là-bas. Ok. Et il me montre, et il me dit, j'avais un boulot là-bas, j'avais une bagnole, j'avais un appart, j'ai une copine aussi là-bas, j'ai construit ma vie. Alors, malheureusement, au bout de 8 ans, il n'a pas eu l'asile, mais pendant 8 ans, il bossait, il était logé, etc. Et au bout d'un moment, la procédure d'asile a fait, désolé, il faut que vous alliez voir dans un autre pays. Et donc, il est arrivé en France. Et donc, il est arrivé en France, et il était dans un squat qui n'a pas tenu 24 heures, et après, il a passé du temps à la rue, et on l'a jamais revu. Il y a quand même une spécificité française d'espèce de fabrique du sans-abrisme. Quand t'arrives, t'es dehors, quoi, avec toutes les conséquences que ça a, tu vois, pour la santé physique, psychique, etc. Non, mais c'est assez impressionnant de voir les différences de traitement et surtout les conséquences que ça a. Encore une fois, je reviens sur ce dont nous, on a l'habitude, c'est effectivement le discours politique. On entend beaucoup de politiques dire, vous comprenez, c'est compliqué, si on les accueille bien, en gros, il y en a plus qui vont venir, le principe de la pompe aspirante, etc. C'est un discours auquel, là aussi, vous devez être habitué. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui l'entendent toute la journée, qui disent oui, c'est vrai. Mais il faut le contrer, il faut absolument le contrer. C'est la spécificité que disait Paul, c'est quand même, dans pas mal de pays, les législations quand même se durcissent, mais il y a quand même cette spécificité française où, dans la haute administration, au ministère de l'Intérieur, on pense toujours qu'il faut faire vivre l'enfer aux personnes pour que d'autres ne viennent pas par la suite, en fait. Sauf que les ressorts des migrations, les ressorts des décisions personnelles des personnes lorsqu'elles sont dans leur pays, lorsqu'elles sont contraintes de partir, lorsqu'elles décident d'aller chercher une vie meilleure,
elles sont tellement éloignées de ces considérations-là, en fait, finalement. Les ressorts sont bien plus profonds, et ce n'est pas parce qu'on maintient les personnes à la rue qu'elles ne vont pas venir en France. On précarise, en fait, le résultat, c'est qu'on en vient juste à précariser les personnes, à les maltraiter. Et pour te donner un exemple très concret, tu vois, mercredi, on était en consulte sur un lieu où il y avait des mineurs, ouais. Et donc tu avais un jeune qui est parti, qui est passé par la Libye. Donc là-bas, il n'a pas raconté ce qu'il avait vécu, mais a priori, il a été esclavagisé et violé. Après, il a passé la Méditerranée, et là, on le voit en consulte. Et en fait, le médecin m'appelle parce qu'il fond en larmes pendant la consulte, on ne pouvait plus l'arrêter. Et il était là en sanglots, il nous disait « Mais c'est ma faute, le bébé qui est tombé du bateau, je n'ai pas pu le sauver, c'est ma faute, et j'ai perdu des gens. » Et en fait, les gens, ils ne viennent pas en France parce que il n'y a pas la queue à la préfecture et qu'on a vite la carte vitale. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on faciliterait les choses ici que les gens traverseraient l'enfer en Libye et traverseraient dans la Méditerranée qui viendraient. Personne ne se dit « Ah, je vais aller en France parce qu'il y a un accès facilité à l'AME et sur le chemin, je vais me faire violer, je vais risquer ma vie sur un bateau. » Non, les gens partent parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils veulent rester en vie, donc ils partent et ils finissent par arriver ici. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, on matraque, on maltraite et tout, que ça va les décourager. Ils n'ont pas le choix de partir. Puis surtout que oui, surtout que tu en parlais tout à l'heure sur les zones en guerre, il y en a beaucoup, c'est lié à des aléas géopolitiques, etc. Je comprends ce que tu veux dire sur le côté, c'est pas en rendant l'accueil plus difficile ici qu'on va régler quoi que ce soit au phénomène des migrations. En plus, on connaît, on sait par avance, et pour le coup, c'est de mieux en mieux documenté par le GIEC les phénomènes de migration climatique. Donc on sait que ça va aller en s'amplifiant et que donc. Donc la question mérite de continuer à être posée. Ouda, qu'est-ce que deviennent les personnes après leur accompagnement ? Par exemple, si elles changent de pays, si elles arrivent au Royaume-Uni, vous continuez à garder un lien ou le suivi s'arrête à un moment ? Comment ça se passe ? En fait, une des caractéristiques de ces personnes, c'est leur forte mobilité. Donc on ne les revoit pas toujours. C'est pour ça qu'on est vraiment dans données sur du one-shot la plupart du temps. Donc sur la seule fois... Les deux, trois fois, on va les voir. Le maximum d'outils possibles en matière de santé. Maintenant, c'est ce que disait Diane tout à l'heure. Parfois, effectivement, quelqu'un qui est passé par Briançon, on va le revoir à Paris ou à Toulouse ou à Lyon. Mais c'est quasiment anecdotique et c'est très hasardeux. Et nous n'avons pas toujours d'informations sur ce qu'ils deviennent après. Parce que les motivations, effectivement, c'est ce que disait Paul, au moment où ils arrivent, ils ont plein de ressorts qui les font arriver. Et parfois de non-choix, mais les choix se révisent aussi au fur et à mesure de ce qu'ils vivent une fois entrés sur le territoire. En fait, c'est très difficile aussi de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire après. D'accord, je comprends. Est-ce que vous avez des retours des personnes que vous suivez ? Est-ce qu'elles vous parlent ? Est-ce qu'elles vous remercient, je suppose ? Écoute, moi, il y a un an, j'étais dans une réu et j'ai mon téléphone pro qui sonne, je décroche. Et là, il y a un mec qui me dit hey, « Paul, en français, etc. Comment ça va ?» et tout, c'est Salim. Et là, je capte la voix du mec, je dis « Ah, mais Salim !» Et donc, c'est un de nos patients, un jeune Afghan, genre mon âge, quoi, 27-28 ans. Et le mec me dit « Je t'appelle parce qu'en fait, maintenant, je suis en France, j'ai eu les papiers, j'ai un appart et j'ai trouvé un job à la Comédie Française. » Et il me dit « J'appelle tous les gens qui m'ont aidé sur le parcours. » Alors, on a plein d'histoires tragiques, mais des fois, ça marche. Et j'étais tellement content qu'un de nos patients, en plus, ait un job de français, quoi. Et vraiment, non, mais ça fait plaisir. À la Comédie Française, c'est beau. À la Comédie Française, non, mais quand même. C'est canon, quoi. Voilà. Non, GG Salim, il y est toujours, tu crois ? Il y est toujours, ouais. Si vous allez à la Comédie Française, à l'accueil, vous verrez peut-être Salim. Salim, on t'embrasse. Non, mais c'est vachement bien. Vous devez aussi avoir des beaux moments que vous devez vivre aussi avec les personnes exilées. Vous devez. On a de beaux moments qu'on vit avec les personnes et on a effectivement des histoires émouvantes. Christian a raconté l'historique de Médecins du Monde et. Les premiers centres qui se sont ouverts en 86. Et effectivement, on avait beaucoup accueilli à l'époque des gens qui venaient, ce qu'on appelait les boat people, qui venaient justement de... Ouais. Et l'un d'entre eux est devenu médecin. Il est bénévole aujourd'hui dans un des centres de Médecins du Monde, 40 ans après. Donc, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est vraiment des moments émouvants. Et ça prouve que dans ce pays, il y a de la solidarité. Il y a des gens qui veulent aider. Il y a des gens qui veulent aider les gens en matière de santé. Il y a aussi un truc important que vous développez, c'est la question du pouvoir agir. C'est des gens qui se mobilisent eux-mêmes pour leurs propres droits, c'est ça ? Qui se mobilisent pour leurs propres droits, qui se mobilisent pour leur santé. Il y a un aspect sur la santé qui est très biomédical, c'est le médecin qui sait, c'est le médecin qui traite. Donc globalement, renforcer le pouvoir d'agir des personnes en matière de santé, ça doit être une politique globale pour tout le monde, mais elle est encore plus impérative justement pour les personnes qui sont exclues du système, qui sont exclues des droits. Donc quelque part, il faudrait aussi comprendre la manière dont les personnes envisagent leur santé, la manière dont elles envisagent leurs problèmes de santé, et puis leur donner des outils. Donc la prévention, la promotion de la santé, l'éducation à la santé, c'est aussi une manière de les renforcer, et puis justement de les aider à être autonomes dans le système, donc de le comprendre et de pouvoir elles-mêmes voguer dans le système de santé.
Est-ce que c'est aussi en termes de mobilisation politique ? Clairement, oui. Ouais. On a un exemple de ça en Ile-de-France qui est assez fort. Alors, j'espère que je ne vais pas dire un gros mot, mais avec les squats. Non, c'est pas un gros mot, ouais. Les exilés en Ile-de-France se retrouvaient beaucoup dans des campements et il y en a qui disent, bah, au bout d'un moment, stop, si l'État ne fait rien pour nous, on va investir des bâtiments vides qui ne servent à rien, des locaux d'entreprise qui sont vides. Et il y a plein d'exemples de ça à Paris. Donc les exilés, en fait, bah ouais, c'est des gens qui ont du désir, une autonomie, des opinions politiques. Nous, on a un de nos patients qui s'appelle Osman, qui était ingénieur au Soudan. Il y a eu une révolution en 2019 au Soudan. Il a été réprimé là-bas en tant que militant politique. Ils occupaient la place principale de Khartoum. Ils campaient dessus comme nuit debout, finalement. Et il s'est retrouvé à Paris. Et moi, je l'ai rencontré à une ouverture de squat. Ils ont essayé d'investir une école dans le 15e à 200. Ils sont rentrés dans le bâtiment. Alors, le bâtiment a très vite été assiégé par la police avec un truc complètement illégal. Mais en gros, ils assiègent et tu peux sortir, mais tu peux rien faire rentrer. Donc, au bout d'un moment, t'as pas de bouffe, t'as pas d'eau. Mourir dans le bâtiment ou continuer ta vie à la rue, bah voilà, c'est le choix qu'on te laisse. Et le gars vient me voir tout sourire et me dit « Je suis trop content, je suis trop content ». Je lui dis « Mais pourquoi t'es content ?» Parce que la situation, objectivement, est merdique. Là, on est coincé dans un bâtiment, il y a les flics dehors, c'est la merde. Et il me sort une clé de sa poche et il me dit « Écoute, depuis que j'ai quitté le Soudan, j'ai jamais une chambre pour moi. Et là, si le bâtiment tient, j'aurai une chambre et je serai seul dedans. » Pour la première fois depuis 3-4 ans, quoi. Et donc voilà, il y a ce truc de... En fait, les gens ont leur autonomie, ils vont se battre politiquement pour leurs droits, pour des lieux, et nous, on essaye de les accompagner comme on peut. Qu'est-ce que vous souhaitez dans les mois et dans les années qui viennent ? C'est une question un peu généraliste, mais pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent voir les choses évoluer, là, il y a la loi asile-immigration, donc là, ça va être dans les mois qui viennent, la législation en France, mais à plus long terme, comment est-ce que vous le formuleriez, vos souhaits, chacun ? Christian ? Mais je vais revenir sur le court terme, quand même, sur cette loi asile-immigration, non, mais désolé. Vas-y, oui. Non, on en parlait tout à l'heure, c'est cette remise en cause de cet accès aux soins pour des personnes qui sont très précarisées. Il faut absolument que ce système se perpétue, il ne faut pas qu'il soit remis en cause, il ne faut pas que ces amendements soient votés. Et puis nous, on voudrait aller au-delà de cette aide médicale d'État finalement. Et on voudrait que les bénéficiaires de l'aide médicale d'État soient réintégrés dans le régime général de la sécurité sociale comme c'était il y a bien longtemps, avant les lois Pasqua, hein, finalement. Ça parle pas beaucoup. Tu peux nous en parler de ça, juste? Non, mais parlons-en. Les lois Pasqua, ministre de l'Intérieur, emblématique. Loi Pasqua, 93. Ouais. Loi Pasqua, ministre de l'Intérieur, tout à fait. Et qui avait conditionné, finalement, le fait d'être la nationalité à l'accès, à l'affiliation, à la protection maladie en France. À l'assurance maladie, voilà. Ouais. Et donc, c'est depuis les lois Pasqua, effectivement, qu'ils sont pas affiliés à ce régime. Et c'était déjà un ministre de l'Intérieur qui s'occupait de questions de santé. C'est un vrai problème. Absolument. C'est vrai. Ouda, tu formules quoi comme vœu ? Eh bien, que le ministère de la Santé s'occupe des problèmes de santé des personnes, donc qu'il fasse son boulot. En plus, t'as pas l'impression de demander la lune, en plus. Voilà, non, c'est quand même un peu basique. C'est un peu basique, ouais. C'est quand même un peu basique, et il y a beaucoup de gens dans le système de santé qui ont envie de ça, qui sont aidants, qui ont besoin d'aider les gens, donc il faut se donner les moyens pour pouvoir permettre l'accès à la santé, cette santé globale, aux personnes qui arrivent. Diane, dans la zone nord littorale ? Bah, nous, ce qu'on souhaiterait, au-delà de tout ce qui a été nommé, parce que évidemment, c'est l'essence même de notre travail, mais ce qu'on demande, c'est vraiment la fin du harcèlement policier et le fait, en fait, de pouvoir prendre le temps avec les personnes pour échanger sur leur parcours, voir ce qu'elles ont vraiment envie de faire, les respecter, arrêter le harcèlement et voilà, réfléchir en fait à des voies d'accès sur illégales pour qu'elles puissent poursuivre leur parcours comme elles le souhaitent, conformément à ce qu'elles souhaitent et tout en étant respectées dans leur dignité d'être humain. Ok. Jean-Luc ? Eh ben... À Briançon. Ouais, Briançon. À Briançon, depuis 2017, il y a un refuge solidaire. Donc, on a vu un petit peu ça sur la vidéo. Et c'est quelque chose d'un peu unique en France, cette solidarité autour de l'accueil. Et malheureusement, ce refuge, il ne fonctionne qu'avec des bénévoles, sans aucun soutien de l'État. Et en fait, nous, on aimerait que l'État prenne ses responsabilités et participe à l'accueil, un accueil digne, voilà, et inconditionnel. Le préfet, par exemple. Le préfet, par exemple, puisqu'il nous écoute, voilà, ça pourrait être voilà, un exemple. Exactement. Ok. Paul ? Eh bien, écoute, j'espère qu'on va réussir à faire changer de vision un peu sur la migration aux gens. Ouais. Moi, à un niveau perso et via MDM, la migration, ça a positivement bouleversé ma vie. En bossant ici à Paris et en rencontrant les gens, j'ai l'impression d'être au carrefour du monde entier. Mmh. Et moi, je suis sorti de ma petite campagne vosgienne et je découvre l'existence de langues et de pays et je rencontre des personnes que j'aurais jamais rencontrées grâce à ça.
Et comme tu le disais, avec le réchauffement climatique, la migration, c'est quand même un phénomène qui va s'intensifier. Donc là, on a une opportunité en fait incroyable. Maintenant, on peut s'entraîner à accueillir au mieux, à intégrer au mieux, à répartir au mieux partout. Donc c'est maintenant. Et si je dois un truc très précis pour les gens de Paris et d'Île-de-France, mais il y a un nouveau squat qui vient d'ouvrir à Rony, au 111 rue Camélina. C-A-M-I-L-I-N-A-T. Et ils ont besoin de tout là. Ils viennent s'installer. Alors, c'est ce que j'ai demandé. Il y a juste quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai un ami exilé qui est passé par Briançon. Merci à vous. » Donc, tu vois, c'est probablement quelqu'un que Jean-Luc a rencontré et a accompagné lors de son passage. Justement, j'allais vous demander comment on fait pour vous rejoindre, pour vous aider, les gens qui vous ont écouté, qui ont envie de se mobiliser. Comment on fait ? On peut devenir bénévole ? Bien sûr. Avec grand plaisir. Ouais. Comment on fait ? On pousse la porte ? Alors, soit on pousse la porte, notre bureau, il est à Dunkerque. On est tout le temps là, okay. Avec grand plaisir. Sinon, il y en a partout en France, des bureaux. Il y en a partout en France, ouais. Nous, ce qu'on demande au niveau du littoral, c'est de la disponibilité, surtout en semaine. Mais on cherche tous les profils, en fait. Il ne faut pas croire que c'est si on n'est pas demandé, médecin, ouais, je suis pas médecin, on ne peut pas être bénévole. Ouais. Moi, je ne suis pas soignante. D'accord. La preuve en est, on peut être à Médecins du Monde sans être soignante. On cherche effectivement des médecins, des infirmiers, des infirmières, mais aussi pour toutes nos activités d'aller vers, d'information, de médiation. En fait, tout à chacun, toutes les personnes qui ont envie peuvent nous rejoindre, d'autant plus qu'on propose des formations et on accompagne surtout le bénévolat. Voilà, on n'envoie pas quelqu'un comme ça en lui donnant la veste médecin du monde et ouais, allez hop sur le camp. Donc il y a une formation. Il y a une formation et on accompagne, on encadre les choses, on a des interprètes, ce qui permet du coup d'avoir une intervention de qualité. Est-ce que vous recrutez aussi, je vois la question dans le chat, des professionnels sur des jobs, sur des CDI, des CDD ? Christian, Ouda ? Oui, on recrute. Donc, sur le site de Médecins du Monde, il y a les ouvertures de postes assez régulières. Donc, sur les postes dont on a besoin, autant d'ailleurs sur les terrains France que sur les terrains internationaux. Okay. Et donc, sur des métiers ou sur des postes assez particuliers, effectivement. Je suppose qu'on vous retrouve sur tous les réseaux sociaux qui vont bien. Eh oui. Et je voulais en parler parce que tout à l'heure, je suis pas allé au bout de mon histoire. J'ai parlé d'un tweet sur l'Ukraine. Tu vois quand tu veux. Ouais. Il faut savoir que c'est le message qui a été le plus historiquement le plus relayé de Médecins du Monde, avec 10 000 retweets, 50 000 likes, 4 millions de vues. Il faut en faire plus souvent des comme ça. Hein. Et ben voilà, mais faut les. C'est une fulgurance un soir. non, mais bien joué. Hein. et c'est une forme de mobilisation aussi assez simple. Si vous appréciez, enfin, nos positionnements, n'hésitez pas à suivre nos comptes Twitter, Instagram, Facebook. On s'en sert pour interpeller, pour faire passer des messages. Cette fonction d'interpellation, elle est hyper importante. On a obtenu des trucs de dingue, rien qu'avec un tweet au moment du Covid pour une mise à l'abri d'un campement du côté d'Aubervilliers. Et en fait, si vous relayez nos messages, ça envoie des notifs, des notifications à tous les politiques qui sont dingues de leur compte Twitter. C'est vrai. Et c'est un bon moyen de faire passer des messages. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi une forme de mobilisation. On peut aussi vous donner de l'argent. On connaît notamment Spidon, évidemment, des gros bisous à Mister MV, le t-shirt, vous l'avez tous chez vous, j'espère. Vous pouvez acheter le t-shirt, vous pouvez faire des dons lors de Spidon, mais tout le reste de l'année aussi, vous pouvez faire des dons. Vous êtes financé comment, Médecins du Monde ? C'est essentiellement des dons, c'est l'État, c'est des entreprises, c'est des méchants, c'est quoi ? C'est comment ? Alors, on est financé par les dons des personnes donc, qui nous soutiennent. C'est grâce à ça qu'on peut financer le matériel, les projets, aller vers les gens, les soutenir. On a une mission de santé publique. Donc, on a aussi l'État comme bailleur sur certains, sur certains de nos projets. Donc les agences régionales de santé sur nos missions de santé publique, de public. Et puis, des fondations aussi pour soutenir des projets, justement, de mise en réseau de différents acteurs de santé. Donc, les financements viennent de là. Les dons sont extrêmement importants parce que c'est les dons qui nous permettent d'être indépendants, de pouvoir dénoncer les politiques. Donc, donner. Parce que donner, c'est aussi s'engager, ça permet de défendre les personnes. C'est déductible d'impôt. Ouais. Je le précise, vous êtes reconnu d'utilité publique, donc c'est déductible d'impôt. Et j'ai vu dans le chat qu'apparemment, on avait fait planter le site tellement vous étiez nombreux ce soir. On a fait planter Médecins du Monde. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de Backseat pour ce support. Merci beaucoup. On va marquer une très courte pause et on se retrouve juste après la pause pour la reprise de Backseat. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir, vous êtes magnifiques. Merci à toutes et à tous d'être là, d'être si nombreux et si nombreux
Merci d'être là pour l'avant-dernière de la saison sur Backseat. Très heureux de vous retrouver, chers amis. On va parler de politique toute cette soirée. Après ce fantastique Before qu'on vient de voir et qu'on a rediffusé, c'était le Before d'il y a deux semaines avec Médecins du Monde, mais c'était parfaitement dans l'actualité puisque la journée mondiale des réfugiés, c'était mardi dernier, le 20 juin. Merci encore à Médecins du Monde d'avoir sponsorisé ce Before. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à soutenir Médecins du Monde. Chers amis, bonsoir si vous nous regardez actuellement en direct sur Twitch. Bonsoir le chat, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Ce soir, on va commencer par les sujets de la semaine qu'on va discuter avec mes chroniqueurs et chroniqueuses et ensuite, nous recevrons notre invité politique cette semaine. Il s'agit de Stanislas Guérini, le ministre de la transformation et de la fonction publique. Ou de la transformation publique et de sa fonction, je ne sais plus. The Transformers. The Transformers, c'est lui. Ouais. The Original. Donc voilà, je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses préférés. Bonsoir Usul. Bonsoir. Comment tu vas ? Oh bah que je suis à mon pic. Waouh. Son prime. À mon prime. Prime. Voilà. Usul, tu as diffusé un épisode d'Ouvrez les guillemets sur Mediapart lundi sur François Ruffin où tu analyses sa stratégie. Sur la stratégie de Ruffin. Voilà. Tu en dis du bien d'ailleurs. Bah je trouve que en fait que ce soit lui ou pas lui parce que bon évidemment le titre je dis et si c'était lui évidemment on est à 4 ans avant le scrutin. Mais oui mais c'est marrant c'est oui. C'est un peu débile et d'ailleurs on termine l'épisode en disant 4 ans avant 2017 vous connaissiez pas Macron. Oui c'est vrai. Donc il peut s'en passer évidemment des choses mais ce qui est intéressant c'est la stratégie de Ruffin avec la NUPES qui est une stratégie de distinction mais qui est une stratégie de un peu de calme d'apaisement. Dédiabolisation même tu utilises le mot c'est marrant. Et de dédiabolisation bah oui parce que ce qui arrivait à faire l'extrême droite si on arrivait à faire le quart de ce qu'ils arrivent à faire c'est-à-dire qu'en rien foutant ils arrivent à être à monter dans les sondages. Ouais. Et nous, on s'excite et on ne monte pas tellement. Tu as aussi annoncé que c'était l'avant-dernier épisode d'Ouvrez les guillemets qui va s'arrêter. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, le dernier, genre j'arrête Ouvrez les guillemets. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui absolument, absolument. Oui, je te l'apprends, je t'informe. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'on a fait 6 ans de ça et en fait, faire 6 ans la même chose, je sais pas, dans votre taf, si au bout de 6 ans, vous n'avez pas envie de changer de poste. Ouais, mais même dans les rédacs, tu me le disais en antenne, même dans les rédacs, même à Mediapart, au bout de 6 ans, dans la même rubrique, tu dis bon, j'ai envie de bouger, voilà, c'est normal. T'es au pôle politique, tu passes au sport, ou n'importe où, ou voilà. Tu vas aller au sport, et ben écoute, voilà. Peut-être que je te donnerai quelques tips. Peut-être que maintenant je veux commenter du Street Fighter 6. Ah oh oui, fonce, vas-y. On est aussi avec Léa, salut Léa. Bonsoir. Comment tu vas ? Pas terrible. Pourquoi ? Bah moi ça va, mais la France va mal. Ah. Et ça te fait des nœuds à l'estomac. Et du coup, effectivement, j'ai des nuits très perturbées, des journées très énervées. Non, en ce moment, ça me saoule. D'accord. Non, vraiment, voilà. Ça fait quand même plaisir de te voir. Ouais, non, mais je suis contente d'être là. Et oui, et en plus, comme c'est ma dernière émission, bah, je suis triste. Oui, parce que tu pourras pas être là la semaine prochaine pour la dernière. Et ben, on est aussi triste que toi. Sinon, ça va, ouais, nickel. On peut dire que t'as un formidable t-shirt. Oui. Oui, on peut. Oui, il est trop Alexandra Ocasio-Cortez. Il est trop beau, il est merci absolument magnifique. Merci à Claire. Claire qui t'a rapporté des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Absolument. Léa, tu as fondé Popol Media, un média indépendant féministe. Tu as un podcast qui s'appelle Popol et une newsletter. Mm-hmm. Popol Post. Popol Post, c'est le nom de Popol la newsletter. Popol Post. Ok. Non pas Popol Pot, comme on m'a dit une fois. C'est pas tout à fait ça. Et j'ai écrit un livre aussi, il faut le dire. Parce que du encore coup, oui. Encore un non, il est sorti en poche. Il est sorti en poche et donc ils m'ont annoncé aujourd'hui qu'ils l'ont réimprimé. Donc tu un livre l'année dernière, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il est ressorti, parce que comme il est sorti en poche, c'est une deuxième vie, donc un tout petit peu réédité. Et là, il est réimprimé, donc allez-y. Non, c'est cool. Le livre, offrez-le à qui vous voulez. Chez votre livreur préféré. Ça cale super bien les portes aussi. Enfin, bon. Et ça s'appelle Plus de femmes en politique. Tout à fait. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Sacha, tu es journaliste au JDD. Oui. Ça va ? On balaye le sujet maintenant ou... Bah écoute, il faut le dire. Non, les gens ils vont ricaner. Ça mais a été une pas journée un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on a. Dis-le appris, bien dans le micro. Pardon, on a appris par un autre média, donc Le Monde, que notre nouveau directeur des rédactions pourrait être Geoffroy Lejeune. Qui vient d'être débarqué de Valeurs débarqué Actuelles. De Valeurs Actuelles. Donc c'est un peu violent. Bah, j'imagine, on a appris effectivement aujourd'hui que les journalistes du JDD avaient voté la grève à 93%, ce qui est très très rare pour le JDD. Le JDD qui ne paraîtra pas ce dimanche, du exactement. Coup. Exactement, c'est ma première grève. Cette félicitation. Voilà.
des applaudissements en soutien à la rédaction du JDD, oui. dont on comprend le désarroi. Je suis en grève, ouais, au JDD, ouais, oh. Contre Geoffroy Lejeune, ouais, d'accord, okay. on est pour. Ouais, c'est une rédaction qui est très rarement en grève. Bah ouais, 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 c'est non, la première depuis 2016, un truc comme ça. Bon, écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Courage à toi et à tes collègues à la rédac, on pense à vous en ce moment. Chers amis, avant de parler des sujets de la semaine, je tiens à vous rappeler que vous pouvez participer au financement de l'émission Backseat. Il ne reste que deux émissions Backseat, dont celle-ci, avant la fin de la saison. Vous êtes plus d'un millier à d'ores et déjà soutenir Backseat. Il vous reste plus beaucoup de temps pour le faire si vous ne le faites pas déjà. Allez sur KissKissBankBank, faites un don pour participer au financement de cette belle émission. Faites un don régulier, un don récurrent qui nous permettra aussi de financer le début de la saison 3 l'année prochaine. Et je tiens à vous dire que la semaine prochaine, pour la dernière émission de Backseat, il y aura des lots à gagner. Nous ferons un tirage au sort parmi les personnes qui nous soutiennent sur KissKissBankBank. Donc il faut faire partie des donateurs et donatrices. Vous pourrez remporter un t-shirt Backseat dédicacé par l'ensemble des chroniqueurs et chroniqueuses. Ah ouais. Ouais. Mais si, je te l'avais dit. Mais sinon, on n'a déjà même pas eu de t-shirt Backseat normal. Bah ouais, c'est ça. Bah vous avez participé au financement ou pas? Il y a un syndicat dans Backseat. Oui, alors oui. Oui, t'as fait un don. Oui, absolument. Merci pour ton bon Sacha. Sacha, tu vas conduire la grève à Backseat. Ce sera ma deuxième grève. Eh bah, bien, soutenez la grève. En tout cas, vous pouvez gagner un t-shirt la semaine prochaine. C'est une taille unique. Ce n'est pas un t-shirt qui est fait pour porter, parce que c'est un objet de collection. Voilà, c'est un t-shirt de taille M que vous pourrez encadrer, afficher dans votre chambre, dans votre poster, dans vos chiottes. Donc participez au financement de Backseat, les amis. N'hésitez pas à faire un don récurrent. C'est la meilleure manière de nous soutenir parce que ça nous donne de la prévisibilité et ça nous permet aussi de préparer la suite de l'émission. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Piouf. Alors l'actualité de cette semaine, elle commence avec un terrible naufrage en Méditerranée. 750 personnes sur un chalutier qui tentait de traverser la Méditerranée depuis la Libye en direction de l'Italie. Le bateau a fait naufrage au large de la Grèce. Seulement 104 passagers ont survécu à ce terrible naufrage. C'est le plus terrible bilan d'un naufrage au large de la Grèce depuis 2016. Les ONG, notamment Amnesty, Alarm Phone, etc., pointent du doigt les autorités grecques en disant que le drame était évitable. Et on est au cœur de l'actualité, puisqu'il y a un nouvel accord européen qui a été signé la semaine dernière, le 15 juin, sur la politique de l'asile. Et ça continue à faire débat, y compris en France, la question de l'accueil des réfugiés. C'était le thème du Bifort avec médecins du Monde. On est à quelques jours de la présentation, on est à quelques semaines de l'examen au Parlement d'une nouvelle projet de loi sur l'immigration qui fait déjà beaucoup couler d'encre, et on en parlera tout au long de cette émission autour des accords entre la majorité et les Républicains. Depuis la crise des réfugiés de 2015, est-ce qu'on s'est habitué à ces terribles bilans, selon vous? Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce que, Usul? C'était intéressant, je conseille aux gens qui n'ont pas écouté le Before et qui viennent à 19h30, de plus tard regarder ce qui s'est dit, d'écouter ce qui s'est dit, parce que notamment il y avait cette histoire sur la loi en question, la loi asile et immigration, des amendements qui sont venus de la droite et de l'extrême droite évidemment, pour rajouter dans le package global des mesures, des trucs, pour bloquer l'accès aux soins, hein, contre l'AME, contre l'aide médicale de l'État. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de surenchère dont on voit à peu près d'où viennent les fondements racistes, etc. Et cette surenchère conduit à une surenchère de propositions inhumaines, en fait. On s'est retrouvé avec Dominique de Villepin hier sur France Inter, qui est venu dire c'est aussi une droite qui n'a pas d'idée, ça, qui du coup fait de la surenchère dans des trucs de plus en plus inhumains, de plus en plus barbares. Y a Nadine Morano qui a cru bon lui répondre. Elle s'est dit, s'il y a bien quelqu'un qui a le niveau pour répondre à Dominique de Villepin, c'est moi. Et donc, elle lui a fait un long tweet pour dire « Je suis à Lampedusa », vous savez qu'il y a une île qui fait office de centre de transit, on va dire, où les gens attendent de voir où ils vont être dispatchés. Et elle disait « Vous ne voyez pas, il y a plein de migrants, c'est chaud. » En fait, leur seul argument, c'est « Ils sont pleins et c'est chaud. » Or, quand on regarde les chiffres, et particulièrement l'accueil en France, on n'accueille pas tant que ça. On accueille extrêmement mal. Et si aujourd'hui, on a des problèmes avec des gens qui vont péter des câbles, etc., les médecins l'ont très bien dit tout à l'heure, les parcours... Alors déjà, le parcours d'accueil, il est bienvenu en France. Hein, il est accueilli par la police, t'es fliqué, t'es chassé dans la nature, t'es arrêté à l'arrêt de bus. Mais il faut s'imaginer que c'est des gens qui ont des parcours de vie qui, avant ça, sont déjà... horrible. Pour avoir parlé déjà, moi, avec des gens qui avaient ces parcours de migration, quand ils te racontent leur truc, tu es glacé.
par ce qu'ils ont traversé, par les gens qui sont morts auprès d'eux. Comment voulez-vous que ces gens arrivent et sans un accueil décent puissent s'intégrer correctement, trouver un travail et puis juste tout simplement être en bonne santé, même en bonne santé mentale. Je veux dire, l'accueil, oui, on a compliqué les conditions d'accueil, on a compliqué l'arrivée. On a compliqué l'arrivée, mais à bien des égards. Hein. C'est-à-dire, quand on se dédouane sur des pays tampons pour dire vous allez les gérer, et puis que les pays tampons, ça va être la Libye ou des trucs comme ça. Ceci étant, il y a aussi une politique européenne de répartition des réfugiés qui avait été décidée au moment de la crise des migrants en Syrie, celle de 2015-2016, avec la répartition des réfugiés parmi les États. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui selon lui, lui proposait par exemple que les migrants soient répartis d'autorité, y compris sans l'accord des pays d'accueil. Qui est ironique du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, de dire que l'Europe devrait imposer des trucs aux pays, mais on voit que c'est un sujet de tension. Je rappelle que l'enjeu pour le gouvernement de ce projet de loi immigration, c'est notamment d'accélérer les procédures, notamment pour les personnes réfugiées qui relèvent de l'asile, qu'elles aient une réponse définitive sur est-ce que oui ou non elles bénéficient du droit d'asile rapidement, et que les reconduites à la frontière soient plus effectives, plus rapidement, pour éviter de laisser pourrir des situations trop longtemps. C'est ça que souhaite faire le gouvernement. Avec une proposition qui est, en fait, il faudrait qu'ils puissent demander l'asile depuis leur pays, en allant au consulat de leur pays, en disant « Bonjour, je suis un opposant politique, est-ce que c'est possible d'avoir l'asile ?» Comme si, en fait, dans ces cas-là, en fait, t'es pas déjà en fuite, comme si t'étais pas les gens qui allaient aller dans les consulats vont pas déjà être surveillés, quand on parle de régimes dans lesquels, je sais pas, que par exemple, que Macron a pu accueillir il y a pas longtemps Ben Salman, tu vois, bon, imagine, t'es un journaliste, t'es sous surveillance, etc., tu vas tranquille au consulat, puis tu rentres chez toi, puis après tu repars, et puis comment ça se passe, quoi. Ouais. Donc, évidemment, que les gens partent d'abord, parfois avec n'importe quoi dans leur sac et aussi vite que possible, et après, enfin bon, voilà, il y a plein de questions, je vais laisser parler d'autres gens, parce que... Non, mais c'est un sujet qui te tient à cœur. Il y a quand même un sujet intéressant sur le positionnement, pour le coup, de la gauche autour de cette question, puisqu'on voit que la gauche est aussi sous pression de l'opinion publique, y compris l'opinion publique de gauche, qui souhaite, elle aussi, parfois, un durcissement des positions sur la question migratoire. Léa. Bon, alors... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense aussi, est-ce que l'immigration doit uniquement être un sujet de droite? Tout comme le féminisme, parce que ça doit être uniquement un sujet de gauche. Je pense qu'on c'est d'où la question de la gauche, et c'est pour ça que la gauche est sous pression aussi d'une opinion publique qui souhaite qu'elle se saisisse de ces sujets, des sujets régaliens en général, mais de ce sujet-là en particulier. Je pense que globalement, déjà, il y a une espèce de panique, qui est partagée à droite, au centre. Il y a un glissement, évidemment, des idées d'extrême droite... qui finalement a une certaine influence même à gauche, hein, on le voit, hein, je pense à Roussel, hein, qui n'est pas forcément terrible là-dessus. Il y a aussi, tu parlais de... C'est l'extrême droite qui fait pression sur la gauche. Je pense que l'extrême droite fait pression de manière générale, en fait, hein, en disant que... Il y a une hégémonie culturelle. Voilà, il y a une espèce... La bataille culturelle est en train de gagner du chemin, et on le sait, hein, et d'ailleurs aussi parce que le gouvernement leur facilite, évidemment, leur donne la réplique, presque, hein. C'est assez facile de voir comment les choses... Enfin, c'est assez intéressant de voir comment les choses se passent. Ce qui se passe aussi au niveau européen, c'est assez important de revenir là-dessus, parce que c'est un accord qui a été plus ou moins ficelé en loose day, parce qu'on en parle très peu. Toi, tu en as parlé, mais finalement, dans les médias, on en a assez peu parlé. Ça n'a pas fait la une des journaux, etc. Les politiques ne sont pas forcément en train d'en discuter. Mais ce qui est en train de se passer au niveau européen, c'est que là, donc, du coup, on a la Commission, le Conseil, qui sont en train de prénégocier un accord avec le Parlement, de sorte à ce que cet accord sur l'immigration et sur l'asile, cette réforme, soit adopté avant les élections de juin 2024. Donc on a un an, en gros, pour que cet accord permette, enfin, voie le jour. Donc, on comprend bien le but de la loi, en somme. Pardon ? C'est-à-dire qu'il y a une surenchère de loi précisément... Ah, mais il y a une surenchère dans tous les sens. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la majeure partie des eurodéputés sont quand même... d'extrême droite, hein, faut le dire, et eurosceptique. La majeure partie. Une bonne partie quand même. Il y en a un bon paquet, en tout cas des eurodéputés français. C'est le deuxième groupe. Hein. C'est le deuxième groupe. Ça reste le PPE. Oui, bien sûr. Mais ça reste le RN reste la force politique la plus représentée pour la France pour au Parlement européen. Oui, pour la France. Donc avec une certaine influence, hein, qui est évidente. Il y a aussi des représentants de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Oula, je m'y perds, pardon. Des pays européens qui sont en train de négocier, se taper la bise avec Macron, etc. Je pense à Mélanie. On fait des tweets. En disant que tout va bien. C'est la première ministre italienne. Que tout va bien, que oui, très bien. Et tout ce qu'on sait, c'est que ces gens-là sont en train de pousser un agenda politique qui est totalement inhumain, en fait. C'est ça, la réalité. Et ce qui est en train de se négocier à l'heure actuelle au sein de l'Union européenne, c'est la répartition
des personnes qui migrent effectivement par pays, mais aussi la possibilité pour les pays qui ne souhaitent pas accueillir de mettre de l'argent dans une espèce de pot commun pour permettre aux pays qui font face à la crise migratoire, il n'y a pas de crise migratoire en réalité, tu le disais, les chiffres ne sont pas scandaleux. Ce qu'il y a, c'est une crise environnementale, des crises humanitaires, avec des personnes qui sont obligées de se déplacer. On ne part pas de bon cœur de chez soi. On ne part pas de bon cœur de chez soi. Surtout quand on connaît les parcours migratoires. C'est un enfer. Et c'est important de le rappeler. Il y a autre chose aussi qui est très importante aussi de rappeler, c'est que dans ce projet de loi qui est en train d'être discuté déjà, et qui sera présenté vraisemblablement au Conseil des ministres au mois de juillet. Ouais, au mois de juillet, donc, en session extraordinaire, oui. Arrivera dans la foulée à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. C'est qu'il n'y a aucune politique d'accueil, en fait, qui est envisagée. On ne peut pas parler d'accueil aujourd'hui en France. On ne parle pas d'accueil. Les personnes qui sont sur notre territoire sont des personnes qui cherchent à survivre et qui font de leur mieux pour éviter de se faire tège et qui font de leur mieux pour essayer de vivre, en fait. Il y a une politique de l'accueil, qui a été mise en place notamment au moment de la crise des Ukrainiens, avec la clé de répartition dans les territoires. On a vu, y compris des tensions au niveau local. C'est ce qu'on peut dire une exception, en réalité. Qu'il y a les bons, entre guillemets, et les mauvais migrants. C'est-à-dire qu'on est capable d'accueillir plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens à cause de la guerre déclenchée par la Russie. Et on est incapable d'accueillir correctement, entre guillemets, d'autres réfugiés politiques qui viennent soit de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Et donc, on a une sélection, entre guillemets, sur les migrants qui est faite, qui n'est évidemment pas étalée dans les textes de loi ni dans tout ça, mais qui est ultra visible, quoi. Alors, effectivement, il faut peut-être un peu plus contrôler l'immigration, il faut peut-être qu'on gère un peu plus nos frontières, mais dans ce cas-là, pourquoi faire une sélection entre Européens, Africains du Nord, comment on gère plus nos frontières? Comment on contrôle plus nos frontières? On fait quoi? On met des mitraillettes directement sur... Je ne suis pas Quai d'Orsay, mais... Non, mais tu dis, il faut peut-être contrôler plus nos frontières. Il faut taper sur les passeurs, déjà, beaucoup plus, je pense. Notamment, parce que c'est eux qui sont aussi responsables. Mais on n'empêchera pas l'immigration, en fait. Oui, mais du coup, une fois qu'ils sont là... Non, mais je ne dis pas qu'il faut empêcher l'immigration, quand même. Mais pourquoi contrôler les frontières, dans ce cas? On n'est pas obligé... On ne peut pas accueillir tout le monde non plus. Voilà. Les gens vont continuer à migrer, en fait. Oui, peu importe si on renforce le contrôle, si... Enfin, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant... Ça dépend des conditions. En fait, on est face à une réalité, en fait. Ce sont des faits. Les gens migrent pour plein de raisons. Oui. Et des raisons, en plus, qui ne font que s'accumuler. Je veux dire, on ne parle pas suffisamment des réfugiés climatiques. Mais c'est une réalité. Ça se trouve, nous, demain, on sera réfugiés climatiques. Et franchement, s'il y a un karma, j'espère que les premiers qui sont aujourd'hui en train d'essayer de faire barrage à l'immigration vont se le prendre dans la gueule. Et que demain, on leur dira « Ah bah non, désolé, vous ne pouvez pas rentrer ici parce que vous n'avez pas les bons papiers. » Il y a un autre élément qui est important, c'est à mon avis toute la démagogie qui est en train d'être faite à ce sujet. C'est-à-dire « Ah bah non, on veut du gouvernement, mais aussi des autres partis, notamment LR, etc. » en disant « Alors, on préfère moins accueillir, mais mieux accueillir. » Mais en fait, c'est faux. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que les procédures qui vont soi-disant être simplifiées sont des procédures qui vont davantage, en fait, simplifier les renvois au fond, les reconduites à la frontière. Et un autre aspect qui est quand même très important, dont j'aimerais parler, parce que c'est aussi quelque chose qui est important à souligner, c'est l'aspect genré des migrations. On ne parle pas des femmes qui migrent. Elles sont la moitié des migrants sont des migrantes. Aujourd'hui en France, la réalité, c'est que les femmes sont accueillies dans des situations qui sont catastrophiques. Le parcours migratoire d'une femme est encore plus compliqué que le parcours migratoire d'un homme. Et quand une femme arrive en France, qu'elle a déjà subi des violences sexuelles, sexistes, elle est en plus face à des démarches administratives qui sont incompréhensibles, qui sont très difficiles. Une femme qui est victime de violence aujourd'hui en France, en situation illégale, ne porte pas plainte, ne va pas voir les services administratifs, etc. Donc se retrouve avec une double violence que la France n'assume pas. Dans ce projet de loi, il n'y a absolument rien pour faire face à cette réalité. Donc il faut aussi, si on veut effectivement prétendre accueillir mieux, prendre ce genre de choses en considération. Sur la question de la clé de répartition qui avait été un sujet assez tendu, on a vu aussi des difficultés dans les différents territoires. C'était la grande innovation du plan d'accueil des réfugiés ukrainiens. C'était la juste répartition sur les territoires, y compris dans les zones rurales, des réfugiés pour qu'ils ne se retrouvent pas tous, soit en Île-de-France, soit avec la frontière italienne, soit dans la zone nord. Juste répartition, je trouve ça trop bizarre. Genre on se répartit des maladies, quoi. On se répartit des trucs qui puent ou je sais pas. Mais sur les poubelles, quoi.
C'est odieux le truc de la juste répartition pour qui ? Pour le coup, c'est demandé par la gauche, ça, de la répartition de l'effort, la répartition de l'effort de l'accueil des migrants, que ce soit fait sur l'ensemble du territoire et que tous les Français y participent, y compris, regarde Saint-Brévin par exemple, ce qui s'est passé, c'est l'extrême droite qui s'est énervée au sujet d'un centre d'accueil des migrants qui était déjà là en plus, qui était déjà là, qui était accepté par la municipalité. Donc l'extrême droite, là pour le coup, c'est un symptôme lié à l'extrême droite, ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin qui s'est fait cramer sa bagnole et qui a démissionné, mais ça rappelle qu'une toute petite ville perdue au fin fond de la Bretagne, elle aussi participe à l'effort d'accueil des migrants. Mais ce n'est pas forcément un effort. C'est-à-dire, il y a des villages pour lesquels, avec l'exil vers les grandes villes, c'est une chance. Mais vraiment, je ne vais pas faire le truc chance pour la France, je ne sais pas quoi. Mais alors là, pour le coup, c'est les maires qui disent c'est bien parce qu'il y a plus de monde à la boulangerie et il y a des gens qui vivent dans le village, un village qui se dépeuple. Et donc, on va peut-être maintenir une classe parce qu'il y a plus d'enfants. C'est pas forcément une corvée que d'accueillir. Non, je suis d'accord, mais en termes d'infrastructure et de dépenses publiques pour les collectivités locales du coin, ça représente un effort. Mais c'est un effort qui peut se justifier totalement. Je ne sais pas ce que je remets en cause. Non, de toute façon, il y a un vrai problème. La gauche galère à porter un discours clair là-dessus, a pas l'occasion beaucoup de le faire. Et là, ça a l'air de lui coûter cher dans les sondages, visiblement. Ouais. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que il y a un manque de courage. Et on parlait tout à l'heure de Ruffin, il échappe évidemment pas à la règle, même encore moins que pas mal d'autres. T'as parlé de Roussel, mais alors Ruffin, pour le coup, ça fait des semaines qu'il préparerait un discours sur l'immigration qu'il n'a jamais fait pour l'instant. Il repousse. Parce qu'il faut qu'il trouve le juste truc, qui choque pas non plus trop, mais qui quand même paraisse un peu humaniste, mais que quand même pas trop, que ça fasse trop, pas trop peur. Donc on est dans cette espèce de truc-là, on est coincé avec ce système aussi, ce système électoral, ce système médiatique, et surtout cette hégémonie culturelle de l'extrême droite qui fait qu'on ne peut pas parler simplement de « là, c'est inhumain ce qu'on fait ». Non, c'est pas inhumain, il faut contrôler, parce que sinon on est laxiste, etc. C'est pas ce que j'ai dit, C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je parle de la musique ambiante. Oui, d'accord, la petite musique ambiante. Oui, exactement ça. Ça, j'entends bien. Et surtout, moi, je comprends pas de quoi les gens ont peur, en fait. C'est ça. Moi, je ne comprends pas de quoi les gens ont peur. Et moi, j'aurais plus peur de personnes mal accueillies qu'on a laissées en déshérence que de personnes bien accueillies, par exemple, s'il s'agissait vraiment d'avoir peur ou non des personnes accueillies. Justement, camps politiques qui sont mobilisés sur le sujet, justement, on voulait en parler aussi, la droite et notamment les Républicains, qui aujourd'hui est un peu le faiseur de roi des majorités à venir pour le gouvernement, a réuni tous ses cadres à Paris au Cirque d'Hiver à l'occasion d'un événement qui s'est appelé les États généraux de la droite, c'était samedi dernier. Éric Ciotti, le président du parti, a souhaité lancer un grand mouvement de refondation du parti Les Républicains pour redéfinir mieux son positionnement. Je fais le lien avec l'immigration puisque les Républicains sont en train de mettre la pression sur le gouvernement à l'occasion de ce projet de loi sur l'immigration. Les Républicains qui, à leur tour, sous-entendu après le RN, demande un référendum sur la question migratoire pour pouvoir désobéir aux traités internationaux sur le sujet, souhaite la suppression de l'AME, la grosse réduction de l'AME, en tout cas limiter les frais médicaux uniquement aux services d'urgence et pas tant dans une politique de prévention en santé. Donc on voit aussi les Républicains qui montent au créneau sur ce sujet-là, ils sentent bien qu'ils ont un moyen de faire pression sur le gouvernement en ce moment, et les États généraux de la droite, puisque je reviens à ça, c'était l'occasion pour Éric Ciotti d'un peu mettre fin à cette parenthèse dont on a beaucoup parlé sur ce plateau de est-ce qu'il y aura alliance, pas alliance avec le gouvernement. Semble-t-il, ce sera définitivement enterré. Non, les Républicains ne veulent pas faire alliance avec Emmanuel Macron, en tout cas pas une alliance globale sur l'ensemble des sujets, pas de coalition de gouvernement, des alliances au cas par cas sur des sujets précis. Texte par texte. Il y a pas mal de députés de la majorité qui ne le souhaitent pas non plus. C'est ce que je voulais discuter avec vous. Mais avant ça, sur ce positionnement des Républicains, est-ce que c'est étonnant? Moi, ça m'étonne un peu. Je m'attendais à ce que les Républicains, après l'accord, après le deal qui avait été passé par Ciotti sur les retraites, même s'il n'a pas été respecté par les députés Les Républicains, je m'attendais à ce qu'on se dirige vers un accord de gouvernement. Et finalement, non, les Républicains veulent rester dans l'opposition à Macron. Sacha, t'en penses quoi ? C'est ultra stratégique. Parce que Éric Ciotti, comme ça, il rassoit son autorité, entre guillemets, sur son groupe parlementaire. Et en plus, il se fait un peu, tu disais, le groupe Les Républicains, du coup, c'est 62 députés, si je ne dis pas de bêtises. 72, oui. Comment ? Je crois 72, ouais. 72, 72. Et 52, allez. Mais ils n'en méritent pas autant.
Et si vous avez fait un peu d'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Troisième République, il y avait le Parti radical qui faisait pencher les majorités à droite, à gauche, et qui faisait adopter les lois à droite ou à gauche en fonction. Et je pense que les Républicains se veulent être le Parti radical de la Ve République et du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir, ça va pousser justement la majorité à négocier et de négocier. Et ne négocier qu'avec eux. Ils vont devenir le premier interlocuteur de la majorité à l'Assemblée. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit LR, ils représentent déjà presque plus personne, pas tout à fait vrai au Parlement. La seconde où ils font une alliance, ils sont morts politiquement. Et ça, effectivement, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu dans les commentaires des Républicains autour de ces États généraux. C'était à quoi ça sert de monter sur le Titanic maintenant. Léa, t'en penses quoi? Est-ce qu'ils ont raison, stratégiquement, tactiquement, d'essayer de se différencier dans une opposition à Emmanuel Macron ? Oui, s'ils souhaitent garder une certaine singularité, oui. Le ni Macron ni Le Pen, c'est un truc qui peut continuer à fonctionner pour eux. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer cet espace politique, mais peut-être que je me trompe complètement et qu'en fait, c'est Il existe encore un peu et il cherche à exister, surtout... moi, j'ai l'impression qu'au Sénat, il existe, par exemple. Oui. Au Sénat. Il y a encore cette force de droite au Sénat qui n'est pas représentée effectivement au sein de l'Assemblée nationale. C'est peu, oui. Après, le problème des LR aujourd'hui, c'est qu'ils ont un problème, je pense, fondamental qui est un problème presque idéologique, c'est-à-dire qu'est-ce que les Républicains aujourd'hui ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne répondent pas à la question. Sachant qu'il y en a qui sont tentés effectivement de flirter avec Renaissance, d'autres qui sont plutôt tentés de flirter avec le RN, ou en tout cas les idées d'extrême droite, ça c'est évident, la personne d'Éric Ciotti notamment. Moi, je pense que ils ont encore une force qui est ancrée, une force qui est évidente, c'est leur implantation territoriale. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que Renaissance a tout intérêt à les draguer, Il faut attendre de voir ce qui va se passer aussi pour les sénatoriales. Je veux dire. Les municipales surtout pour. Les sénatoriales déjà, puisque c'est en septembre, il y a la moitié du Sénat qui est renouvelée à partir du mois de septembre. C'est quand même une élection sur laquelle. La droite pourrait potentiellement récupérer un certain nombre de sièges à nouveau et on pourrait avoir peut-être une nouvelle hype aussi. Voilà. Émilien Warvial, politiste qui étudie la droite, parle du fait que LR est actuellement plus proche du RN que des macronistes. C'est Don Music qui dit ça dans le chat. Vrai. Effectivement, c'est absolument vrai. C'est ça le paradoxe, en fait, c'est que l'électorat historique LR a beaucoup plus rallié Macron que le RN. En revanche, les têtes de réseau RN qui existent encore, qui sont toujours au Parlement, ils ont voté pour Éric Ciotti à la tête du parti. Mais j'allais exactement parce qu'ils dire beaucoup... ça. J'allais dire, c'est quand même un symptôme. Éric Ciotti, qui connaît un peu la vie politique, Éric Ciotti était perçu, y compris par les cadres de la droite il y a encore 10 ans, comme un guignol, mais comme un vrai guignol, quoi. C'est-à-dire, il y avait sa petite baston avec Estrosi, c'était le second d'Estrosi, il y avait un petit peu la guerre, mais même Estrosi était perçu comme quelqu'un de déjà moins con que Ciotti. Alors tu peux le préciser d'ailleurs, pour ceux qui connaissent mal la droite et l'histoire politique récente, Éric Ciotti était l'un des plus fervents soutiens de Nicolas Sarkozy et de sa politique de tolérance zéro dans la ville de Nice, qu'il a co-dirigé avec Christian Estrosi avant de s'engueuler avec lui, et dans le département des Alpes-Maritimes. Ils ont même à l'époque vendu ça comme un laboratoire du sarkozisme et de sa politique sécuritaire, les caméras de surveillance, etc. Donc c'est vrai qu'Éric Ciotti a toujours été un représentant de la droite dure. Oui, mais pas seulement la droite dure, la droite débile. C'est-à-dire il avait à peu près le crédit politique de Morano. Je parlais tout à l'heure de Morano. C'est-à-dire, on disait, il y a les Morano et les Ciotti, c'est pareil. Tu vois, et là, on se retrouve avec ça à la tête du truc. Alors Morano, ça discute pour peut-être aller au RN, au moins ce serait plus clair. Mais alors là, le LR a embarqué, LR s'est embarqué dans l'aventure Ciotti, et ça donne ce que ça donne. C'est-à-dire, rien que on peut revenir aussi sur la réforme des retraites. C'est-à-dire, quand je dis, c'est pas seulement qu'ils sont racistes et sécuritaires, mais c'est qu'en plus, ils sont nuls. La réforme des retraites, Ciotti n'a pas été foutu de donner à Macron ce qu'il lui avait promis, à savoir un vote. Il n'a pas d'autorité, c'est ce que disait Sacha. Ils ont voté pour une bille. Et ils le savent, quelque part, ça maintenait cet entre-deux. Mais d'ailleurs, il est respecté par personne. Je ne sais plus qui avait utilisé cette expression que je trouvais bien, qui disait les Républicains aujourd'hui, c'est un syndicat d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire tu prends les 62 députés. Non, mais c'est vrai.
tu prends les 62 députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas un qui obéit à qui que ce soit, à personne. Bah oui, non, Marlex sert à rien. C'est pas Marlex qui va t'envoyer un texto pour te forcer à voter un truc, mais nique-toi, Olivier. Tu vois, je suis le roi dans ma circo, je fais ce que je veux, je vois rien. Je me demande ce qu'ils attendent, en fait, ce qu'ils cherchent. Après, ça doit durer 6 mois. Il doit durer 6 mois. Tout le recalibrage autour des idées que représentent les Républicains, le cirque d'hiver ce week-end, c'était que le préambule, entre guillemets. Et ça se terminera par un congrès en 2024. Ça doit durer 6 mois, il y aura un congrès. Et le truc, c'est que pendant le congrès, il a bien été dit et redit et même martelé que l'ennemi, c'était l'extrême gauche et le wokisme. Voilà. C'est pas une idée. Non, mais alors, tu vois, l'anti-wokisme, pour reprendre le terme, est en train également, partout en Europe, de devenir un des liants de l'alliance objective et de, parfois de plus en plus assumée entre la droite classique, les conservateurs, et l'extrême droite. L'extrême droite, ce qui donne des enjeux extrêmement intéressants, notamment sur les élections européennes de l'année prochaine. Absolument. Le PPE est le parti de l'un des deux groupes du Parlement européen de l'extrême droite. Je crois que c'est eux, ouais. Sont en train de se donner effectivement des mots d'amour. On a vu Meloni, la première ministre italienne, et le président du PPE s'envoyer des mots d'amour par la presse. Donc on sent que peut-être que le Parlement européen va être le laboratoire de cette alliance objective qu'on commence à voir de plus en plus dans beaucoup de pays. En France, pas plus qu'ailleurs. Suède, voire même dans certains pays, c'est encore plus clair. En Espagne aussi, Vox a envie de peser dans la balance pour les prochaines élections. Il y a certains pays quand même européens dans lesquels c'est encore très difficile cette alliance entre droite et extrême droite, c'est les pays d'Europe de l'Est, à cause de la question de la Russie. On se doute que pour eux, c'est autrement plus urgent que chez nous. Nous, ça ne gêne pas tout le monde à droite, le fait que Marine Le Pen ait été financée par les proches de Poutine, etc. Enfin, on a l'impression que c'est un élément essentiellement secondaire. Dans les droites polonaises et dans certains pays, ça passe pas. Et ce n'est pas possible, etc. Et on peut le comprendre. Donc peut-être que la question ukrainienne peut être un des coins dans cette alliance entre ces deux groupes-là. Mais c'est un truc à regarder de très près. En tout cas, tu l'as rappelé, Sacha, c'est bel et bien en juin 2024, dans un an, donc, qu'on aura ce congrès des Républicains qui doit terminer ce travail lancé au Cirque d'hiver samedi dernier de refondation du Parti Les Républicains, de clarification de leur positionnement idéologique sur plein de sujets et probablement de catapulter Laurent Wauquiez. Il n'était pas là samedi dernier. Il n'était pas là, ni David Lisnard d'ailleurs. Oui, les deux, les deux têtes d'affiche, entre guillemets, les deux mecs un peu hype du côté de LR. Ça n'a pas l'air d'être la grosse ambiance là-bas. Aurélien Pradier, je crois qu'il n'est pas resté très longtemps non plus. Clair. On va voir, mais. Non, mais moi, je mise tout sur Bertrand. Hein. Alors, Bertrand, il ne sait plus à quoi jouer parce qu'il avait quitté le parti pour créer son truc. Finalement, il a accepté de revenir dans le parti pour la primaire qu'il a perdue. Du coup, il a requitté le parti pour. Non, il n'a pas vraiment quitté le parti pour créer Nous France. Oui, c'est ça, moi, Tarzan, Nous France. Son parti. C'est nul cette blague, mais elle fait toujours sans rire. Donc, lui aussi, il ne sait pas très bien où il habite. Et il hésite. Nicolas Sarkozy, pendant ce temps-là, lui aussi, il a perdu beaucoup samedi dernier. Parce que lui, il plaide depuis des mois pour une alliance avec Emmanuel Macron. Il le dit dans les coulisses, il plaide pour, il essaye de forcer, etc. Il a tout intérêt. Et Nicolas Sarkozy, il s'était déjà sacrément engueulé par son non-soutien à Valérie Pécresse l'année dernière. Là, il a tout perdu à droite. Après, je pense qu'il était temps aussi que la droite s'extirpe un peu du carcan Sarkozy. Il y avait l'ombre de Sarkozy qui planait encore sur les Républicains 10 ans après. C'est bon, quoi. Oui, d'ailleurs, Valérie Pécresse, dans les regrets qu'elle a exprimés sur sa campagne présidentielle, elle a dit « j'aurais dû couper le cordon beaucoup plus. Plutôt, j'aurais dû arrêter d'attendre sous ce Ouais, mais en réalité, ils sont encore là, les Hortefeux et compagnie, ils sont encore là, les Copé, les ceci, les cela, ils sont encore là, ils sont encore, et je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas pourquoi Copé, Hortefeux, etc. n'ont pas déjà rejoint Emmanuel Macron. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, ça pose la question de... Qui restera pour aller voir Sarkozy au parloir dans quelques années. Claude Guéant, il sera dans le parloir d'à côté, donc non. Il y aura toujours Darmanin, t'inquiète. Est-ce que l'avenir de la droite française, c'est une alliance avec le Rassemblement national? Moi, c'est une vraie question. Hein. Pour le coup, je pense que le scénario à l'italienne est en train de donner de l'espoir à beaucoup de gens à droite en se disant, après tout, la dédiabolisation, c'est bon, Marine Le Pen. Oui, si on est tous d'accord sur le wokisme, c'est bon. Oui, non, mais voilà, immigration, wokisme, insécurité, ça nous réunit. Finalement, vu que c'est le carcan essentiel, etc., que Marine Le Pen, elle a quand même mis de l'eau dans son vin, ou du lait dans son café, appelez ça comme vous voulez, sur les questions de l'Europe, sur les questions économiques, etc., peut-être qu'on est à l'aveugle. Par contre, c'est pas la stratégie du RN. Ah ouais ? C'est-à-dire que je pense que le RN veut, comme Macron l'a fait, faire des absorptions individuelles sans fusion du tout, quoi. C'est-à-dire, vous venez, mais sur mes bases. Au risque de se retrouver... sans majorité absolue et à devoir compter sur LR, est-ce qu'il en reste pour faire des majorités, décidément.
Ouais, mais en réalité, ce dont tu... Là, je voyais un article dans Le Monde assez intéressant tout à l'heure. Les alliances au quotidien, elles existent déjà, en fait, au Parlement. Elles existent déjà à l'Assemblée nationale, elles existent déjà au Sénat. Bah, pas sur les motions de censure. Renaissance, le troisième groupe qui vote le plus les textes de Renaissance, c'est le RN. Ah, ça, oui. On a oublié de le dire. Oui, dans, après, oui, dans les textes LR vote, Elliott, ouais. C'est quand même le RN. Donc il y a quand même une espèce d'arc qui bon, nous laisse entendre que finalement, oui, est-ce que c'est pas le vrai combat, c'est pas le wokisme, hein? Même pour Renaissance, ils aiment pas le wokisme. Non, c'est vrai. En tout cas, les Républicains se gardent la possibilité, ils l'ont dit, d'appuyer sur le bouton nucléaire à l'automne prochain, à savoir voter une motion de censure. Parce que je rappelle que la motion de censure de la réforme des retraites, la fameuse motion de censure du 49-3, n'a pas été adoptée à 9 voix près, et les voix qui manquaient, c'était notamment du côté des Républicains, où beaucoup Républicains ne l'ont pas voté en disant on va pas rajouter de la crise à la crise, etc. C'était l'argument de l'hiver dernier. C'est-à-dire qu'ils ont été trop divisés pour s'opposer, mais trop divisés aussi pour s'allier. Ouais, exactement. Et très compliqué tout ça. Il faut... Sauf que du coup, là, on va arriver l'automne prochain dans un moment extrêmement tendu qui va être le budget. Je rappelle que le budget, c'est le moment le plus tendu de l'année pour un gouvernement, parce que c'est le moment où il faut obtenir des votes majoritaires autant que possible sur un budget. Un budget, c'est pas une loi en particulier, c'est une loi qui embrasse l'ensemble de l'axe stratégique et politique d'un gouvernement. Donc voter un budget, c'est soutenir un gouvernement. Voter contre un budget, c'est se placer dans l'opposition. Quand il y a des 49-3, on vote ni pour ni contre, on vote pour ou contre la motion de censure. L'année dernière, les Républicains n'ont pas voté les motions de censure contre Elisabeth Borne au moment des premiers budgets, mais au bout d'un an, en tout cas, les Républicains laissent entendre qu'ils auront la possibilité de dégager le gouvernement d'Elisabeth Borne, à moins que ce ne soit plus Elisabeth Borne déjà, mais ça, on va en reparler. Donc, moi, je pense qu'elle sera encore là. Toi, tu penses qu'elle sera encore là ? Je pense que ce sera son dernier round. Oui, ils vont lui faire jusqu'au bout. Ils vont les saurer, ils vont lui faire passer le budget à travers 55-49-3, et puis ils vont dire ciao, bye bye. J'y pensais, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, où on a lu un article de Libération sur les options du remaniement, et effectivement, je suis un peu converti à cette idée-là. Il n'y a pas d'options, en fait, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'options, et nommer un nouveau Premier ministre pendant l'été, là, pour qu'il se pète la gueule direct sur le budget, c'est un peu chaud. Donc autant cramer Elisabeth Borne jusqu'au bout. Ouais. De toute façon, c'est déjà Madame 49-3, donc j'ai envie de dire, continuons comme ça. Et s'il y a relance du quinquennat, ce sera plus tard, parce que c'est pas 4 ans avant qu'on va... Mais du coup, ils vont mettre qui, genre Darmanin ? Non, gardez une rumeur Borne. À une époque. Ah, tu veux dire l'année prochaine ? Après, ouais. Il y avait Larcher, il parlait de Larcher. Ouais, Darmanin, mais le problème. Mais c'était Larcher s'il y avait un accord avec LR. Ah bah oui, du coup. Il y avait un accord avec LR. Il y avait une vraie rumeur. Darmanin, il est détesté par une bonne partie des Républicains, et surtout, il est détesté par le MoDem. Parce qu'en fait, le plus gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron sur une stratégie d'alliance avec la droite, c'est pas tant la gauche de la Macronie, dont on se demande toujours combien de personnes ça représente, c'est le MoDem. François Bayrou ne veut pas terminer sa carrière en soutenant un gouvernement dirigé par un Premier ministre assumé de droite. Oui, mais tu sais, les principes comme ça. Lui, ça fait 20 ans qu'il construit un centre indépendant de la droite. Ça le fait chier. Il était OK pour le dépassement, pour le ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps, je sais plus. Moi, je pense que si on lui file un petit truc bien sympa, genre, c'était quoi le plan ? Bah, il est déjà au plan. Il est déjà au plan. Mais d'ailleurs, comment ça avance, ces plans, là ? Ça fait longtemps qu'on le paye pour être commissaire au plan. Alors, le commissaire, là, il avance son enquête ? Ça planifie. On ne sait pas ce que c'est le plan pour le moment, là. Ça planifie, c'est pas de plan. Stratégie, c'est ça avance. Ça va dans la direction de plus. Ouais, alors, du coup, on a dit Borne semble rester, mais apparemment, il y a pas mal de monde de son cabinet qui se sont barrés, là. Ah, ça, j'ai vu ça dans le Monde. Oui, mais ça, c'est normal au bout d'un an. Non. Apparemment, une ambiance de travail détestable. Il y a 10 personnes qui se barrent sur les 60. Et après, c'est des témoignages recueillis par Le Monde là, qui racontent vraiment des. En fait, c'est tellement. À chaque fois qu'on doit lui parler, elle nous envoie chier tellement souvent que, avant d'aller lui annoncer un truc, on tape à la porte et on fait j'y vais pour la France. Et les gens. Ils sont trop mignons. Mais ça, c'est normal à Matignon. Tout le monde fait ça à Matignon. C'est trop bien. C'est un enfer, Matignon. Heureusement qu'il y a des gens comme ça pour nous sauver. Hein. C'est normal. Des gens dévoués comme ça qui bossent à Matignon. Attends, dans la situation dans laquelle est Matignon, c'est-à-dire pas de majorité à l'Assemblée nationale, en train d'inventer le fait minoritaire, ce qui est quand même une nouveauté institutionnelle, qui est une sale ambiance au cabinet, ça m'étonne pas un quart de seconde. Non, c'est pas une sale ambiance, c'est du management toxique, des humiliations, c'est des hurlements, etc. Mettez-vous en grève. Écoute, peut-être. Mais tout ça pour dire que tu changes Elisabeth Borne, tu mets quelqu'un d'autre, j'ai du mal à croire que l'ambiance sera meilleure, que le management sera moins toxique. Et j'ai trop envie qu'on essaie d'imaginer qui ça pourrait être. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans n'importe quelle boîte, tu sais, tu peux faire des procès, tu peux les traîner au prud'homme, tu peux être condamné. Sophie Binet nous disait que la CGT avait été poursuivie par la CGT, c'est ça ? Oui, il y a une CGT à la CGT, oui. On va faire une CGT à Matignon. CGT à Matignon. C'est pas normal. C'est pas normal sur le droit du travail, c'est pas normal sur plein de trucs. Et, c'est normal, c'est Matignon. Non, non, c'est...
Moi, tu sais, j'ai assez peu d'empathie pour les gens qui ont envie de bosser pour Elisabeth Borne à Matignon, dans l'absolu. Mais tout de même, voilà. Ah oui, c'est clair. Moi, mais pour revenir là-dessus, Léa, non, je suis nul en pronostics de manière générale. Ah, mais j'adore, là, je suis incapable de faire des pronostics. C'est de toute évidence, tu fais la colonne des plus et la colonne des moins. Je te dis, Libération a essayé de le faire. Je ne vois pas un scénario dans lequel il y a un truc qui s'impose comme une espèce d'évidence, un truc rassembleur qui convient à tout le monde. Donc tu veux dire qu'on va être surpris ? Alors, il y a toujours l'option Macron surprend tout le monde en allant chercher quelqu'un. En fait, Macron rêve d'un nouveau Castex. Oui, non, mais c'est ça, un nouveau Castex. Macron a adoré Castex. Apparemment, les années avec Castex sont très bien passées, etc. Donc il cherche. Si vous êtes maire d'une petite commune que vous ennuyez un peu en ce moment, n'hésitez pas. Voilà, de centre droit, raisonnable, etc. Que vous n'avez aucune casserole et tout. Non, vous pouvez avoir des casseroles, ils s'en tapent. Gardez votre téléphone chargé. On ne sait jamais. Vous pourrez recevoir un coup de téléphone au cours de l'été. Ce sera peut-être pour vous. Ouais. Dernier sujet d'actualité dont je voulais parler avec vous, au cours du Conseil des ministres de mercredi matin, a été décidé, ça y est, c'est officiel, la dissolution des soulèvements de la Terre, le nom de ce mouvement créé en 2021, une tentative de construction d'un réseau de lutte locale écologiste. Près de 110 000 personnes ont signé une pétition pour faire reconnaître leur appartenance au soulèvement de la Terre, qui en réalité n'est pas vraiment une structure administrative ou juridique, qui est ce qu'on appelle une association de fait. Donc ça existe, même une fédération d'autres orgas. Une fédération d'autres orgas, une coordination. Ça comprend la Ligue des droits de l'homme, ça comprend d'autres orgas. Europe Écologie Les Verts aussi, voilà. Ce qui d'ailleurs fait dire aux avocats qui ont saisi le Conseil d'État contre la dissolution. Oui. Je rappelle que tous les actes, tous les décrets décidés en Conseil des ministres peuvent être contestés devant la juridiction administrative et le Conseil d'État. Donc il y aura un deuxième round judiciaire à cette question de la dissolution des soulèvements de la Terre. Pourquoi est-ce que ça a été dissous ? C'est suite aux mobilisations contre Sainte-Soline. Vous vous en souvenez, la méga-bassine, les images qu'on a tous vues et beaucoup commentées. La mobilisation contre le projet de Lyon-Turin également, qui a elle aussi été émaillée de violences dans les échauffourées avec les forces de l'ordre. Donc tout ça pour dire que la dissolution a été décidée. Est-ce qu'elle sera effective ? Ça, on n'en sait pas encore. Mais ça pose quand même une ambiance. Et on voit les défenseurs des soulèvements de la Terre s'émouvoir, évidemment, de cette décision et pointer du doigt une fragilité juridique en disant mais en fait vous pouvez pas dissoudre un truc qui existe pas. Voilà, la fragilité juridique, j'en sais rien, mais je trouve ça assez signifiant, tu vois, qu'il y ait la Ligue des droits de l'homme dans le truc, sachant que Darmanin avait déjà fait des menaces de la Ligue des droits de l'homme, faut qu'on regarde de plus près. Je trouve ça intéressant de s'attaquer à la Ligue des droits de l'homme, s'attaquer aux assos. Et apparemment c'était dans Reporter, il y aurait eu quand même un coup de pression assez phénoménal de la FNSEA pour la dissolution de... FNSEA, donc premier syndicat agricole des céréaliers et très opposé aux écologistes. Premier syndicat agricole des exploitants agricoles, des grands exploitants agricoles, si vous voulez. On en parle parfois ici, c'est en gros quand on a le ministère de l'Agriculture, c'est de la cogestion à peu près avec ce syndicat majoritaire qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peu près co-dirige l'agriculture française avec le ministère. Donc, c'est les plus gros, hein, les gros céréaliers, les gros machins, l'agriculture intensive, etc. Parce qu'il y a d'autres syndicats, évidemment, vous connaissez peut-être, José Bové, là, les paysans, là, la Confédération paysanne. Voilà. Vous connaissez peut-être la Confédération paysanne. Enfin, il y a d'autres manières d'envisager l'écologie. Mais bref, les paysans, ils en ont un peu ras le cul, hein, des écolos. Et apparemment, bon, il y a eu coup de pression, selon Reporter, pour que ça soit accéléré, cette histoire, que ça se fasse vite. Et sachez que là où c'est assez intéressant, le paradoxe, c'est que partout sur les plateaux, on va défendre cette dissolution en disant, je sais, j'ai écouté les plateaux et tout, alors c'est, oui, mais ils sont violents, oui, mais ils jettent des pavés, oui, mais ils sont violents. Voilà, le motif, c'est la violence. Mmh. Voilà. Effectivement, voilà, il faut condamner les violences, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que la FNSEA, et qu'on ne manque pas, la FNSEA qui demande ça, et on ne manque pas d'exemples où la FNSEA a été violente, où la FNSEA a pété des préfectures, a déversé du fumier, a envahi des trucs. Et j'ai même envie de dire, là, c'est les militants écologistes de terrain qui le savent, localement, les paysans les mieux organisés et les plus vénères peuvent être extrêmement violents, eux aussi. On compte... On l'a vu avec Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Ça, c'est rien. On peut parler aussi... Ils s'attaquent aux journalistes. Mmh. C'est-à-dire, on parle de sabotage de freins de bagnole. Mmh. On parle de trucs comme ça dans les villages, là où il y a des journalistes locaux, en Bretagne ou ailleurs, qui couvrent des luttes écolos. Eh bien, les paysans... Voilà, il y a une lutte, là, actuellement, et le gouvernement a clairement choisi son camp. Et on voit bien que l'argument de la violence n'est pas l'argument le plus pertinent, là, dans ce cas-là, puisqu'en effet, il y a une lutte entre deux forces qui
les deux ont des méthodes qui dépassent la loi, si tu veux. Alors, on peut dissoudre les deux, si tu veux. Mais bon, non, mais il ne s'agit pas de renvoyer les deux dos à dos en disant qu'il faut dissoudre aussi la FNSEA, mais ça pose une question intéressante. À ma connaissance, tu vois, on en parlait les soulèvements de la Terre n'ont pas saboté des bagnoles pour saboter les freins de bagnole, tu vois. Non, mais on peut argumenter de la question de l'utilisation de la violence et de sa justification dans des mouvements de gauche, y compris écologistes. C'est un débat vieux comme le monde, hein. c'est pas récent. Oui, c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, c'est effectivement le regarder des deux côtés lesquels menacent les autres avec des fusils. Oui, je sais. C'est la question de. La nouveauté en revanche, c'est la criminalisation et la judiciarisation de ce conflit, avec une volonté du gouvernement d'obtenir la paix sociale par la criminalisation, le recours à. Ils veulent pas obtenir la paix. Ils veulent pas obtenir la paix sociale. Ils veulent obtenir la paix sociale avec la FNSEA. Par la répression. Oui, non, mais c'est ça, par la répression. Parce que là, on va vers. La dissolution, en l'occurrence, des soulèvements de la Terre s'appuie sur la loi contre le séparatisme de 2021. En l'occurrence. Ils sont vraiment traités comme des terroristes. Souligne les sabotages, les violences, les dégradations. Il y a des arrestations arbitraires tous les jours. Donc, quelle est là la nouveauté? Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça renvoie à la question de. On en a souvent parlé dans cette émission, de l'arc de l'acceptable du côté du gouvernement, où en réalité, dans la majorité hétéroclite du gouvernement, si tu es trop à l'extrême droite, tu n'appartiens pas à l'arc républicain, et si tu es trop à gauche, tu n'appartiens pas à l'arc républicain non plus. Donc en fait, ils ont déjà dissous Génération Identitaire, ils viennent de dissoudre les soulèvements de la Terre. Donc il y a un côté, en fait, quel contre-pouvoir associatif, de mobilisation est acceptable pour le gouvernement. Les grèves, les manifs... On n'a dit pas de corps intermédiaire. Hein. Ben oui, non, mais on en revient à ça. C'est une question grave, c'est une question assez difficile. Même la droite sarkozienne n'a pas osé aller jusque-là. Il y a eu des manifs. Il n'y a aucun contre-pouvoir, en fait. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Et ce que nous a quand même montré la crise des Gilets jaunes assez rapidement, c'est qu'en fait, sans violence, le gouvernement ne cède pas. Le gouvernement a attendu oui, mais c'était impossible de dissoudre les Gilets jaunes, tu vois. Donc voilà. Visiblement, les soulèvements de la Terre, c'est possible. Ce que le gouvernement nous a montré, c'est qu'effectivement, en se passant des corps intermédiaires, aujourd'hui, il y a une acceptation, je pense, de la violence de la part de la société civile, qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais parce que aussi la réponse en face est excessivement violente et que les gens sont à bout, en fait. Les gens sont à bout. On est avec un gouvernement qui ne fait absolument rien. En matière climatique, absolument rien. En tout cas, pas suffisamment. Il y a des gens qui se mobilisent pour faire en sorte que les choses s'améliorent, pour sensibiliser, etc., etc. La réponse, c'est la dissolution. Les gens qui se font arrêter, qui sont fichés S, qui sont sous écoute. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est la première fois qu'un mouvement écologiste est sanctionné de la sorte. C'est quand même très inquiétant. Je veux dire, à l'époque, on était là, oh, les écolos, ils sont mignons, ils sont là avec leur tournesol, etc., etc. Les écolos ont été... les mouvements écologistes ont été violents auparavant. C'est pas nouveau. Enfin, tout le monde est en train de s'en émouvoir. L'Arzac, c'était quand même violent. Péter des McDo, c'était quand même violent. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer, c'est que là, on est sur une violence qui n'est pas une violence ciblée à l'égard de personne. C'est de la violence sur des institutions, c'est de la violence sur des biens, etc., etc. Donc c'est quand même hallucinant de voir à quel point le gouvernement est prêt à tout pour défendre les intérêts de l'ordre établi, en fait, et du capital. Sacha ? Moi, ce que je trouve gênant dans ce cas-là, c'est la notion d'éco-terrorisme et cette qualification-là. Ça veut dire que, pour moi, c'est un peu une porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois, le gouvernement ouvre une jurisprudence et va à chaque fois de plus en plus loin dans des nouvelles jurisprudences. Et est-ce que ça ne va pas vouloir finir par dire à un moment que chaque action politique, parce que c'est une action politique, le soulèvement de la Terre, même si personnellement, je condamne les violences... Mais nous aussi, on condamne tous les violences. Je vois ce que tu veux dire, c'est le vocable qui est lâché, éco-terrorisme. Mais du coup, est-ce que cette notion d'éco-terrorisme, elle ne va pas devenir ultra courante à chaque fois qu'il y aura une action politique qui sera violente ou non violente, d'ailleurs, et qui ira un peu contre les intérêts soit du gouvernement, soit de certains lobbies, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous mettez à traiter de terroristes tout ce qui ne vous convient pas, on n'est plus dans un état de droit. Tout à fait. Mais oui, et tu fais sortir de l'arc de l'acceptable une partie absolument, de la contestation. Exactement. Alors même que, et c'est grave, parce qu'en plus, le mot terrorisme, c'est encore une fois, l'Europe a été frappée, et la France a été frappée par des vagues de terrorisme. C'est lourd de sens. C'est très lourd de sens. On parle de coups de feu, on parle de bombes, etc. Et l'éco-terrorisme, ça a existé aussi par le passé. Et quand c'est l'extrême droite, des assassinats. On ne les appelle pas des terroristes. Et donc c'est particulièrement, je suis d'accord avec toi, particulièrement grave parce que on a du mal à imaginer
ce qui va appartenir au domaine de l'acceptable dans les années qui viennent. C'est encore une fois, quel type de mobilisation est possible sans que ça fasse peser un risque juridique. Dans quelles conditions, Et puis, bref. Usul. N'oublions pas que les manifestations quand même de la réforme des retraites n'ont servi à rien. Dans l'ensemble, plutôt bien passées. Oui, justement, même si elles n'ont servi à rien. C'est ça le paradoxe. Oui, justement. En fait, la seule bonne mobilisation, c'est celle qui ne change rien. Comme ça. Usul. Je formule l'hypothèse que ce gouvernement, Macron, et même toute la culture de tous ces gens-là, dont Stanislas Guérini, que nous recevons après, qui sort d'HEC, sont des gens qui n'aiment pas la politique. Ce sont des gens qui n'ont pas envie qu'on fasse de politique dans ce pays. C'est des managers. C'est des managers, mais même, j'ai envie de dire, c'est des gens pour qui... c'est ça, le néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas plus d'État du tout. C'est l'État réduit au régalien, l'État mis au service de l'entreprise, qui va décider. C'est-à-dire, c'est un État qui décide de moins en moins, qui offre de moins en moins de vous voyez, Macron, là, il nous fait des grands numéros maintenant sur la souveraineté. Pourquoi il est obligé de nous faire des grands numéros sur la souveraineté? Parce qu'on on a abandonné progressivement tout. Politique industrielle, tout ce sur quoi on avait des leviers, parce qu'on a laissé ça au marché, parce qu'on a laissé ça à des grands entrepreneurs, etc. Et c'est assez intéressant de voir que, par exemple, y a la co-gestion avec la FNSEA, c'est le signe de ça aussi. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de plan. C'est quoi son plan de gestion de l'eau? C'est quoi son plan pour les méga-bassines? Revenons très concrètement aux méga-bassines. Les méga-bassines, la plupart des spécialistes des nappes phréatiques et tout disent que c'est une mauvaise adaptation, c'est une maladaptation au manque d'eau. Donc on va, à long terme, c'est pas terrible. Oui, mais bon, c'est ce que les agriculteurs vont faire parce que c'est ce qui va les aider cet été. Quand bien même, ça va avoir des conséquences. Mais à long terme même, y compris à long terme pour ses propres agriculteurs qui, eux, voient, c'est normal, hein, ces mentalités de gestionnaires d'entreprise, ils voient le chiffre année par année. Bon, Macron dit, très après, bien, on fait comme ils sont aussi pas mal dans la merde, donc faut le comprendre partout, aussi. Que... Partout, oui, il ne veut, ce gouvernement, moins il décide, mieux il se porte, moins il laisse les gens faire, plus il laisse les puissances, la productivité, la production faire. Regardez, Bruno demande. On ne décide pas, mais on j'arrive à me demander si c'est volontaire ou si, en fait, ils sont coincés, ils n'ont pas le choix, c'est contraint. Mais non, j'arrive à me poser la question, en fait. Il n'y a plus de politique. Pas la politique. Je sais pas. Il n'aime pas. Après, je vois ce que tu veux dire. On pourrait discuter de l'eau. Sur la souveraineté, le gouvernement met en avant sa volonté de réindustrialiser pour aussi retrouver une souveraineté, pour qu'on dépende moins des pays étrangers, que la transition écologique se fasse aussi avec des capitaux plus souverains, des engagements de l'argent de l'État. Là, on est en train de parler notamment des infrastructures ferroviaires de plus en plus, les RER métropolitains qui vont se développer un peu partout. Donc, il y a aussi des enjeux de souveraineté autour des plans d'investissement, autour de la réindustrialisation. En tout cas, le néolibéralisme, c'est pas moins d'État, c'est un autre État, un État qui est mis au service des entreprises et qui, par contre, va consacrer une énergie considérable et des moyens considérables à la répression. Mais je pense qu'il y a une part. C'est un très très bon exemple. On envoie des milliers de gendarmes à Sainte-Soline. Là, on va recruter 2000 gendarmes de plus l'année prochaine parce qu'on ne sait jamais, il y a les JO, et puis on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. On va acheter des LBD, on va acheter des lacrymos, et c'est comme ça qu'on va conduire le pays en laissant les industriels faire ce qu'ils veulent, les agriculteurs faire ce qu'ils veulent, et en matant tous ceux qui veulent faire de la politique ou au moins discuter. On ne peut même plus discuter. Ce qui ne va pas dans le sens, effectivement, du dialogue social promis et repromis par le gouvernement. L'apaisement. La volonté d'apaisement. Ah oui, on en est à quel jour, là? C'est le 14 juillet, non? Oui, c'est le 14 juillet, la fin des 100 jours, on sera apaisé au 14 juillet. Trop hâte. Apaisé comme jamais. Apaisé comme... T'as l'air apaisé comme ce soir-là, en tout cas. En tout cas, oui. Parlons d'apaisement, hier soir, il y a eu, mercredi soir, il y a eu une centaine de rassemblements partout en France, notamment à Nantes, où ils étaient 1200, en soutien au soulèvement de la Terre. On verra quelle sera la suite de cette mobilisation. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers un été dur, au cours duquel il y aura probablement des mobilisations écolo sur fond de sécheresse, pour s'opposer à des projets du gouvernement ou juste pour faire le point sur des situations locales. Donc on verra ce qu'il en est de l'avenir du mouvement écolo, de sa stratégie, de son positionnement. Mais moi, ça m'intéresse parce que ça me donne aussi envie de faire le lien avec la vidéo que tu as faite, Usul, sur la stratégie des diabolisations d'une partie de la gauche. Est-ce que gagner des voix, ça passe par des actions coup de poing? Est-ce que la stratégie de la gauche, c'est aussi... par ce type de mobilisation? Le problème, c'est que c'est comme Martinez. Quand Martinez nous répond, vous savez, moi, j'ai pas le bouton de la grève générale. Pareil, à gauche, on n'a pas le bouton de « on active les violences » ou « on désactive les violences ». Les violences, elles naissent d'une situation, et encore, faut relativiser le mot « violence », quoi. C'est-à-dire les dégradations et le fait de tenir un peu tête aux forces de l'ordre, c'est-à-dire, en gros, quand on se fait virer, de renvoyer deux, trois trucs, bon...
ne serait-ce qu'un peu par dignité, si tu veux. Non, mais c'est vraiment ça. La dignité, plupart du temps, c'est plus défensif qu'autre chose, en fait. Hein. Oui, il y a quand même des forces de l'ordre qui ont été blessées. Pauvre dans Tichou, le cadre... faire un autre métier, alors. Ouais, bah. c'est pas une destinée non plus d'être blessé, tu vois. Mais je renvoie pas dos à dos la violence des policiers et la violence des manifestants. Ce sont des conflits qui sont durs, qui sont violents. On a tous vu les images, je veux dire, c'est pas... La police est dure. C'est la police et qui la détermine police, le niveau de violence, hein, c'est pas les manifestants. C'est vrai. C'est à partir du moment où on a choisi d'envoyer déjà, il y a une rupture d'égalité des armes, hein, de base. Voilà. Donc, Oui, il y a une rupture, oui. C'est pas le même cadre d'intervention non plus. Non, c'est clair, c'est comme si moi, je me fightais avec, je sais pas, Benalla, tu vois, enfin, de toute évidence. Non, mais après, c'est qui va se faire plier, quoi. Du coup, ça repose toujours la question de, c'est quoi un maintien de l'ordre de gauche ? C'est quoi un maintien... Enfin, mais en fait, tu vois, la question du maintien de l'ordre, elle arrive quand la discussion... On en revient à ce truc sur la politique. On arrive quand la politique est... Quand la discussion n'a pas lieu. Quand il n'y a pas pu avoir de discussion. On est déjà dans un échec, en fait, à partir du moment Mais une fois qu'il est là... Moi, c'est la question que j'ai. Tu vois, c'est une question que j'avais posée à Hugo Bernal ici. C'est si tu deviens ministre de l'Intérieur, tu fais comment pour gérer les manifs ? Ça va être quoi ta doctrine de maintien de l'ordre ? C'est une vraie question. C'est quoi un maintien de l'ordre ? C'est une vraie question intéressante. Si demain, la gauche arrive au pouvoir, très bien, bravo à elle. Comment ça va se passer, les manifs ? Ça m'intéresse. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir que les forces de l'ordre sont de plus en plus en roue libre, en fait. Ouais. Mais de plus en plus. C'est-à-dire qu'on leur donne toute la. Déjà, il y a une militarisation qui est quand même assez hallucinante, qu'on n'a pas connue. Auparavant, faut le dire, il y a aussi cette espèce de liberté qu'il aurait donné pendant les manifs et d'autorisation qu'il aurait donné qu'on n'a pas connue de manière aussi violente depuis quand même très très longtemps. Donc il y a quand même un glissement. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est il y a quoi après ? Genre il y a quoi après ? Vraiment, je réécoutais un podcast d'Arte Radio qui s'appelle Gardien de la paix. Ouais, putain. Où en fait c'est des conversations sur WhatsApp d'un groupe de policiers, je crois, à Rouen ouais. Où qui sont fondamentalement racistes, misogynes et compagnie, et qui expliquent comment ils sont en train de préparer leur guerre raciale. C'est-à-dire que les mecs sont armés, mais jusqu'aux dents, ils se filent leurs meilleurs plans pour aller choper des armes, etc., qui ne sont pas autorisées. Ouais. Moi, j'ai peur de ce maintien de l'ordre qui est en roue libre totale et on est en train de créer un monstre, en fait. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours pas la réponse à ma question et j'espère qu'un jour la gauche arrivera au pouvoir pour. Mais non, mais la gauche, elle fait de la politique. Déjà, la gauche, si elle arrive au pouvoir, il va falloir qu'elle rattrape ça. Et quand elle exerce. Alors, déjà, il va falloir qu'elle rattrape. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. La transition n'a pas été facile. Il ne s'agit pas de théoriser dans un colloque et d'avoir la réponse facile sur un plateau. Mais c'est quoi un maintien de l'ordre ? Il y a gauche et gauche. Moi, tu me donnes le gouvernement, je te fais 50-49-3 pour rattraper les conneries. Et je t'envoie les CRS partout. Tu vois que c'est. Et je t'envoie tous les fachos en prison en 2-2. Donc. Évidemment qu'il faudra faire autre chose. Comme quoi, ça te convient. Mais au bout d'un moment, marre d'être les gentils. Au bout d'un moment, voilà. C'est un peu autoritaire, Mais c'est pas ça qu'il faut faire, je suis bien d'accord. Il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique et exercer le pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on est envoyé une transition et réformer une police, ça prend énormément de temps, c'est long et compliqué. Super chaud. Et d'ailleurs, la police d'aujourd'hui, elle n'est pas venue en un claquement de doigts. Hein. Tu le sais comme moi, la droite décomplexée, la tolérance zéro, la fin de la police de proximité, etc. Il a fallu des années pour construire la police qu'on a aujourd'hui. La police de demain, si un jour la gauche arrive au pouvoir, ça va prendre des décennies à construire. Et j'aimerais bien savoir par quelle voie ça passe et à quoi ça ressemble à la fin. Mais même la relation du ministre de l'Intérieur aujourd'hui et du gouvernement avec les syndicats de police. Par exemple. Ils leur mangent dans la main. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire les policiers de se syndiquer, par exemple ? Ah non, mais absolument pas. C'est la gauche qui va le faire. Question, tu vois. La question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement a réellement de l'autorité sur la police ? Et ça, c'est une très bonne question. On n'aura pas la réponse ce soir. Avant de passer à la séquence suivante, je tenais juste à vous dire que depuis le début de cette émission, il y a déjà eu 10 soutiens supplémentaires à Backseat. Merci à Alexandre qui a fait un don de 200 balles. Merci beaucoup, Alexandre. Wow. Merci à Philippe qui a fait un don de 50 balles. Et merci à tous les autres. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous aussi, à participer au financement de Backseat sur KissKissBankBank. Tous vos dons sont les bienvenus. Si vous n'avez pas encore participé au financement de Backseat au cours de cette saison, profitez-en. C'est le moment. C'est la fin de la saison. On a encore besoin de vous pour arriver à l'équilibre. Sur cette saison. Sans plus tarder, on va enchaîner avec les séquences suivantes de l'émission. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Salut, vous allez bien ? Ça va et toi ? Salut Vincent. Oui, écoutez, moi je suis content de vous retrouver après mon exil forcé dans les Pyrénées. Oui, c'était terrible. C'était long surtout, quoi, en fait, sans 5G, sans rien. T'as réussi à tenir ?
Ouais, j'ai dû me retrouver face à moi-même. Écoute, on est là. Hein. Mais en fait, après, j'avoue, je reviens là, je redécouvre le plateau. Il fait une chaleur à crever. Hein, on va le dire. C'est incroyable. On peut pas avoir un petit ventilo. Et les lumières. Vas-y, vas-y. Ah non, mais faut pas me regarder, moi. Vous avez tellement des propos construits jusqu'là et tout. Là, je pensais qu'il y avait plus d'argent. Faut vraiment qu'on crée une CGT. Dans ouais, cette les émission. Conditions de travail. Ouais, 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 super. Ouais. Après, j'avoue, là, je suis revenu. Je vais être honnête. Je m'attendais pas à ce qu'on soit encore sur Twitch ce soir, en fait. Enfin, je sais pas, parce que on pourrait être sur une autre plateforme, genre Kick. Je sais pas. Ah, enfin, commence pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais là encore, Jean. Je veux dire. Je sais que la plateforme fait débat, donc je comprends que tu hésites en vrai. J'hésite. Donc, moi, cette semaine, j'avais envie de poser une question pour toi, pour t'aider. Est-ce qu'on peut voir la slide suivante ? Ah oui, non, t'allais. Non, ça, c'est ça, mauvais PowerPoint. Ah, ils sont mauvais, trop beaux. Mauvais PowerPoint, désolé. Est-ce qu'on peut. Voilà, en fait, non, ce soir, je vais me demander. Slide suivante, en fait. Voilà. Ouais. Jean Massier, le streamer politique, doit-il aller sur Kick, la plateforme polémique. Alors ce soir, je vais t'aider. T'as la réponse ? Bah, j'ai un début de réponse. Vas-y. Mais moi, je suis là hein, pour toi. Avant de se lancer dans un pour ou contre, on va faire un petit peu de contexte, comme dirait le JDG. Tout commence avec Stake, un site qui a notamment fait la promotion sur Twitch de jeux d'argent et de hasard à des mineurs, hein, faut le rappeler quand même. Fin 2022, donc les patrons, qui sont des gros crypto-bros australiens, financent cette entreprise de plateforme qui s'appelle donc Kick. Et là, Jean, je sais ce que tu vas me dire. Mm-hmm. Mais enfin, Vincent, espèce de demeuré illettré, c'est pas la première fois que des concurrents tentent d'attaquer Twitch sur son terrain. Il y a eu Facebook Gaming, il y a eu YouTube Gaming, il y a eu Mixer, hein, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Mais exactement. Ouais. Ouais. Alors pourquoi Kick ? Tout simplement parce qu'ils ont un argument de taille qui va te plaire. Évidemment, la thunasse. Ah oui, le flouze, les pépettes. Voilà. Car oui, Kick fait un vrai dumping actuellement dans le milieu en proposant beaucoup d'argent d'un coup et surtout en le répartissant différemment que ce qu'il y a chez Twitch et Amazon, et notamment pour les petits créateurs. Alors, chez Twitch et Amazon, la majorité des streamers ont droit à peu près 50% du prix d'un sub, d'un abonnement payant. Chez Kick, Jean, t'aurais le droit à 95%. C'est énorme, hein. Et ça, m'intéresse, ouais. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Non, il y a d'autres spécificités. Ouais. Il y a une espèce de salaire horaire qui est encore un peu mystérieux et qui fait fantasmer. Il y a un peu de fake news aussi autour de ça. Et Jean, il vous le dira pas parce qu'il est, timide, quoi. Il est timide. Mais ça l'intéresse. En tout cas, ça fait vibrer une corde sensible. Voilà. Mmh. Après, moi, je dis, si tu vas sur Kick, tu pourras aussi faire des choses beaucoup plus librement, voire un peu border. Comme du genre. Faire un react d'un débat présidentiel sans payer les droits, par exemple. Tu vois, un truc un peu ah ouais, quoi. Ça, c'est les trucs zinzin pour Jean. Ouais, exactement. C'est vrai. Ah ouais, je suis un déglingo, moi. OK. Parce que sur Kick, en plus de pas vraiment demander d'exclusivité de diffusion, c'est-à-dire que tu pourrais continuer à streamer sur Twitch, on te propose des conditions d'utilisation qui sont a priori plus souples, ou du moins appliquées moins fortement, on va dire, avec une limite. Hein. Il y a XUXI qui a... Juste après essayer de streamer un Batman, forcément, il y a quelqu'un de Kick qui lui a dû dire « Non, fais pas ça, en fait ». Donc, il a arrêté en plein film. C'est XQC qui a fait ça ? Oui, non, mais c'est juste une après son arrivée. Il a touché 170 millions de dollars. Il a dit « Je vais streamer du Batman ». C'était pas 100 millions ? C'est une variable, enfin bref. Ah, ok, d'accord, pardon. L'effet avant tout. Est-ce qu'il s'est excusé ? Mais Kick s'inscrit pour moi donc dans la lignée un peu du free speech des réseaux sociaux, hein, défendu par des Donald Trump ou des Elon Musk. Et on a vu comme ça avait bien marché avec Twitter. Donc moi, je me dis, voilà, il y a un truc à saisir. Quoi. Ouais, allons-y, ouais. Après, Jean, il faut faire gaffe quand même. Hein. Si tu vas sur Kick, tu vas te retrouver avec des collègues, des profils de gens qui ont un peu des casseroles. Et pas du type de casserole que t'emmènes pour aller dire bonjour à des membres du gouvernement. Vraiment, ouais. Je pense notamment à Marou, qu'on va voir sur la slide suivante, qui est sur la gauche, qui a été accusée l'année dernière de comportement déplacé par de jeunes femmes encore mineures et qui a été très bien accueillie dans la famille Kick, avec un petit cœur, etc. Il y a l'Américain aussi, Il Mike, si je prononce bien son nom, qui a reçu une fellation live, supposément, et qui n'a reçu qu'un jour de ban. Voilà, C'est pas cher payé, oui. C'est pas cher payé. D'accord. Adin Ross, autre personnage, disciple d'Andrew Tate, et a scrollé en live sur Pornhub devant ses viewers, pour beaucoup adolescents. Et il a diffusé le Super Bowl, il a invité un suprémaciste blanc pour discuter, comme ça, voilà. Tout va bien, il va. Bah, il est pour le débat, lui. Ah bah, il n'est pas fermé d'esprit. Ouais, pas comme toi. Voilà. Non, non, non. Qui fait monter l'extrême droite. Oui, lui est démocrate, ouais. Alors, Kick affirme évidemment dans ses conditions d'utilisation de ne pas tolérer la pornographie, les discours de haine. Mais bon, hein, on sent qu'il y a certaines personnalités
par exemple, d'extrême droite qui ont dû être ravis de voir une telle plateforme arriver. Alors, oui, si tu décides d'y aller, je te conseille aussi, par ailleurs, autre astuce, de te lancer dans les jeux d'argent. Voilà, surtout parce que... Ah. Bah, et notamment se opérer par stake, c'est-à-dire parce que, c'est d'ailleurs, on le voit, la catégorie qui marche le plus. Sans déconner. En ce moment, vraiment devant le Just Chatting, et on voit des petites différences d'audience. Hein. Clairement, la catégorie la plus populaire, c'est 26 000 spectateurs contre 315 000 pour le Just Chatting sur Twitch. Ouais. Et moi, je trouve que là, un petit peu, cette opération-là, c'est du génie, parce que les patrons de stake, ils ont investi dans une plateforme de streaming pour vous donner envie de miser, de dépenser cet argent, un argent qui est récolté par cette même entreprise pour financer sa plateforme en partie. Donc c'est un vrai cercle vertueux, Mais oui. Et enfin voilà, tout va bien dans le meilleur. Le casino gagne toujours à la fin, mais il nous reverse d'une certaine manière. Mais voilà, c'est beau, non, c'est beau. Voilà, en stimulant tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, les jeux d'argent, les pointeurs. C'est génial, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a Dame dans le chat qui a dit pour 10 millions, elle va sur Kick. Moi, si t'y vas, Dame, j'y vais. Je te suis, je suis avec toi. Après là voilà, encore une fois Jean, faut se méfier, hein. La plateforme se vante de chiffres impressionnants mais qui sont difficilement vérifiables parce qu'il y a des soupçons de faux viewers, hein. Il y a des gens qui ont fait des petits tests. Oh, il y a du botting à l'ancienne. Et peut-être son patron dit qu'ils sont déjà rentables sans donner plus de détails sur le modèle, surtout que c'est bizarre quand on sait que Twitch cherche encore une forme d'équilibre, hein, aujourd'hui. Mais le truc cocasse, c'est que pour faire tourner sa plateforme, Kick a besoin de serveurs. Et pour ça, ils payent des serveurs, notamment une entreprise qui appartient à Amazon. Donc on se dit, ah, peut-être que Twitch et Amazon, bah, mine de rien, ils sont un peu bénéficiaires là-dedans. Ils ont dit, bah, faites vos bises, tant que ça marche, nous, on récupère de l'argent. Après, n'allez pas croire que je dis que Jean doit absolument non plus rester sur Twitch et que tout va bien. Enfin, je vais où alors? On verra un peu. Sur Facebook, à la télé. Allez, sur Facebook Live. Quelle époque. Moi, je pense que de toute façon, sur Twitch, il y a de toute façon encore beaucoup trop de problèmes à adresser. Hein. Il y a le partage des revenus, les difficultés pour se rendre visible en 2023 et même depuis longtemps, le manque de transparence de la part de l'entreprise et par-dessus tout, des graves problèmes de harcèlement, notamment contre les streameuses. Tout ça fait que bon, c'est pas la folie d'être Twitcher, Twitcheuse aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cet extrait d'un live de Gotaga avec Amine et Dwagby notamment, qui est très intéressant. On sent qu'ils sont partagés sur leur éthique. C'est-à-dire, ils ont été contactés, on leur a donné des gros chiffres. Tu sens qu'ils sont un peu genre, oh, c'est peut-être un peu intéressant, j'avoue, mais vis-à-vis des marques, ça, c'est peut-être pas ouf. Mais par contre, il y a eu un argument intéressant de Dwagby. Il dit c'est un bon moyen de faire pression sur Twitch en entretenant un petit peu cette ambiguïté avec Kick pour la concurrence. On va voir l'extrait. Pour nous, créateurs de contenu sur Twitch, c'est le fait qu'il y ait un concurrent. C'est juste ça qui nous intéresse tous. Et ça, on le disait même à l'époque de Mixer et même à l'époque d'Azubu TV. Le fait qu'il y ait un concurrent à Twitch pour qu'ils évitent de trop abuser, trop presser, on va dire, la vache à lait, bon, j'ai pas le terme, ça, c'est intéressant. Parce que dans tous les cas, ça va un peu nous protéger, nous, d'un abus parce qu'ils ont le monopole. Ça, c'est vraiment le vrai avantage dans un premier temps. Presser la vache à lait. Je sais pas si c'est une expression réelle, mais je l'adore. Je la connaissais pas. C'est Cyril Kiki, normalement, c'est l'expression officielle. Oh, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Le mot Kiki, je l'avais pas prononcé depuis 15 ans, je pense. J'ai aussi parlé à Ultia pour avoir son avis. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit ceci. Elle m'a dit notamment que Twitch est géré par des gens qui sont un parti assez hors sol. Ils font des choix parfois incompréhensibles, plein de petites décisions qu'elle ne comprend pas, à titre personnel. Oui. Et Twitch ne veut pas admettre aussi que certains streamers sont au cœur du problème et permettent à leur audience, à leur chat, de demeurer toxique sur la plateforme. Mmh. Elle dit aussi, en revanche, que Kick, pour elle, c'est un faux problème, parce que les audiences actuelles, on l'a vu, ne sont pas encore comparables avec Twitch, et qu'elle ne pense pas que ça lui apporterait de la visibilité, même que ça serait plus l'inverse, ce qui est logique à l'heure actuelle. Elle dit que la seule raison qu'elle irait d'aller sur Kick, ça serait l'argent. Mais elle n'a pas forcément besoin de gagner plus d'argent ou quoi. Donc, pour l'instant, pour elle, elle trace un petit peu sa route comme ça sur Twitch. Et c'est un non-sujet pour elle. Et c'est pour ça que mon dernier conseil pour toi, Jean, c'est limite de faire semblant de t'intéresser à Kick, comme Amine, tout ça, glisser des petits trucs comme ça, pour tâter le terrain, alors que pas du tout, juste pour voir comment Twitch réagit. Alors là, c'est un conseil business, c'est pas un conseil pour gérer vos relations amoureuses ou amicales, hein. Sinon, parce que ça, c'est vraiment drapeau rouge direct. Mais le timing est d'autant plus intéressant qu'on approche de la TwitchCon qui aura lieu début juillet. Et je me dis, génial, avec tout ce qui se passe, l'ambiance là-bas, elle va être vraiment au top. Ah, quoi. Ça va être, j'ai hâte. D'ailleurs, voilà. J'y serai à la TwitchCon. Bah voilà. Je vais faire un meet and greet, ça s'appelle. Tu sais, un truc où tu rencontres tes fans et on peut signer des autographes. Mmh. Je suis sûr qu'il n'y aura absolument personne qui viendra me voir. Je viendrai. Et en plus, sur la genre.
sur la liste par ordre alphabétique. Je suis à côté de JL Tommy. T'imagines les ados qui vont venir non, mais voir ce qui peut t'arriver de mieux. Hein. C'est quand même triste pour eux. C'est ce qui peut t'arriver de mieux qu'il n'y ait personne parce que c'est horrible ces trucs-là. Mais non, j'aime bien les conventions, tout ça, ça va être sympa. Les gens, ils défilent, t'es là, oui, tu veux quoi. Mais en fait, plus tu parles avec eux, plus tu vois ceux derrière aussi, t'es là, merde, bon, attends, faut aller plus vite. Non, c'est nul. Excuse-nous pour ton succès. Ça veut dire que tu viendras pas me voir. Vaut mieux boire les apéros. Il y a d'autres occasions de rencontrer les gens que dans cette espèce de truc. Vous pouvez prendre une place pour venir dans le public. Dans le public de Backseat. Non, mais venez me voir. Hein. Oui, allez le voir. Voilà, si vous venez à TwitchCon, faites semblant ou alors par politesse. Voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Vincent Vanilla, mesdames et messieurs, pour le PowerPoint de Vincent extraordinaire. C'était très, très chouette. Les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on marque une petite pause dans cette très belle émission. Juste après la pause, on se retrouve avec la vie d'Adèle et surtout avec notre invité politique. Il s'agira du ministre de la fonction publique et de la transformation publique, Stanislas Guérini. Pause, à tout de suite après la pause. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, bonsoir le public, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux à suivre cette émission. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Backseat, l'avant-dernière de la saison. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont fait des dons pendant la pause. On est atteint 25% de notre objectif final pour finaliser la saison. Merci beaucoup pour vos dons. Continuez à faire des dons sur KissKissBankBank. Même les dons de 1€, 2€, ça nous soutient, ça nous permet de continuer cette belle émission. Chers amis, avant de recevoir l'invité politique de l'émission cette semaine, Stanislas Guérini, nous allons accueillir la chronique que vous attendez tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut. Comment Salut ça Adèle. Va Ça va super. Tu t'es pété la main? Ouais, je me suis cassé la main. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait? Souvenir de week-end. Bon, une fois que c'est pas une MST. Désolée, je vous habitue pas à ça. Non. Non, j'étais à Marseille. Et c'est hyper dangereux, Marseille. Et on te le dit pas. Tu sais, les Marseillais, ils te parlent jamais des vrais dangers. Hein, les quartiers nord, les vols à l'arraché, les fusillades, tout ça, c'est des épiphénomènes. Le vrai danger à Marseille, c'est la bicyclette. Voilà. Tu t'es planté en vélo. Voilà, plus précisément, les rails du tram qui font la taille exacte d'une roue de Vélib marseillais. Ah, merde. C'est, voilà, ouais. Un hasard, je ne crois pas. Mais le tram, c'est dangereux, hein, ouais. En soi. Ouais, je suis contre. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre... à Marseille, typiquement, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. Le tram, il roule et toi, tu es au milieu. Moi, je non, on peut dire pas, que c'est quoi. La faute des mobilités douces. Non, mais Hidalgo d'émission, hein. Et ça, ouais, c'est vrai, on parle pas dans Bac Nord, hein, franchement. C'est une émission qui dénonce, hein. Moi, je pensais plutôt que c'était un complot contre les Parisiens. Tu sais, les Marseillais, ils tapatent comme ça avec « on est bobo, on a des vélos cargo, des trottinettes électriques, du lait d'avoine, et puis en fait, t'as pas de piste cyclable et t'as des rails de tram. » Voilà, bref, je me suis croûtée en vélo. À part ça, ça va? Ouais, ben ça va et toi? Ouais, super. De quoi tu voulais nous parler? Du truc chaud, de l'actu du moment. C'est quoi? Plus chaud que la pré-canicule, le remaniement. Ah oui. Les médias ne parlent que de ça et on sent que tout le monde se prépare, quoi. Les conseillers de Borne se cassent les uns après les autres. C'est pas bon signe, mais c'est aussi de pas très bon goût, hein, parce que c'est quand même relou les gens qui se cassent avant la fin de ton dîner. Je filoche discretos, hein. Je descends pas les poubelles. Et les médias posent la question du remaniement à tous les ministres invités, avec plus ou moins de subtilité. Dans quelle classe, vous, l'année prochaine? Dans quelle classe, vous voulez dire? J'ai fini mes études. On parle beaucoup de remaniement, on parle beaucoup de... Ça, il y a un conseil de classe imminent, visiblement. Oui, je ne commande pas les rumeurs, je prépare la rentrée. Et puis ça fait quelques années quand même que j'ai fini mes études. Non, ça fait quelques années que j'ai fini mes études. Il est odieux, Thomas Soto. Thomas Soto, il tape fort quand même. Ouais. Il est odieux, cette année. C'est couille, surtout. Ah, bon, moi, je le dis. Thomas Soto, un sup. C'est noté. Ah, d'accord, ok. Salut, confrère. Non, mais c'était nul, le truc de conseil de classe. Bah oui, oh, déjà, on parle pas comme ça à un ministre. Déjà, ouais, exactement. Vous êtes lourd. J'ai hâte de voir les... Alors, tous les journalistes raclent les fonds de tiroir pour trouver le successeur d'Elisabeth Borne. Hein, ce matin, même, sur France Inter, ils ont demandé à Jean-Louis Borloo. Ah ouais. Qui a répondu non. Richard Ferrand aussi a répondu dans Le Figaro avec une poésie qui pourrait faire de l'ombre au haïku de Christophe Castaner. Je suis plutôt un vétéran qu'un aspirant. Merci Richard Ferrand. Et ils sont allés jusqu'à demander à François Bayrou. J'ai un manque d'espoir à ce point-là, il n'y a pas de renouvellement. Écoutons sa réponse. Deux critères, une l'autonomie pour le Premier ministre et une entente avec le président de la République. Bon, tous les c'est pas votre propre portrait robot. Autonomie, le modem. Pour une fois, je vais répondre à votre question de manière non ambiguë.
Voilà, pour une fois, je vais vous dire la vérité. Parce que d'habitude, j'ai quand même tendance à vous mentir et noyer le poisson pour une fois. C'est moche, parce qu'en voulant faire un acte de sincérité, il a décrédibilisé 40 ans de vie politique. Quoi. Et heureusement, il a répondu non. Hein. Et alors, il a dit quoi? Attention. Ah, pardon. Je ne suis pas aujourd'hui dans ce jeu-là. Non. Parce que nous allons avoir à l'automne un procès des prétendus assistant parlementaire. Et si la question c'est est-ce que vous auriez aimé faire ça, j'aurais adoré faire ça. Je suis hors jeu. Ah, Michel. Non, j'ai fait de la merde, du coup je peux pas être Premier ministre. Voilà, donc je résume, Bayrou aurait adoré être PM, mais malheureusement il peut pas parce qu'il lui arrive une tuile totalement indépendante de sa volonté, un procès pour emploi fictif. Ah, mais quelle injustice. Bayrou, c'est un petit peu comme si tu Marc Dutroux, tu sais, voyait passer une offre d'emploi de directeur d'orphelinat. Il aurait adoré le job, mais pas de bol, il est déjà en prison. Voilà. Oh, c'est moche. Mais, point Godwin, pardon. Désolé. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la fin de la saison. Autre actu de la semaine, je voulais vous parler de la fête de la musique, mais alors rien de croustic-rock sur les réseaux sociaux. Hyper décevant, les ministres étaient hyper sérieux. On sent que le remaniement plane, tu sais, il faut poster des trucs un peu sérieux. Et c'est quoi le gros truc sérieux du moment hautement instagrammable? Attention, analyse, c'est un truc, c'est un des trucs préférés de Jean. Les chats? Ah. Oh oui! Les navions! Ah oui, le salon du Bourget! Ah, c'est le Bourget! Mais bien sûr! Mais oui! Ah oui, ils l'ont fait. Voilà! Oui, oui, donc on a battu tout le monde. Oh, quelle bande de RN, bourgeoise. Reconquête, le gouvernement. Mais il y a un petit stand Valoche. Où ils peuvent tous aller l'un après l'autre, ils font la queue. Et attention, qui c'est sur la dernière photo? Bruno Le Maire. Mais bien sûr! Ah ben bien sûr! Il n'y a pas eu des TikTok de Djebari? Non. Il est plus ministre. Il est plus ministre. Bah oui, mais. Mais non, mais lui, c'est le seul qui. C'est son domaine. Parce que je ne comprends pas le principe. À la limite, Djebari, il est pilote, mais là, les avions sont au sol. Et on sait qu'aucun d'entre eux n'a un brevet de pilote de chasse. Pourquoi ils font ça? C'est une version adulte du manège. Même pas. C'est ça. Si, c'est trop bien. Ça n'a aucun sens. Trop bien. Je ne vois pas la différence avec cette image. Attends, c'est pas l'image? Non. Non. Image sans doute générée par de l'IA et trouvée sur ce compte Instagram Emmanuel Macron. Je vous invite à aller voir, il a très très peu d'abonnés, mais il fait beaucoup d'images assez rigolotes. Alors ils disent que c'est pour défendre notre industrie, mais quelle industrie? Enfin, l'industrie qui fait la guerre ou l'industrie qui fait la pollution? Voilà, on ne sait pas quoi choisir. D'ailleurs, à noter qu'il y avait très très peu de gens de gauche au Bourget. Vraiment, enfin, toutes les images que je vous ai montrées, c'était droite ou oui, c'est droite. Donc c'est un truc de droite, les gros avions. Et vous savez, un autre truc qui est de droite? Los Republicanos. Yes. Épuisés et malmenés par El Macron, qui n'en finit plus de leur piquer leurs idées et leurs références Chiraco Machista du bureau de los estudiantes de las escuelas de comercio, qui apparaît à l'image. Une fois encore, Los Republicanos se doivent de se rassembler. Allez, églou, 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 églou. Mais comment faire? Organiser une grande réunion de tout le clan dans un cirque? Et communiquer comme si on était une série télé? C'est sûr, ils nous regardent, les amis. Franchement, c'est pas possible. C'est ça, leur com. Pas possible. Ricky Ciotito proposa une autre tactique hautement disruptive. Ma, si on générait des idées nouvelles? Wow! Tout le clan rassemblé est en liesse, mais bien sûr, des ideas nuevas! Mais quelle bonne idée! Comme le dit un vieux dicton chez Los Republicanos, on n'a peut-être pas d'electores, mais on a des ideas. Enfin, on a l'idéa qu'il nous faut, des ideas. En effet, Los Republicanos ont fait le triste constat qu'ils n'avaient fait aucune nouvelle proposition depuis 2007 et la campagne de Nico Sarkozy. 16 ans ont passé, il est temps, à l'aune de cette puberté politique, de porter une nouvelle vision. Sera-ce dans les domaines inexplorés des droits des femmes ou de l'écologie? Peut-être pas. Los Republicanos restent fidèles à leur sujet de prédilection, la immigration. Mais peut-être que les propositions seront portées par de nouveaux visages. Ah. Ou pas. Toutefois, il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est désormais d'accord au sein du clan. Pas d'alliance avec El Macron. Cette nouvelle ligne n'est pas sans déplaire au jeune et fougueux Aureliano qui la défend ardemment depuis le début. Ce fut d'ailleurs la raison de son éviction de la vice-présidence du cartel. Cartel qui défend désormais ce qui lui a valu d'être banni quelques mois plus tôt. Ah oui. Mais comme disait le peintre Georges Braque, il faut toujours avoir deux idées, l'une pour détruire l'autre. Précepte que Los Republicanos s'applique avec une certaine constance. Alors que Los Republicanos travaille à leur refondation, de l'autre côté du territoire, Los Socialistas font la même chose avec Bernardo Casanova. Et sa convention, qui est aussi une forme de refondation.
Le remaniement verra-t-il le remplacement de la terrible Lisa Laborna? Le cartel deviendra-t-il finalement... On attend un tout petit peu que l'image suivante arrive. Le cartel deviendra-t-il finalement un moteur à ideas nuevas, plus nuevas que celle de Jaco Chirac? En fait, il fallait voir cette image-là. Ça, c'est une image du Congrès. Oui. Oh, ils ont des États généraux. Voilà, ce qu'ils mettent en avant, c'est Jacques Chirac. Vous le saurez en suivant la prochaine saison sur Baxit en septembre 2023 et en donnant de l'argent à Baxit. Merci beaucoup pour Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup. On a de suivre la suite de la saison de Los Republicanos. Et effectivement, pour ça, il faut donner des pesetas. N'hésitez pas à y aller sur KissKissBankBank. Merci beaucoup. Du coup, excuse-moi, c'est acté qu'il y aura une saison 3 de Baxit ? Eh bien, on en a tous très très envie. Vous en avez envie, vous ? Oui ! Eh bien, si vous en avez envie, il faut mettre la main à la poche et on va y arriver grâce à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos dons. Le pognon. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec notre invité politique. Cette semaine, il s'agit du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de Baxit. Je suis content d'être là, c'est l'avant-dernière, c'est ça ? C'est l'avant-dernière de la saison, absolument, merci d'être là. Avant la saison 3 donc. Avant la saison 3, on croise tous les doigts. Vous êtes, je le disais, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La Fonction publique donc c'est la direction et la gestion des fonctions publiques et des agents de l'État, on peut dire ça comme ça ? Ah ouais, voilà. Tous les agents de l'État. Tous les agents de l'État. Des trois versants, ceux qui bossent dans les hôpitaux, ceux qui bossent dans les collectivités, ceux qui bossent dans les ministères, dans les administrations, à Exactement. Paris ou partout sur le terrain. Vous avez également été délégué général de La République En Marche de 2018 à 2022 et vous avez été cofondateur de La République En Marche à sa fondation. Voilà, tout est vrai jusque-là. On va en parler de tout ça, on a beaucoup de questions à vous poser. Avant ça, sur le côté transformation publique, il y a aussi transformation dans l'intitulé de votre ministère. Ça veut dire quoi? Vous transformez quoi? Parce qu'on a déjà connu des plans de transformation de l'action c'est publique. C'est souvent une question qu'on me pose sur ça veut dire quoi Bah, ça veut dire quoi surtout vous transformez quoi? Parce que moi, j'ai connu la RGPP, il y avait la modernisation de l'action publique, c'était sous Hollande, la RGPP, c'était Sarko. Il y a eu CAP 2022, le comité d'action publique 2022 pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste quoi à transformer là? Alors, peut-être qu'on va le dire plus simplement. Ouais. En fait, il y a fonction publique, ça c'est les gens. Oui. Ils font le boulot, les fonctionnaires, et c'est une grosse partie de mon boulot. Et puis, il y a service public au fond. C'est ça, au fond, l'intitulé du ministère, transformation et fonction publique, pour moi, c'est ces deux versants-là. C'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui font le boulot au quotidien. D'accord. Ça veut dire sur la fiche de paie, ça veut dire dans leurs conditions de travail, ça veut dire dans le sens qu'on leur donne. Et puis, comment est-ce qu'on réinvestit sur nos services publics. Je dis en disant ça, alors parce vous que parlez la de question c'est, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a plein de trucs qui restent à faire. Et je pense, et je le dis humblement, y compris que nous-mêmes, on a tiré des enseignements de ce qu'avait été le premier quinquennat. Ah bah justement, on va en parler. Parce que je le en disais. En 2022, que ce qu'on a fait en 2017. Des plans de transformation, des plans de modernisation, de révision de l'action publique, on en a connu un paquet. J'ai envie de dire, le bilan auquel on arrive aujourd'hui, c'est que les Français dénoncent la dégradation des services publics. Les Français trouvent qu'il n'y en a pas assez des services publics. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut un peu arrêter. C'est pour ça que je préfère parler au fond de services publics. Que de transformation, parce que vous avez raison, il y a eu 10 000 sujets de plans de transformation, etc. Le but du jeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse piloter. Je mentionnais le dernier quinquennat. Il y a eu 2-3 crises dans le dernier quinquennat, ouais, quelques-unes, dont une crise sanitaire. Et en fait, on a tiré plein de leçons de cette crise sanitaire. Bah, lesquelles? Parce que du coup, ça visiblement, je vais essayer de pas sur le terrain, mais alors allez-y. Concret, mais en fait, pendant la crise sanitaire, on a juste fait différemment. Alors au début, on n'a pas tellement bien géré. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est quand même sorti de cette affaire et pas beaucoup plus mal que nos voisins. C'était pas un échec, ça n'a pas marché. J'essaie de vous dire la vérité. Je pense qu'on n'a pas forcément super bien démarré. Mais on peut le dire, il y a eu un maximum d'argent qui est arrivé aussi. Il y a eu un moment. L'État y est allé à fond. De temps en temps, j'entends néolibéral, etc. On pourra y revenir, mais je pense qu'on a fait 2-3 trucs en matière d'investissement public à ce moment-là où je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que faisaient d'autres pays notamment. Mais il y a un truc qu'on a fait très différemment, c'est qu'on a arrêté de nous regarder le nombril d'un point de vue gestion administrative. En gros, l'administration classique, c'est de se dire, on va faire selon nos process, selon notre organisation, et puis si vous n'êtes pas au bon bureau, c'est parce qu'il faut aller à l'autre bureau, etc. Tout d'un coup, il y a eu un moment très simple où il y avait un objectif, c'était de se sortir de ce merdier, et on a aligné toutes les planètes. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est quoi les objectifs sur le terrain? On a raccourci les chaînes hiérarchiques,
on a permis à des gens de faire pas forcément ce qu'ils faisaient au quotidien dans les administrations. On a fait confiance. Je vois ce que vous voulez dire, mais on a aussi eu des mairies qui ont de prise de risque. C'est des collectivités locales qui ont porté à bout de bras. C'est des personnels soignants aussi à l'hôpital qui étaient épuisés. Enfin, c'est tous ensemble. En fait, moi, il y a deux trucs auxquels je crois pas. Je vais vous dire, c'est laisser faire. Et je pense que on sort de beaucoup de décennies. Vous parlez beaucoup de ça au fond, d'idéologie, d'action, de ce qui a été. On a appelé ça, pardon de vous dire des gros mots, le New Public Management. Ouais. C'était de dire, j'allais dire le gros mot. Ça, pour moi, c'est un truc qui est dépassé. Et c'est-à-dire. J'arrive. Laissez-moi venir et je vous jure que je vous laisse. J'ai encore rien dit. Je vais poser des questions. Mais. T'inquiète, quand même. Mais après, je voudrais bien que tu définisses. Je vais essayer de le. Non, mais ça va être intéressant. Vous avez quand même souvent entendu des ministres de la fonction publique parler de la fonction publique pour dire combien de fonctionnaires ils voulaient supprimer. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas mon cas. Et je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat repose pas sur des suppressions de postes de fonctionnaires. Il y a un truc, c'est moi je crois plus à l'idée de tout externaliser. Mais il y a un autre truc auquel je crois pas, c'est l'idée que l'État va pouvoir faire tout seul. Quand on voit les grands défis qu'on a devant nous, la transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, l'idée faut que McKinsey, faut des conseils, on puisse piloter simplement avec la fonction publique et puis le reste du monde de l'autre côté, c'est un truc qui ne marche pas du tout. Et je suis prêt à l'assumer devant vous. On retrouve un peu en même temps dans ce que je dis. Mais en même temps, ce n'est pas juste un équilibre, un peu de ci, un peu de ça. C'est de croire à des choses. Il y a un truc, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais en voiture et je vous écoutais, vous dites, il n'y a pas d'idéologie. Moi, je crois qu'il y a de l'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. Je dis, il n'y a pas de politique. Mais moi, je crois au contraire que ce quinquennat, c'est un quinquennat aussi du retour de la politique, du réinvestissement sur le terrain. Après, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas se dire. Il y a ceux qui disent qu'il faut moins de fonctionnaires, et puis ceux qui disent, pour bien faire le boulot, en gros, la seule réponse, ça serait de mettre 10 fonctionnaires pour faire le job. Donc, moi, je pense qu'on doit inventer un truc nouveau. Ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas faire seul, c'est faire ensemble. Et pendant la crise sanitaire, c'est ça qu'on a plutôt bien fait. Et il y a plein de fonctionnaires, et je pense que ça explique des choses aussi du malaise dans les hôpitaux, par exemple, qui n'ont pas envie de revenir à la situation d'avant. Parce que pendant un temps, on les a laissés faire un peu différemment. On leur a dit, tiens, si tu fais un truc, prends une initiative, prends des risques, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Moi, j'ai été rapporteur d'une loi qui s'appelait le droit à l'erreur. Ouais, je m'en souviens. On l'a fait pour les usagers. Ben, je pense qu'il faut faire le droit à l'erreur pour les agents de la fonction publique. Jules. Et c'est aussi un mode de pilotage différent. Bon, les agents de la fonction publique, en effet, c'est plein de monde, plein de gens différents. Il y a les hauts fonctionnaires, il y a les gens qui nous soignent, les gens qui nous enseignent des choses à nos enfants, les gens qui nous tapent dessus aussi, ça fait partie aussi de la fonction publique. Et la question, c'est ces gens sont traités quand même assez différemment. À partir du moment où, il y a 10 ans, on a choisi de geler le point d'indice, on s'est dit, on va faire autrement, on va faire des primes, on va essayer d'intéresser les fonctionnaires à leur mission, intéresser dans le sens intéressement. Ouais, hein, ouais. Parce que normalement, quand on devient fonctionnaire, on est plus ou moins quand même intéressé par ce qu'on va faire, hein, à la base. Et il y a plutôt des études qui ont montré que c'est pas comme ça qu'on motive le mieux les fonctionnaires, c'est pas avec des primes et des carottes et des machins, mais c'est plutôt en leur permettant d'avoir du sens dans le travail. Et c'est quoi les pistes, là, pour leur permettre de retrouver du sens dans le travail, en sachant que bon, là, s'il est question de transformer, on l'a dit, les RGPP, il y a eu des grandes transformations, voilà, le New Public Management, etc. Ça a été des années et des années de destruction de postes, de non-remplacement, de « allez, vous allez faire plus, mais avec moins, mais mieux ». Voilà, vous allez faire mieux avec moins. Et puis, des gens se sont épuisés dans leur travail, les professions sont devenues de moins en moins attractives et payées de plus en plus de manière soit arbitraire, soit très différente selon les secteurs dans lesquels on va bosser. Alors que le point d'indice, au contraire, permettait d'unifier un petit peu ce truc-là. Donc, comment on permet aux gens de redonner, de réinvestir leur boulot et de leur redonner du sens? D'abord, ça, c'est mon job au quotidien. C'est ma priorité numéro un. Mais on garde ce truc des primes, là, parce que ça... Vous avez annoncé en l'occurrence des primes. Là aussi, je vais vraiment au bout du truc. Moi, ma priorité numéro un, c'est de faire en sorte que les gens, ils aient à nouveau envie de rejoindre la fonction publique et de rester dans la fonction publique. C'est quand même deux sujets. Que ça soit dans la police, dans les hôpitaux, mais aussi des métiers dont on parle beaucoup moins souvent, des filières administratives. Moi, je m'intéresse beaucoup aux secrétaires de mairie, par exemple. Ben voilà, elles font, je dis elles parce qu'elles sont 94% de femmes, elles font tenir les mairies, et c'est des métiers auxquels il faut s'intéresser. Je pense que si on veut réussir ça, d'abord, il faut être très lucide. Il y a eu 2 fois moins de candidats au concours de la fonction publique en 10 ans. Voilà, ça, oui, c'est ça quand n'attire même plus. Donc d'abord, partons de la réalité. Moi, je pense qu'on est toujours quand même mieux pour ensuite agir quand on regarde la situation telle qu'elle est. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et si on veut répondre à ça,
Il y a un sujet qui est un sujet fiche de paye. Ouais. Je pense que si on regarde à côté. L'organisation du travail. Hein. Ah ouais, est-ce qu'on est épanoui dans notre travail? Si l'organisation reste, du travail, ça, c'est pas en que disant la fiche ça de compte paye. Pas la fiche de paye, je pense qu'on se raconte des histoires. Ouais. Il y a aussi un sujet fiche de paye. Ouais. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour de la fiche de paye. C'est-à-dire à la fois le sens, c'est la question que vous me posez. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus grand défi aujourd'hui que de venir rejoindre la fonction publique. Parce que ce qu'on doit relever tous ensemble, je mentionnais les grandes transitions qui sont devant nous, c'est le défi de notre génération. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est par hasard, je suis tombé sur des gens qui étaient dans le public pendant la pause. Ils m'ont dit « Vous venez d'où ?» Il s'avère qu'ils étaient du ministère de l'écologie. Spécial dédicace, je ne sais pas où vous êtes. Bon, Christophe Béchu. Aujourd'hui, si tu nous regardes, Christophe, je te salue. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus passionnant que de se dire « Je vais venir faire la transition écologique ». Un bout chez Christophe Béchu, au ministère de l'écologie. Ça répond pas à la question. Le lendemain, Alain Bordier pour décarboner. C'est toujours porteur de sens. Donc, ça, jusque-là, évidemment d'accord. Qu'il y a du sens. Mais, je complète juste d'un mot pour être complet sur le sujet. Il faut être crédible sur le sens. Moi, je crois de moins en moins aux grands discours un peu désincarnés, etc. En réalité, le sens, c'est aussi ce qui se passe au quotidien. C'est les conditions de travail. C'est pour ça que moi, je bosse beaucoup là-dessus. Mais je ne fais pas qu'en parler. Moi, je travaille sur ces sujets-là. Je vais vous donner des exemples très concrets. Améliorer les conditions de travail, c'est par exemple s'intéresser à la santé au travail, à la santé des femmes. Cette semaine, c'est la semaine dernière, je vous donne des trucs concrets. Il y avait un jour de carence pour les femmes fonctionnaires qui subissaient une fausse couche. Je pense que c'était indigne. On a supprimé ce truc-là. On a fait une loi, adoptée à l'unanimité, moins le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale et au Sénat, unanimité, pour faire en sorte qu'on nomme plus de femmes dans les postes d'encadrement à responsabilité dans la fonction. Ouais. Ça, c'est la semaine dernière. On a fait ces sujets-là. La semaine dernière, on a amélioré les conditions des secrétaires. Vous voyez, c'est tout un tas de trucs. Qui fait le lien avec... Tout à l'heure, je n'ai pas dit McKinsey non plus complètement gratuitement, mais quand vous disiez qu'il faut arriver à faire ensemble, etc. C'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré un mec qui bosse à McKinsey et qui m'a dit, moi, en fait, le boulot que je fais, là, payé, en effet, pas mal bien payé, ouais, le boulot que je fais pour l'État, l'État est plus foutu de le faire, il y a eu des pertes de compétences, et en fait, moi, je serais assez ravi de pouvoir le faire pour l'État, avec l'État, être fonctionnaire. Même pour un boulot de conseil, en l'occurrence. Oui, le boulot d'organisation, de haut fonctionnaire. C'est ça qu'il disait. Lui, il disait, moi, j'aimerais bien le faire en interne, en fait, mais ils n'ouvrent pas de poste. Non. Donc, moi, est-ce que... Alors là, je suis très, très à l'aise pour répondre à cette question. Allez-y. Il y a eu des pertes de compétences. On est arrivé, c'était en pleine campagne, il y avait l'affaire McKinsey, etc. Ça, c'est un sujet, je l'ai pris premier jour. C'était un des dossiers qui était posé sur la table tout de suite. Il devait être chaud, celui-là, oui. Il y avait des sénateurs qui voulaient qu'on avance aussi. Et donc, j'ai aucun problème là-dessus. On avait dit, on va réduire de 15% les dépenses sur les prestations de conseil en stratégie. Vous savez combien on a fait l'année dernière? C'est marrant parce qu'il n'y a eu aucun papier pour le dire. Moins 35%. Et on aura le débat budgétaire, je vais mettre tout ça dans les documents budgétaires. Donc, tout sera vérifiable. Moins 35%. Ensuite, l'autre sujet... Mais sachez de faire en sorte que les gens dont on a besoin dans McKinsey, ils soient directement l'autre dans sujet, la fonction publique. C'est comment on réinternalise les compétences. Voilà, c'est en vrai comment on réarme l'État sur des compétences. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une administration qui s'appelle la Direction interministérielle de la transformation publique. La DITP. Pardon pour le gros mot, la DITP. C'est toujours des acronymes, on sait. Ouais, on les embrasse un tout petit peu. Mais oui. On les embrasse. Mais ils sont en train d'embaucher. On a validé des postes dans le budget pour réembaucher. Mais je vais vous dire un truc. Si vous regardez que McKinsey, vous passez à côté d'un énorme bout du sujet. D'un énorme bout du sujet. Parce que, j'essaie de vous dire la vérité, je pense qu'on a un sujet d'État stratège. Il y a plein de gens qui savent faire de l'État stratège dans l'État. Il faut mieux les mobiliser. Il faut qu'on sache, d'ailleurs, mieux cartographier les compétences des uns et des autres, savoir qui peut faire quoi, etc., pour ne pas externaliser. Mais l'énorme sujet, c'est beaucoup plus un sujet de maîtrise d'ouvrage. Moi, ce dont je me rends compte tous les jours, c'est que là où on s'est beaucoup affaibli ces dernières années, c'est sur des sujets beaucoup plus concrets que les conseils en stratégie. C'est la capacité à faire de l'immobilier, c'est des ingénieurs pour faire la transition écologique. Vous voyez, j'ai lancé un plan de sobriété pour l'État. On est en train de le réussir. Mais il faut remettre du monde sur le terrain, ça s'appelle des energy managers, pour aller dans les chaudières, des bâtiments publics, voir comment on peut économiser ça. Et en fait, on manque de ces bras-là. Et ça, ces sujets, c'est les vrais sujets. Le numérique, on manque d'experts de numérique dans la fonction publique. J'ai quand même, il y a quelques jours, annoncé... qu'on va lancer un plan pour réinternaliser 3500 jobs dans le numérique. Au moment où on se parle, il y a 4500 emplois qui sont ouverts
J'en profite. Allez-y, ça embauche. Envoyez vos CV. Ça s'appelle choisirleservicepublic.fr. Bon, ben, ça peut être utile. Je ne sais pas si on a le droit d'afficher des trucs. Oui, non, mais on peut le mettre dans le chat. Eh ben, mettez-le dans le chat. Donnez de l'argent quand même. Voilà. J'ai compris, 25%. On monte. Pour revenir un peu à cette notion justement d'engagement, là, vous êtes en train de dire qu'il y a des postes qui s'ouvrent, etc., que vous êtes en train de recruter. Il y en a 60 000, là, maintenant. 60 000, c'est énorme. Mais vous disiez par ailleurs que les concours sont un peu boudés et qu'il y a de moins en moins de personnes qui a vraisemblablement envie de bosser dans la fonction publique. Vous parliez du sens, etc., etc. La fonction publique, ce n'est rien d'autre, finalement, que le bras armé de l'État et du gouvernement pour mettre en place les politiques publiques qui sont choisies par le gouvernement. Est-ce que, finalement, ce n'est pas votre politique qui pose problème aux gens et qui se disent, finalement, moi, je n'ai pas envie de m'engager avec ce gouvernement. Ce que ce gouvernement est en train de faire en matière sociale, ce que ce gouvernement est en train de faire en matière écologique, en matière économique, etc., etc., ce n'est pas ma vision des choses, ce n'est pas ce que j'ai envie de défendre. Parce qu'il y a ça aussi, quand on est fonctionnaire et qu'on s'engage au niveau territorial, au niveau étatique, etc., mais même, moi, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai été diplomate, j'avais envie, en fait, de servir le gouvernement pour lequel je bossais. J'étais contente de porter un certain nombre de réformes, etc. C'était le précédent. Bon, maintenant, j'en suis revenue, certes, mais voilà, il y a quand même un certain engagement. Il y a un certain engagement. Je veux dire, on n'y va pas les yeux fermés. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas Je ne sais pas, d'abord, de quelle politique publique vous parlez. Moi, j'ai sincèrement plutôt fier... Des grandes lignes. Non, mais je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement... Oui, vous. ...qui augmente le salaire des professeurs comme on ne l'avait pas augmenté depuis bien longtemps. Je suis plutôt fier dans un gouvernement. Il y a des profs dans le public, qui ça augmente. Fait pouf. Ouais, bah d'accord. Ça fait ricaner. Mais pardon. Ils ont fait pouf. Je remercie pour les applaudissements. Non mais pareil, pour les profs, on repart sur un truc à base de primes. S'ils acceptent les nouveaux machins, etc., on se toujours à la carte. Non. Stanislas Guérini. Si, il y a une augmentation des primes. Soyons précis là-dessus. Sur le volontariat. On a annoncé des choses. C'est mon collègue Papendia qui l'a fait pour dire on va remettre 3 milliards d'euros pour mieux rémunérer les professeurs. On a 2 milliards, pas des primes. En fait, non, une vision macro. Ça veut dire, dans quelle société on a envie d'évoluer, comment on construit les choses, qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, pour le futur, qu'est-ce qu'on fait en matière environnementale, en matière de tout, de l'éducation aussi. Peut-être qu'on a l'impression que vous méprisez un certain nombre de secteurs publics. On le voit, l'hôpital est tabou, les soignants sont tabous, les profs sont tabous, tout le monde est tabou. On va vous laisser parler. Le chat réclame qu'on vous laisse parler. On va vous laisser parler. Le premier niveau, merci le chat. la première réponse, c'est d'abord vous me dites, est-ce que on est sincèrement fier de s'engager pour cette politique publique-là ? Je peux pas vous laisser dire que c'est une politique publique où on désinvestit, etc. C'est pour ça que je me permettais de prendre une minute pour dire que on investit sur l'éducation. Jamais le budget du ministère de l'Éducation nationale, il avait été aussi élevé. On le fait sur la justice, on le fait sur l'hôpital. Alors on part de très loin. Je suis d'accord avec vous que l'hôpital public, il avait été très abîmé, d'ailleurs par des gouvernements de gauche en l'occurrence. Oui, entre autres, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de politiques où votre on réinvestit. Mais, vous avez été strauss-kahnien. Je vous laisse avec vos propres référentiels. Mais donc, d'abord, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de faire partie d'un gouvernement néolibéral, austéritaire, qui n'investit pas sur nos services publics et la puissance publique. Et le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, la question que vous me posez, pardon, mais moi, je n'ai jamais ces échanges-là avec les fonctionnaires que je rencontre. Je rencontre plein de fonctionnaires qui sont d'abord fiers de faire leur boulot parce qu'ils travaillent dans une collectivité, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils défendent l'ordre public, et pardon, on a le droit de se le dire, parce qu'ils sont agents d'un ministère qui est engagé dans la transition écologique. Et ils se posent au fond assez peu la question du gouvernement et de savoir quel est le bord politique. Ils sont là pour faire leur métier, leur engagement, et ils le font gouvernement après gouvernement. Et tant mieux que ça soit comme ça que ça se passe. Moi, j'ai quand même le souvenir d'un ministre de l'économie, c'était en 2015, il s'appelait Emmanuel Macron, et il avait déclaré « Je ne vois pas ce que justifie que certains cadres de mon ministère, le ministère de l'économie et des finances, bénéficient d'un emploi à vie, et pas les responsables de la cybersécurité d'une grande entreprise. » On était au cœur du macronisme initial, celui de 2015, 2016, 2017, qui consistait à casser les codes, à casser les statuts. Les tabous. Emmanuel Macron s'y était attaqué très fort, y compris les corps intermédiaires et tout, en disant « Libérons les énergies, ça suffit, ces vieilles histoires de statut, ces vieilles lunes du 19e siècle, cassons aussi le statut de la fonction publique. » C'était un discours... Ah, il n'a jamais dit de casser le statut. Non, il n'avait pas dit comme ça, mais vous comprenez que ça ait pu entrer par une oreille des fonctionnaires qui ont, quand ils ont entendu ça. Je peux comprendre aussi ce que dit Léa en disant « Bon, le sens du boulot aussi, on l'a pas vous... Ah. Non ? Deux trucs. Un, vous prenez des petits bouts. Le même Emmanuel Macron, ministre de l'économie, mais il était candidat au moment où il a dit ça. Il remettait l'État chez Renault, et à ce moment-là, on lui disait « Vous êtes souverainiste ». Donc,
Parfois, il faut aussi remettre aussi les choses dans l'histoire. C'est ensuite, moi, ce que je crois, c'est que le statut de la fonction publique, c'est super moderne. Et donc, tout ce que je vais faire, comme réforme, comme transformation, je pense qu'on peut le faire dans le statut. Le statut, tel qu'il a été pensé, c'est des droits et des devoirs pour les fonctionnaires. Mmh. Et je crois que c'est très moderne. Ce que je veux changer, c'est qu'à l'intérieur du statut, par contre, on fasse péter un certain nombre de carcans. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, je parlais des secrétaires de mairie. Vous êtes embauché dans la fonction publique, vous êtes titularisé, vous êtes fonctionnaire. Vous arrivez, on vous a embauché en catégorie C. Et en fait, si vous ne passez pas un concours administratif à un moment donné, c'est-à-dire que vous passez une année à préparer un concours très théorique, vous n'allez pas pouvoir changer de grade dans la fonction publique, progresser dans votre carrière. Ben moi, ça, je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on puisse changer. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui font le même métier, mais en fonction qu'ils soient contractuels de la fonction publique territoriale ou titulaires de la fonction publique d'État, tout va être différent pour eux. Leur modalité d'embauche, leur modalité d'évolution de carrière, leur rémunération. Et d'ailleurs, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas bouger de l'un à l'autre. Donc moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de fluidité et de mobilité. Ça, j'assume parfaitement. Faire en sorte que quand on se forme, ça puisse permettre de progresser dans sa carrière. Faire en sorte qu'on puisse valider les acquis de l'expérience pour pouvoir bouger. Donc moi, j'ai un discours là-dessus de mobilité. Et je pense qu'il faut casser plein de rigidités. Vous voyez, je parle à beaucoup de maires qui me disent « Moi, j'ai un système dans ma collectivité où pour promouvoir un agent, il faut absolument que j'ai embauché 3 agents. Ben, » il s'avère que comme j'ai du mal à embaucher les agents, je ne suis même plus capable de promouvoir les agents qui sont dans ma collectivité. Ben, ça, c'est une rigidité. Ça, j'ai envie de faire péter ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut garder le statut et changer beaucoup de choses à l'intérieur du statut pour mettre de la mobilité, valoriser les compétences, par les performances, par les résultats. Ce n'est pas des gros mots dans ma bouche. Il y a des secteurs dans lesquels c'est très compliqué d'évaluer c'est quoi les performances, par exemple, pour une assistante sociale, c'est quoi ces performances, le nombre de dossiers qu'elle traite dans la journée. Réussir à déployer un plan de sobriété, par exemple, à réinsérer des jeunes quand on est dans le domaine social. Quoi, réussir à réinsérer des jeunes, qui va on dire est dans ça, c'est bon, un c'est peu une réussite. Mais quand même. En fait, tout n'est pas mesurable comme ça. Moi, ça, j'ai un gros différent avec vous. Ah oui, là, je pense. C'est parce que, en fait, vous, votre idée, c'est de dire performance, c'est le gros mot. Et donc, performance égale, pardon, j'espère pas trop vous caricaturer, mais vous allez rémunérer tous les fonctionnaires à comment on diminue la dette dans le pays, quoi, grosso modo. Comme dans une entreprise, on aurait le résultat financier. C'est pas ça, moi, ce que je veux dire par performance. Performance, c'est se dire, on se fixe des objectifs. Et je suis pas très éloigné de ce que vous disiez. Dans la police, ça a donné la politique du chiffre. Et c'est ça qui est beau, la politique. Et c'est pas du beau travail, la politique du chiffre. Après, j'ai bien compris, vous avez un léger petit problème avec la police. Mais ça aussi, je le mets un peu plus tard. Je suis assez d'accord sur la question de la fonction publique, indépendamment de la police. J'essaie de pas dévier de ma route. De l'action publique. On a le droit de se fixer des résultats. On a le droit de se dire qu'une politique publique, ça va être par exemple... Et c'est peut-être ça qui a fait perdre du sens à des agents. C'est par exemple déployer des pistes de kilomètres cyclables, c'est par exemple déployer des bornes électriques sur le terrain, c'est par exemple fermer des centrales à charbon, tout un tas de trucs qu'on est, soit dit en passant, en train de faire. C'est se fixer des objectifs de politique publique. C'est de les rendre transparents, c'est de les afficher. C'est ça qu'on a fait. On a même ouvert un baromètre de l'action publique, deuxième site qu'on pourrait afficher sur le chat, où... On donne la possibilité aux Français d'aller dans leur département, d'aller sur baromètre d'action publique, et de dire, voilà les politiques prioritaires, il n'y a rien de caché, tout est transparent. Voilà ce qu'on veut faire pour changer la vie des gens, et on l'assume, et c'est ça la noblesse de la politique. Moi aussi, je crois à la politique. Et à ce moment-là, on rend mesurable les résultats. Ben, combien on a réussi à dédoubler de classe, par exemple, ça c'est un truc qui est très très concret, c'est une politique publique dont je suis fier. Combien on a réussi à embaucher d'apprentis ? Ben, pardon, mais l'apprentissage... On a démarré en 2017, il y avait 200 000 dans le pays, on a terminé le quinquennat, il y en avait 750 000. Je pense que c'est un des sujets de grande fierté de cette action-là. Et on va atteindre 1 million d'apprentis, j'en suis absolument persuadé. Ben vous voyez, ça c'est un objectif qui est mesurable, qui est quantifiable. On peut l'amener à l'échelle d'un service administratif, d'un département. Et moi je crois à cette performance-là. D'accord. C'est l'engagement, c'est le mérite. Ben, c'est des mots auxquels je crois. Sacha. Ça fait quelques semaines que Bruno Le Maire nous dit que c'est la fin du quoi qu'il en coûte et qu'il y a plusieurs milliards d'euros à économiser. Comment vous allez protéger vos fonctionnaires ? Vous allez dealer avec ça ? D'abord, je pense que c'est un bon... Et à quel point vous allez être impacté ? C'est un bon moment pour me poser la question parce que je viens d'annoncer des revalorisations des fonctionnaires. L'année dernière, on a consacré 7,5 milliards d'euros dans une année pour augmenter la rémunération des fonctionnaires. Il y avait beaucoup d'inflation, mais... Quand même, le ministre de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice, c'était au début de François Mitterrand qu'il fallait remonter pour faire ça. Là, il y a quelques jours, on vient de prendre la décision de refaire exactement la même enveloppe budgétaire. Ça va être 3,5 milliards sur la demi-année, là, pour finir l'année,
Et puis, l'année prochaine, ça sera un peu plus de 6 milliards d'euros qu'on remet. Donc, vous voyez, je n'ai pas été bloqué dans ce projet-là pour augmenter les fonctionnaires. Pareil, il fallait faire face à de l'inflation. Ça continue, on se bat, mais elle continue d'être là. Et moi, je crois qu'investir sur nos agents publics, c'est plutôt une logique d'investissement pour mieux transformer, pour rendre des politiques plus efficaces. Et j'assume parfaitement de dire qu'il y a des trucs, ouais, pardon, qu'on peut faire mieux avec moins. Et il y a plein de politiques publiques où c'est possible. Comme quoi, par exemple, oui. J'ai un peu du besoin. Je vais vous donner un exemple passé, puis un exemple d'un truc qu'on est en train de faire. Un exemple passé, c'est les impôts. Les impôts, c'est une administration où il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'avant. Ben, ça marche mieux qu'avant. Et je crois que c'est un avis assez commun. Ceux qui ont besoin de le faire en ligne, etc., ça marche plutôt bien. Ça, c'est la numérisation si on, pour les si impôts. Si on a besoin de parler à quelqu'un, on y arrive aussi. Et il y a plein de retours. Les impôts, c'est un service public que les Français plébiscitent plutôt, alors que c'est les impôts. Donc, un truc actuel. Je vais vous donner un truc actuel. On est en train de numériser toute la procédure pénale. C'est-à-dire que concrètement, dans la justice, oui. On est en train, pour la justice, de vider les tribunaux de leurs papiers. Ben, ça, c'est du bon numérique. En fait, il y a des agents qui étaient payés à faire de la logistique dans les tribunaux, c'est-à-dire de transporter des brouettes de papier parce qu'on n'avait rien numérisé du tout. Ça fait qu'on réduit le temps administratif passé sur une procédure de 97%. Ils font quoi, les agents, du coup, maintenant ? Je suis super content. Mais c'est pas comme si on n'avait pas de problème à embaucher des agents. Vous voyez, on n'a pas diminué le nombre. On a embauché 10 000 magistrats, greffiers dans le quinquennat et on est en train de continuer. Le ministère d'Éric Dupond-Moretti, c'est celui qui a quasiment le plus augmenté d'un point de vue budgétaire. Donc, en fait, ils répondent mieux à ce qu'attendent les Français. Ils veulent quoi ? Ils veulent que les délais de la justice se réduisent. Ils ne veulent pas être trimballés d'une administration à une autre. Ils veulent parler à quelqu'un quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'on réouvre des maisons France Service. On en a ouvert 2600 sur le territoire. Ça veut dire que et ce n'est pas des trucs en l'air. Et chaque mois, il y a 700 000 démarches qui sont faites dans les France Service. On va atteindre, c'est mon objectif pour fin 26, et je pense qu'on l'atteindra avant, 1 million de démarches tous les mois dans le réseau France Service. C'est-à-dire qu'il y a quand même que 12 millions de Français chaque année qui vont pouvoir aller dans un espace physique, parler à quelqu'un qui a un prénom, voir un visage, et se voir Il y a un déploiement dans les zones rurales qui a été annoncé. Moi, je pense qu'il faut faire du bon numérique, c'est-à-dire du numérique qui marche bien, qui est accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple, pour pouvoir justement concentrer nos efforts pour remettre des gens, des agents, là où il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire un peu plus proche du terrain, quoi. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, Stanislas Guérini, vous avez été cofondateur de La République En Marche en 2016. Vous faites partie des pionniers, des premiers avec Emmanuel Macron qui avait œuvré à son arrivée au pouvoir. Ici, dans cette émission, on a l'habitude d'observer les camps politiques qui, en ce moment, phosphorent beaucoup sur leur identité, leur positionnement, leur espace politique, leur stratégie. La gauche, la NUPES, depuis un an, on en parle beaucoup. Bernard Cazeneuve qui a lancé une initiative là récemment. À droite, c'était samedi dernier, les États généraux des Républicains, un an de réflexion, de travail, etc. Et avec vous, on voulait se poser la question ce soir, c'est pour ça que je suis content aussi que vous soyez là. Et le macronisme, il en est où dans son histoire ? On en est où par rapport en même temps aux promesses de transformation de 2016 et à la politique qui est menée aujourd'hui ? On a l'impression d'une radicalisation du macronisme, d'une droitisation du paysage politique, au point qu'on se pose tous la question de savoir si le prochain Premier ministre ne sera pas les Républicains. C'est quoi votre analyse à vous sur l'identité du macronisme ? C'est marrant que vous me disiez ça, parce que moi j'ai le sentiment qu'on a pas vraiment dévié depuis le début d'un point de vue idéologie. Et je rebondis. Allez-y, expliquez-moi. Alors, c'était pas clair pour nous depuis le début. C'est du contradictoire. Ou alors, peut-être qu'on s'est trompé ou qu'on a été trompé, je sais pas, mais dites-moi. C'est du contradictoire, monsieur le procureur. On a le droit de répondre. Oui, la parole est à la défense. Donc d'abord, vous me dites, bon, droitisation, etc. C'est quand même marrant que vous me disiez ça dans un moment où on a quand même dépensé beaucoup d'argent public. Et la question peut même se poser de soutenabilité. On a un sujet de dette, beaucoup d'argent public, beaucoup plus que tous nos voisins, pour justement protéger les Français pendant la crise sanitaire, pour protéger les Français de l'inflation. C'est pas la quantité d'argent public dépensé qui, pour moi, qualifie une politique de droite ou de gauche. D'accord. Dissolution des soulèvements de la terre, réforme des retraites, loi immigration qui arrive. Quand même, là, c'est chaud d'y voir de la gauche. Rien que Gérald Darmanin. Ok, très bien. J'essaie. Ouais, mais vous voyez, j'entends. Ça, c'est un peu facile. Il est clairement de droite. Il va te répondre clairement. Un ministre de l'Intérieur qui embauche des policiers. Qui fait en sorte qu'ils soient mieux rémunérés. Un ministre de l'Intérieur qui vient de droite, moyens. Surtout. Mais très bien. Mais vous quoi, mais crée de l'emploi. Vous venez de la gauche, vous. Moi, je m'en fous de qui vient de la droite ou qui vient de la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va. Voilà, c'est pas là où on vient, c'est là où on va. Où allez-vous, donc ? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, alors, vous n'avez pas des d'abord, premier élément de réponse, c'est... Je l'entends quand même, de temps en temps, on a le sentiment
que c'est nous qui sommes en train de détricoter les services publics, qu'on se retire, etc. On l'entend, ouais. C'est pas vrai. Okay. Pardon, je veux pas être trop barbant. Non, mais allez-y, c'est pour ça qu'on vous invite. Mais c'est important, les chiffres. Je le démontre en investissement dans l'école, dans la santé, dans la police, dans la justice, dans les services publics de façon générale. Après, moi, quand je dis que je n'ai pas le sentiment qu'on est dévié, au fond, c'est quoi notre projet politique ? Moi, pourquoi je me suis engagé derrière Emmanuel Macron ? Parce que c'était un responsable politique qui disait le cœur du projet, c'est donner à chacun les moyens de choisir sa vie. Ça veut dire armer les gens, notamment par l'éducation, par la formation, en investissant massivement sur ces sujets-là, pour qu'on ait un peu plus les clés. Et je dis ça, moi, je viens d'un milieu favorisé, j'ai des parents aisés, j'ai fait une école de commerce qui est souvent HEC. HEC, ouais, HEC. J'en suis très fier. Hein. Moi, je veux dire, j'ai bossé, hein, y a pas de problème. Mais j'avais tous les trucs, tous les héritages pour reprendre Pierre Bourdieu. Et vous aviez les bonnes conditions. L'héritage social, l'héritage culturel. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce qui fonde mon engagement à moi, c'est de me dire comment on fait pour investir, d'ailleurs un peu plus tôt dans la vie, pour que chacun ait les chances juste d'avoir le choix. C'est non, mais ça, l'émancipation. Tout le monde peut l'entendre, on est tous d'accord avec ouais, ça. Mais ça, mais ça veut dire dans des les choses. Faits. Je le décline de façon concrète. Mm-hmm. Ça veut dire s'engager d'abord massivement sur la question du travail. Faire en sorte, et ça, c'est notre fil rouge depuis le début, que le travail, ça paye, qu'on crée des jobs. Pardon, on a démarré 2017. On était encore dans un chômage de masse. On est en train d'avoir un chemin, peut-être, on n'est pas encore complètement, mais vers une société du plein emploi. À quel prix ? Moi, j'ai 40 ans, j'en ai jamais entendu parler. Non, ça fait 40 ans qu'on en parle, du plein emploi. Je parlais de la revalorisation de l'apprentissage. C'était des filières qui étaient des voies de garage avant, y compris dans le débat public. Les métiers de la main, tous ces métiers-là, notamment dans les filières industrielles, ces métiers qui n'étaient pas valorisés. Ça, c'est un fil rouge de faire en sorte que, par la formation professionnelle, par le fait de créer des jobs, par la valorisation du travail, et c'est tout le sens de notre politique économique, ça fonctionne. Mmh. Si on veut que ça fonctionne, il faut par ailleurs protéger les gens. Et ceux qui sont les plus fragiles, plus éloignés des services publics, ceux qui en ont le plus besoin au fond, parce que c'est le capital de ceux qui n'ont pas le capital que je mentionnais à l'instant. Les chômeurs, les retraités. Et ça, ça veut dire... Les gens, protéger, ben, les gens qui... Pardon, moi, je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui fait en sorte qu'il y a moins de chômeurs. Et on me dit, alors, vous créez des emplois précaires, etc. Pas du tout. Tous les chiffres montrent le contraire. Il n'y a jamais autant de création d'emplois stables. Oui, non, en CDI, vous dites que vous voulez accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais par ailleurs, vous avez réduit les indemnités chômage dans le temps. Vous allez faire en sorte que les gens au RSA bossent et aient une activité. Enfin, c'est quand même un peu... Il n'y a pas que le travail, déjà. Il y a aussi la nécessité de faire en sorte qu'effectivement, que les gens vivent dans des conditions dignes. Et je trouve que votre discours est incohérent avec la réalité de votre politique menée au quotidien. Je ne suis pas du tout d'accord. Pardon. D'accord, vous accompagnez les gens, mais c'est normal de leur réduire les indemnités chômage. Non, mais voyez, vous me parlez, vous me dites, vous faites bosser les gens au RSA. Bah, c'est une volonté qui a été affichée. C'est un sujet qui est super intéressant. Parce que moi, une des personnalités politiques qui m'a donné envie de m'engager, c'est Michel Rocard. Qui a créé le RMI, l'équivalent du RSA aujourd'hui. Exactement. Comme un droit, on est d'accord, sur condition de besoin. Mais son projet, c'est justement de sortir les gens de cette situation-là, de faire en sorte qu'on puisse s'insérer, et qu'on puisse s'insérer notamment par le travail. Et donc, le projet comporte, c'est pas du travail forcé, évidemment. Mais vous vous rendez bien compte que la réalité, le projet si qu'on les a, s'il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont RSA aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en étant aussi au RSA. Il y a des situations très concrètes, des personnes qui, par exemple, sont en situation de handicap, dont la situation n'a pas été reconnue avec une AH, etc., qui aujourd'hui vont se retrouver à devoir travailler alors que ce n'est pas possible. Oui, mais c'est-à-dire que dans votre rhétorique à base de responsabilité, de choix, etc., si vous avez le choix, du coup, vous êtes responsable de votre situation. C'est ce qui veut dire... Je vous laisse tous finir. Vous voulez terminer le tour de table et je réponds après. Si vous voulez. Mais ça va dans cette rhétorique-là. Il faut qu'on se dise des choses. Moi, je crois que le vrai scandale, c'est que, justement, on accepte l'idée qu'il y ait des gens qui soient au RSA et que 6 mois après, 1 an après... ils n'aient toujours aucune proposition d'accompagnement, et caricaturons pas ce que ça veut dire l'accompagnement, ça peut être parfois des gens qui ont des problèmes de santé, parfois qui ont des problèmes d'alcool, ça peut être parfois des gens qui sont très éloignés de l'emploi, et donc les accompagnements, ils vont devoir être très adaptés, et nous c'est ça qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que le fait de bénéficier du RSA
mais ça puisse être conditionné à une politique publique qui va vous proposer des choix, des solutions et un accompagnement. Et donc, pourrait les accompagner sans leur enlever leur droit. C'est justement le cœur du projet. Et je crois que la gauche, dont je viens, ouais, a eu tort pendant longtemps de considérer que cette question-là, elle était secondaire. Qu'au fond, il y a plein de gens qui se contentaient de vivre avec le RSA. Parce que ce n'est pas ça que disent les gens. Bah, les gens, ils ont envie de pouvoir s'insérer, de pouvoir trouver un boulot et justement de pouvoir être accompagné. Donc moi, je crois, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je prends un tout petit peu de temps pour en parler, d'activité, oui, j'assume de dire que ça fait partie du cœur de notre projet politique. Et moi, je crois au travail. Je crois au travail comme une forme n'importe quel d'insertion, travail. D'émancipation. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation aussi des bien conditions de travail, du type de job proposé, l'ubérisation, etc. Il y a des boulots qui ne donnent absolument pas envie. S'il s'agit de nous remettre à coup de pied au cul vers ce genre de boulot ou des secteurs en tension, voilà, il va falloir y aller là maintenant parce qu'on a besoin de ça. Les jeunes, il va falloir que vous alliez dans la restauration. Est-ce qu'on l'obtient via un chantage à je te supprime les allocs, je te supprime le RSA, ou est-ce qu'il ne faut pas engager un grand chantier? Depuis le Covid, c'est quand même assez évident que les gens ont envie de retrouver une autre forme de sens au travail, un grand chantier sur un grand Grenelle des conditions de travail et du travail où on écoute les acteurs, on écoute les salariés notamment et pas seulement les patrons et les besoins des patrons. Bah, vous dites ça à quelqu'un qui fait ça toute la journée, pardon, mais cette question des conditions de travail, moi, elle est au cœur de ce que j'essaie de porter pour les agents de la fonction publique. Tout à l'heure, on se parlait de sujets très concrets, d'égalité salariale, de santé au travail, de transformation des espaces de travail, de question du temps de travail. Ça, c'est mon quotidien. Donc, je crois que j'ai aucune leçon à recevoir sur. Je n'ai pas une leçon. Je note juste que quand je parlais tout à l'heure. Transformation. Quand je parlais tout à l'heure du fait que vous ne faisiez pas de politique, c'est un sujet qui est très, très politique, mais le travail. Est éminemment et politique. Le débat, il n'est pas ouvert, en fait. Il n'y a pas d'espace pour parler de ça. La société a changé. Avec des aspirations qui ont changé, on se retrouve, alors vous connaissez les gens qui sortent d'AgroParisTech et qui sont là à dire « Moi, je sais faire plein de choses, j'ai des compétences, j'ai pas envie de les mettre au service de ce genre de travail. » Et puis le travail, c'est pas seulement nos conditions de travail, c'est aussi, comme le disait Léa, quand elle disait « Participer à l'action, accompagner l'action du gouvernement en étant fonctionnaire, c'est quelle action ?» Les gens aussi ont envie de retrouver une souveraineté, tiens, ça c'est un mot qui est à la mode en ce moment, une souveraineté sur leur travail. Et c'est assez délicat en ce moment d'une souveraineté sur leur travail, c'est-à-dire y compris dans l'entreprise. Comment on refait ça? Est-ce qu'il faut redonner davantage de, comme en Allemagne par exemple, de co-gestion dans l'entreprise avec les syndicats ou des choses comme ça? Il y a plein de pistes possibles, mais le débat n'est même pas ouvert là-dessus. Non, c'est pas vrai que le débat n'est pas ouvert. Il est vraiment très profondément ouvert au moment où on se parle, entre les syndicats, le patronat, c'est même au cœur des questions qu'on a. Sur la conférence sociale. Il était déjà ouvert dans la question sur les retraites. Moi, je considère qu'on a des masses. Trop. Ouais, mais bon, ça a un peu débattu, mais pas suffisamment. Non. Pas suffisamment. Non, parce qu'il y a eu un 40. Sur les questions des. Oui, c'est pas ça qui a formé le débat. Mais bon, ça, bref. Ouais. Mais je considère que les questions, elles sont intimement liées. Et pardon, je parle de ce que je fais au quotidien, mais ce sont des sujets qui sont très très concrets. Vous voyez, c'est la réforme des retraites, donc je suis pas en train d'éviter le sujet. Mmh. En parallèle, moi, je considère que si les gens sont usés. S'ils sont usés à 64 ans, en réalité, ils le sont déjà avant. Et donc, il y a un énorme angle mort, pour être un peu concret, c'est les questions vraiment de prévention, de l'usure, de la pénibilité. Ce qu'on a décidé de faire, c'est justement d'essayer de faire cette révolution culturelle dans la fonction publique. On a dit, sur les métiers de l'hôpital, dont vous parlez tout à l'heure, on va mettre 100 millions d'euros par an pour justement aménager des jobs, des postes, pouvoir permettre de financer des formations pour que les gens puissent changer de métier. Il y avait un truc, je vais vous donner un exemple concret. Dans la fonction publique, vous faisiez un métier pénible, ça s'appelle les catégories actives dans la fonction publique, vous changez de métier, vous étiez dans la pénitentiaire, par exemple, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passées avant dans la pénitentiaire, ah pardon, j'ai redit policier. Non, mais non, surtout, c'est pas un métier pénible, finalement, mais, policier. Mais c'est des métiers, en tout cas, qui ont un bénéfice particulier de partir un peu plus tôt à la retraite. Ouais. Vous étiez dans la pénitentiaire, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passées dans la pénitentiaire, ça valait zéro. Ça, on l'a changé. Oui, la conservation des droits. J'en profite pour le dire, parce que personne n'en a parlé. Mais on a fait en sorte que ces années, les droits que vous avez acquis, ils sont définitivement acquis. Mmh. Et vous n'avez pas les perdre en cours d'eau. On a une dernière question. C'est des questions de connaissance. On a une dernière question de Sacha. Moi, j'aimerais bien revenir un peu sur En Marche. Ça fait maintenant 7 ans que En Marche, puis du coup maintenant Renaissance, prône un peu le dépassement du clivage gauche-droite. Le fait est que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée et que vous allez être obligé. Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. On vous l'aurait rappelé, sinon, c'est pas grave. Soit avec les Républicains, soit avec la gauche. A priori, ce seraient les Républicains. Est-ce que vous n'avez pas été soit trop confiant, soit un peu naïf sur les institutions?
et sur le fonctionnement du Parlement ? Non, d'abord, en fait, on a juste respecté le vote des Français. Enfin, je veux dire, c'est vous priori, et moi, la base. Par notre vote, qui avons décidé qu'il y aurait une majorité relative. Et d'une certaine façon, les choses sont bien faites dans la démocratie. Les Français ont quasiment fait rentrer la proportionnelle. Ah oui, ça, c'était moi sur la barbe, pardon. Ouais, on a retrouvé des archives. J'ai un choc, il y avait Snapchat à l'époque. C'était fou. Des bons moments, c'était les premiers meetings d'Omar. Ouais. La belle époque. C'était une belle époque, ouais. Moi, je pense que les campagnes, c'est des super moments. C'est vrai. Donc voilà, il faut l'assumer. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, ce sont les Français qui ont fait rentrer la proportionnelle à l'Assemblée nationale, qui nous ont mis dans une position de majorité quand même, relative. Mm-hmm. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit composer. Et il s'avère que c'est ce qu'on fait depuis le début du quinquennat. Moi, je ne crois pas trop à la coalition. Mais là, vous êtes un peu soumis au chantage des Républicains sur les prochaines lois à passer. Ah, attendez. Quand même, c'est... Je ne crois pas trop que ça va bouger d'un coup d'un seul et que les lignes de la majorité présidentielle vont être totalement transformées, quelle que soit la configuration politique. Il y a 10 000 questions autour du remaniement, etc. Vous en parlez juste avant que j'entre. Je pense que ça change pas grand-chose. Vous avez des infos d'ailleurs, parce que nous, on a rien. Non, pas tellement. Vous voyez, moi, je m'inquiète. Vous avez pas le nom, je mets ça sortira pas d'internet. Ouais, non, vous avez des noms à nous donner. J'ai compris qu'il n'y avait pas grand monde qui regardait au fond dans cette émission. c'est bien, vous m'attaquez. Non, c'est bonne guerre, ça joue. On discute. Donc, on est dans cette situation, et d'abord, c'est les Français qui l'ont voulu. Ça nous oblige à quoi ? Ça nous oblige à bâtir des majorités. Ben ouais, mais non, parce que dites pas ça. 49-3 ? Non, mais attends. Quand même. 49-3 ? Il y en a eu sur combien de textes ? Vous êtes fort, sur les retraites, 4 ou 5 textes, je crois. Sur les retraites et sur le budget. Alors, le budget, Le budget, il y en a 2-3 comme des budgets. On est d'accord. Oui, il y en a plusieurs. Mais il y en a eu sur les retraites et sur le budget. Attends, on a adopté combien de lois ? Mais sur des trucs. 60. Mais sur des trucs pas essentiels. Oh, pas essentiels, c'est méchant ce que je suis en train de dire pour plein de gens. Non, c'est pas vrai. C'est pas structurant. La réforme des retraites, c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il le dit lui-même. Les énergies renouvelables, c'est pas essentiel. Le nucléaire, c'est pas essentiel. L'assurance chômage, c'est pas essentiel. La réindustrialisation du pays, c'est pas essentiel. La justice dans le pays, c'est pas essentiel. Mais on n'est pas au cœur de l'ambition de réforme d'Emmanuel Macron. C'est n'importe quoi de dire que c'est pas essentiel. C'est... La réforme des retraites. En disant ça, Jean, je veux pas dire que la réforme des retraites, c'était pas un débat super important. Mais c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord. Et c'est un marqueur politique. Voilà. Et il s'avère que c'était une réforme qu'on a faite en n'ayant pas l'opinion avec nous. C'est une réforme qui était impopulaire. C'est une réforme qui était impopulaire. Qu'il aurait peut-être même pas fallu faire. Dès l'élection, vous voyez, mais c'est ça la politique. C'est ça aussi c'est ce qui est noble dans la vie politique. De faire des trucs impopulaires. Non, il y a de la noblesse c'est de reculer parfois. Ce qu'on croit qui est nécessaire pour le pays. Et en l'occurrence, le président, il a pris son risque, puisqu'il a dit pendant la campagne, je vais faire ça. Oh, son risque, il n'a pas payé très cher. Il ne peut pas se représenter de toute façon. Donc, pardon, le risque de ne pas être réélu. Ok, très bien. Mais il ne peut pas être élu, il ne peut pas se présenter en 2027. Parle de la campagne. De la campagne. Pardon. Et il a dit pendant la campagne, je vais faire la réforme des retraites à 65 ans. Il ne s'est pas caché de ça. Oui, non, mais de toute façon, il y avait Marine Le Pen en face. C'était évident qu'il allait être élu. Je veux dire, il ne se mouillait pas des masses. Au premier tour, il n'y avait pas que Marine Le Pen et il a fait 4 points de plus qu'en 2017 au premier tour. Donc, on ne va pas refaire le match de l'élection présidentielle. Mais il a dit les choses. Mais la grosse différence, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une réforme où on n'avait pas l'opinion avec nous. On l'a fait en sachant qu'elle n'était pas populaire. Et c'est ça aussi la vie politique parfois. Et du coup, on n'a pas su bâtir cette majorité parce que même des gens qui pensaient qu'il fallait faire cette réforme, à ce moment-là, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est ça qui fait qu'on a eu un 49-3. Les Républicains, en l'occurrence, dont vous dépendez beaucoup aujourd'hui. Mais qu'on a voté avec la gauche. Moi, j'étais au Parlement la semaine dernière. Sur l'IVG dans la Constitution, par exemple. Je parlais d'égalité salariale. Dans la fonction publique, ce n'est pas des petits sujets. Non. On l'a voté à l'unanimité. Il y a l'extrême droite qui n'a pas voté avec nous. C'est quoi ? Il se passe quoi après Macron ? J'avais cette question. Oui, tu as raison, on voulait aborder. Je suis obligée, c'est ma dernière émission, je ne peux pas... Vas-y. Vous n'êtes pas invité pour la dernière ? Non, j'ai un truc. Elle peut pas être là, elle a un mot du médecin. Il se passe quoi après ? C'est quoi l'après Macron ? Je voulais rajouter un truc à la question de Léa. En plus, vous êtes un homme, vous avez dit que vous venez de la gauche. Ça représente quelque chose pour vous, l'extrême droite. Les brutalisations successives des années Macron, qu'elles aient été policières, qu'elles aient été. On y revient. Qu'elles aient été des brutalisations dans l'Assemblée, à coup de nouveaux articles de la Constitution à chaque fois, laissent quand même un climat démocratique extrêmement dégradé, extrêmement favorable au RN qui ne cesse de monter, qui a quand même énormément progressé entre la première élection et la seconde élection de Macron. Si derrière, franchement, l'extrême droite passe, vous regarderez ces années comment ? Vous assumerez votre part de responsabilité là-dedans ? Mais d'abord, moi, je crois que notre responsabilité... En tant que homme qui vient de la gauche... Je vais vous dire,
Le chemin direct vers l'extrême droite, oui. c'est de pas régler les problèmes des gens. Bah, là, non, vous mais... essayez depuis longtemps, non, ça non, non. vous n'avez manifestement pas réglé les problèmes des gens. Parce au quotidien, là où il y a l'extrême droite... Non mais sans langue de bois, non, sans... bah, vraiment. La langue de bois, pardon, vraiment. C'est vraiment ce que je pense. Ouais, j'y ai, j'y ai. D'une certaine façon, moi je m'en fous des discussions sur rien de l'après, qui, quoi, bon, machin, peu, machin, même, etc. Pas foutre, là, au on aura le temps de faire ça. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est, après c'est que si on ne fait pas notre job pendant ce quinquennat-là, alors là, c'est boulevard. Comment vous expliquez parce que, alors parce que Marine Le Pen et tous ceux qui sont autour d'elle, ils ne vivent que des problèmes. Il nous a déjà fait le coup, Macron, de dire « je vais vous donner des raisons de plus jamais voter pour l'extrême droite ». Et ça, c'était à la première élection présidentielle. Ben, donc, il a déjà eu 5 ans pour essayer ce truc-là. Manifestement, ça ne marche pas, ça monte. Bah, manifestement, oui. il a été réélu. Alors, j'ai bien c'est pas la question. Que je vous parle de la montée. Mais vous avez perdu votre majorité à l'Assemblée nationale au profit notamment du RN, quoi. D'accord, mais ce que je veux dire, vous c'est vous que... Vous ne pouvez pas dire qu'il a été réélu comme ça. Moi, je suis derrière un président de la République qui, Le Pen, il l'a battu 2 fois. Mais c'est pas la question. On voit des violences d'extrême droite qui montent dans le pays. On voit des endroits dans lesquels, le maire de Saint-Brévin qui se fait traverser. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. L'extrême droite, c'est aussi pas juste. Combat. Macron, est-ce qu'il a gagné ou pas gagné? Est-ce mais que je peux. Mais non, mais ça va arriver. Hein, vous en faites pas si ça continue comme ça. Allez-y pour le dernier mot. Allez-y. Vous donnez l'impression dans vos remarques qu'au fond, c'est nous qui serions le fait générateur de l'extrême droite. Moi, ce que je vous réponds, c'est que ça reste un combat absolu et un combat y compris dans les urnes. Mais ma conviction, pardon de la partager vraiment, c'est que si on n'arrive pas à résorber le chômage, si on n'arrive pas à faire en sorte que nos services publics fonctionnent un peu mieux, si on n'arrive pas à remettre des usines dans le pays, parce que ça, c'est vraiment le terreau au Rassemblement national, quand il y a les industries qui se barrent, quand il y a les employeurs qui se barrent, quand il y a des plans sociaux, les ouvriers. Si on n'arrive pas à faire tout ça, là, c'est sûr qu'il y aura Marine Le Pen. Donc moi, je veux bien qu'on occupe 90% des temps d'antenne à faire les spéculations sur l'après et de qui ça sera la faute, etc. Je trouve d'ailleurs, pardon, mais peut-être vous comme nous, on internalise un tout petit peu trop l'idée que c'est comme si elle avait déjà gagné et qu'on était déjà en train de chercher les responsabilités. Battons l'extrême droite. Combattons-la, mais par les actes. Et moi, je la crois qu'on est au gouvernement. La prochaine loi immigration, elle va combattre l'extrême droite et ça doit être ça notre job et ça qui doit mobiliser toute la migration. Ouais. Merci beaucoup. Je tiens juste, avant qu'on enchaîne, à remercier chaleureusement Jérémy et Benjamin qui ont filé 50 euros chacun. Merci beaucoup à Marthe qui a donné 30 euros aussi pour participer au financement de Backseat. Merci beaucoup. On est à plus de 25% de l'objectif qu'on s'était fixé pour la fin de cette campagne de financement de Backseat. Merci du fond du cœur. On va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, vous commencez à connaître le principe. 4 questions, 4 propositions de réponses. Vous, chez vous, vous jouez et vous, sur le plateau, vous essayez de me donner la bonne réponse à chacune des questions. On va tester un peu votre culture politique ce soir. Première question de ce quiz à la con. Allez. Quel animateur télé s'est déjà présenté à des élections? Oh. Réponse A. Jean Massier. Julien Lepers. Réponse B. Jean-Pierre Pernaut. Réponse C. Nagui. Réponse D, Tex. Je précise que si vous connaissez la réponse, vous êtes prié de ne pas la hurler. Vous laissez les gens galérer. Lequel de ces 4 présentateurs télé s'est effectivement présenté à une élection? C'est dur. Je précise, une vraie élection de la vraie République, hein, pas une élection étudiante ou un truc comme ça. Hein. Peut-être Julien Lepers. Julien Lepers? Peut-être. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non. C'était le oui en 2005. Ouais. Non. Oui, monsieur. Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est que la télévision ni qui sont ces 4 personnes. Auquel cas, désolé, vous ne jouez pas pour cette question-là. Moi, il m'en manquait un quand même. Hein. Lequel tu ne connais pas? Je ne connaissais pas Tex, mais monsieur le ministre vient de me rappeler de qui il s'agissait. Il a fait des blagues douteuses. C'est pas le meilleur. Oui, il est cancel. Oui, voilà, non, il a perdu son job de manière assez instantanée. Ouais, non. C'est ça. Ouais, pas ouf. Bah ouais. Bah lui alors. Pardon. Moi, Langocha. Voilà, le chat, vous votez dans le sondage du chat. Il faut choisir. Julien Lepers, la réponse A pour Stanislas Guérini. Léa, t'en penses quoi? Je dirais Nagui. Toi, tu dirais Nagui. Ouais, je le vois bien faire une campagne. Nagui, ok, d'accord. Qu'il a échoué vraisemblablement, mais. Nagui, tu sais pas. Non, ça se trouve, il était élu de président de la République, personne n'était courant. Et il a dit non, pas du tout, je vais continuer avec Taratata. Tout à fait logique. Nagui qui est né le même jour que mon père. Mais c'est rigolo. Ah, cool. Sacha. Attends, t'as la réponse ou tu la donnes pas? Usul. J'ai pas la réponse, mais je vais jouer le A en supposant que. Julien Lepers.
Attends, du coup, c'est le truc sur lequel on est d'accord. Si tu veux donner ta réponse. C'est génial. Donc, Stanislas Guérini et Jules, effectivement, disent réponse A. Le chat répond Jean-Pierre Pernaut. Réponse B, OK. Et Léa reste sur Nagui. Trop facile. Sacha, t'as l'air de connaître la réponse, c'est laquelle? Je crois que c'est Julien Lepers. Et c'est effectivement Julien Lepers. Bravo, bonne réponse. Oui, oui, oui. À quelle élection? 1981. Julien Le... Non, c'est pas lui, c'est un autre, c'est voilà, François Mitterrand. Non, non, en 81, alors âgé seulement de 32 ans, Julien Lepers avait présenté sa candidature aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas une blague, ouais. Dans l'Atlantique Nord. Il a obtenu glorieusement 181 voix au premier tour des suffrages, soit 6,86% des voix. Quelle étiquette? Oui, il était candidat, devinez l'étiquette. RPR, Julien Lepers. C'est pas RPR? RPR, bonne réponse, c'était wow. Jacques Chirac, RPR. Oh là là. Julien Lepers, ouais, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qu'il avait foutu là-bas? Tiens, bref. Bah, parachuté, je dirais. Ouais, auto-parachuté. Oui, il devait avoir une maison de vacances. Une maison de deuxième question de ce coup de Oh, waouh, wow, oui. Vas-y, non, mais on peut recommencer. Deuxième question de ce quiz à la con. Quelle info digne d'un western d'Andrew Johnson... quelle info digne d'un western sur Andrew Johnson, qui était président aux États-Unis, est vraie? Parmi ces quatre propositions, laquelle est vraie? Jones. Réponse non. A. Lors d'un meeting, il a lancé parfaitement son lasso sur un opposant pour le faire taire. Réponse B. Il a gagné un duel en ayant pris une balle en pleine poitrine qu'il garda toute sa vie. Oh, wow. Encore comme dans un western. C. Lors de son inauguration, il est entré dans la Maison Blanche à cheval. Ou réponse D, son slogan c'était « Dans la vie, il y a ceux qui votent et ceux qui creusent, toi tu creuses ». La C, ça paraît un peu trop banal, le cheval. Bon. Bah, digne d'un western, cheval. Mmh. Oui, oui, mais je veux dire, c'est pas ouf quoi comme anecdote. Pas ouf. C'est comme, ouais, Giscard, il est reparti à pied, quoi, quand il a perdu, quoi. C'est bon, bah, lui, vachement un panache qu'à cheval, parce que Giscard, c'est reparti en cheval, autant dire que... Oui, bah ça, c'est en des souvenirs. Mais je veux dire, ça coûte pas cher, quoi, voilà. Non, il est arrivé à pied. Alors que non, se prendre une balle et survivre, ça, c'est là un niveau vois, au-dessus ouais, de c'est là de que tu vois l'association entre virilité, politique... Ah bah attends, c'est Andrew Johnson, Jackson, hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, mais bon, c'est vraiment pourri, quoi. Tout est pourri, là. Bah, c'est la balle, je suis sûr. La non. Balle ah ouais, je suis sûr ouais. Qu'il a pris une balle. Prendre une balle ah ouais. Il l'a gardée toute sa vie. C'était juste à côté du cœur. Je connais cette anecdote. Non, je plaisante. Je ne l'ai jamais entendu. Ah. Je ne sais pas du tout qui était le septième. Purée, on y a cru. Non, mais c'est, comme c'est, à la réforme de la fonction publique. Le fait de la politique. Allez allez, c'est à jouer. Tout s'explique. Réponse. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, moi je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Est-ce que tu serais entré en cheval à la maison? Déjà, vous auriez essayé de ne pas vous prendre une balle. Déjà, ouais. Est-ce que tu aurais pris une balle dans la poitrine? Est-ce que tu l'aurais gardée? Est-ce que tu aurais fait taire un opposant avec un lasso dans un meeting? Ça, ouais. Là, je te vois bien faire ouais. Ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Ou alors, dans ça, la vie, il y a viril, ceux qui creusent et ceux qui votent. Si, si, mais c'est, plus, okay. C'est fun. C'est vrai que le cheval, c'est un peu naze en fait. Ok, d'accord. Bon, du coup, vos réponses. Bon, le lasso. Le lasso, réponse A. La balle. Stanislas Guérini, la balle, réponse B. Usul. Moi, je vais voter Stanislas Guérini comme. Je savais que la fin. C'est la dernière fois. Incroyable. Sacha, tu la connais celle-là? Non, mais moi, je vais voter Usul et Stanislas Guérini, du coup. Réponse B. Le chat a voté réponse C en majorité. Le cheval à la Maison Blanche. Et la bonne réponse, c'est bien la réponse B. Bravo. Oh, et voilà. Bravo, bravo. Oh là effectivement. Là. C'était en 1806. Il était à l'époque commandant en chef de la milice du Tennessee. Lors d'une course hippique, un homme l'accusa de tricher sur son pari, puis il insulta sa femme Rachel. Il a parlé de sa femme. Ils ont fait alors un duel au pistolet, comme c'était la coutume à l'époque. Il s'est effectivement pris une balle en pleine poitrine et a survécu. Son adversaire, lui, est bien mort, par contre. Donc oui, c'était effectivement... il s'est bien pris une balle et il l'a gardée toute sa vie. Voilà. Troisième wow. Question de ce quiz à la con. Quel surnom n'a jamais eu Charles de Gaulle? Ah. Pareil, si vous connaissez la réponse, vous la criez pas, vous laissez les autres galérer. Le réponse A, l'homme du 18 juin. Réponse B, le connétable de France. Réponse C, Charles le Gaulois. Ou réponse D, le général Micron. Micron. Pareil. Ah, Charles le Gaulois, c'est pas terrible. Hein. Ouais, mais les Anglais. Ouais, mais les fastoches. Le 18 juin, c'est pas l'homme du 18 juin. Général Micron. Bah, c'est l'homme. Il y en a beaucoup, en fait, qui n'avaient jamais entendu parler de De Gaulle avant son coup d'éclat à la radio. Hein. Donc, bah ouais. Il y en avait énormément. Gens pour qui c'était il y aurait eu Baxit à l'époque, on l'aurait à peine. On l'aurait pris en Skype. On l'aurait pris en Skype. Ça veut dire que nous, on serait restés, ce qui n'est pas terrible non plus. Donc, ouais. Ouais. Ouais, pas fou. Ouais. Non, on va arrêter les blagues là. On va arrêter les comparaisons hasardeuses. On va arrêter, ouais, non, non. Ça va, on enchaîne, on enchaîne. Voilà, du coup, lequel surnom il n'a jamais eu? Hmm. Mm-hmm. Moi, je réponds après lui.
pour une fois. Ouais, je pense Charles le Gaulois, je sais pas, c'est trop nul. Charles le Gaulois, ok. C'est vrai que c'est pourri, mais c'est tellement facile. Charles le général Gaulois, micro, je vois bien des pétainistes dire « Ah oui, c'est le général micro, là, celui qui est à la radio, là, qui fait que ça, quoi. » Tu sais, un truc méprisant, il y avait plein de gens de droite ici qui disaient des trucs comme ça. Il y en avait deux, trois, ouais. Mm. Sacha. Ouais, général micro, moi je... Général micro, ouais. N'y croyez pas ? Ça, c'est ma manière de diverger, quoi. Sinon, ça va être trop. Bah, moi, je fais ça à chaque fois, mais ça paye pas. Donc, Usul, toi, tu restes sur la réponse C. Ouais. Stanislas Guérini, la réponse D. Léa. Bah, je vais dire B, alors. Réponse B, le connétable de France. Mmh. Ok. C'est quoi, un connétable ? Moi, je vais dire A. C'est un bar dans le Marais qui ouvre. Tu sais, c'est vrai. En plus, à minuit, ils déplacent les tables et on peut fumer. Avec comme ça, on connaît plus les tables. Je crois qu'ils sont fermés maintenant. Ouais. C'était trop cool il y a quelques années. Du coup, on connaît table. C'est rue des archives. La fatigue. Ok, je vois l'idée. Sacha. Ah. Toi, tu dis réponse A, l'homme du 18 juin. Ah ouais, je sais pas. D'accord. Le chat a répondu réponse D, le général micro. Eh bien, la bonne réponse, c'est Usul qui l'a. Il aurait fallu faire l'union quand même. Non, c'est bien la réponse C. Charles le Gaulois n'a jamais été un surnom du général de Gaulle. Non, c'est trop basique. Évidemment, l'homme du 18 juin, Sacha. Ah ouais, non. L'homme du 18 juin. Ouais, machin. Ils ont parlé que de lui, là, au truc de LR, ce week-end, t'aurais dû regarder. Non, t'as rien raté, je te rassure. Le connétable de France, c'était un surnom que Churchill lui a donné. Un chouïa méprisant, mais ça, c'est Churchill. Le général micro, en référence à ses 77 interventions à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire quoi, connétable, mis à part le bar dans le Marais? Pour de vrai. Il fut un long moment à l'époque de la monarchie où le connétable, c'était le premier ministre du roi. Le connétable du roi. Le connétable, c'était. Le chancelier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, pas le chef pour rien dans cette émission. Non, on a des choses à apprendre, c'est sûr. Connétable, voilà, c'était le numéro 2. C'est pas péjoratif, du coup. De quoi ? Le connétable ? Bah, en soi, non, mais de Churchill. Attends, quand ça vient d'un premier ministre britannique, quand ça fait référence à la royauté française, c'est Churchill. Oui, c'est le côté désuet qui est méprisant. C'est le côté désuet, surtout français. Les Anglais, ils sont comme ça, quoi. Bah, les rois de France qui ont essayé d'envahir le pays pendant quand même un sacré nombre de siècles, qui n'ont jamais réussi, quoi. Donc, il reste, voilà, il y a un fond de blague et d'ironie de la part de nos amis britanniques qu'on embrasse. Connétable, général de l'armée. Ah, c'est le général de l'armée, le connétable ? Chef des armées. Ah, qui plus tard est devenu le maréchal. C'est aussi pour ça que Brexit va s'arrêter. Parce que je raconte conneries. Quatrième question de ce quiz à la con. Que peut-on trouver au musée Jacques Chirac en Corrèze ? Ah. Vous l'avez visité ? Vous l'avez visité ? Pas du tout. Bien sûr. Vous avez raté un truc. Pourtant, je suis allée en Corrèze. Réponse A. Est-ce que ce sont ces deux chiens empaillés ? Non. Réponse B. des sandiaques de cow-boy offertes par Bill Clinton. Réponse C. Un autoportrait en acrylique. Réponse D. Une pomme. La pomme. La fameuse pomme. Parmi ces quatre propositions. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Oh, au musée Jacques Chirac en Corrèze. Il y a une seule bonne réponse. Trois trucs qui étaient vrais. Parce que dans votre tête, il y en avait trois qui étaient possibles. C'était vraiment ouais, bah, un festival. Les chiens, c'est pas possible. J'espère que c'est pas ça, quoi. Bah, quand même. Oh, les Santiago, c'est très fort, quand même. Ah ouais. Moi, je dis les Santiago. Ouais, mais empaillés, ouais, des chiens empaillés. Les Santiago, ouais. Les Santiago empaillés. Ouais. Ceci dit, moi, c'est vrai que. Non, c'était un truc de merde. Les Santiago empaillés. Santiago, moi, je vote Santiago aussi. Ou la pomme empaillée. La pomme, ce serait fort. Jules, t'en penses quoi ? Moi, je crois beaucoup au Santiago parce que c'est. Je crois que dans ce musée, il y a énormément de cadeaux qu'on lui a fait. Et il y en avait beaucoup trop, même pour son bureau et tout. Donc, au bout d'un moment, c'est parti dans le musée Jacques Chirac. Donc, je mise plutôt sur les Santiago. L'autoportrait, j'ai pas souvenir qu'il peignait. En fait, j'ai compris, il googlise tout. Mais oui, non, mais non, oui, il triche depuis tout à l'heure. Tu fais quoi, c'est possible. Ah, mais attends, ça explique plein de trucs. Ah, mais merci. Depuis le début, non, j'aime trop le jeu. Bien sûr, moi. C'est pour ça que t'as gagné l'année dernière. J'aime trop le beau jeu. C'est Adèle qui avait gagné l'année dernière. Ah, oui. Un peu de respect pour les tonneaux. Pardon, excuse-moi, Adèle. Non, en plus, non, tu triches pas. C'est faux. Je suis prêt à en répondre devant une commission d'enquête. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa... Ah oui, d'ailleurs, Marlène Schiappa... On attend les conclusions de la commission d'enquête. On verra ce qu'ils écrivent dedans. Oui, c'est vrai. On attend le rapport. Avec impatience. Bon, il est temps que ce quiz se termine. Ouais, ça commence à tirer en longueur. Il est 10h05. Hein. Ouais, non, ça termine. Il y a une dernière question, après c'est fini. Bon, la bonne réponse, selon vous, c'est quoi ? Santiago, pourquoi Usul ? Les Santiago. Santiago aussi pour Stanislas Guérini, le retour de l'Union. L'autoportrait. L'autoportrait en acrylique pour Léa, Sacha. Santiago. Les Santiago également. Le chat a voté Santiago également. Et c'est la bonne réponse, bravo, effectivement, les Santiago. Effectivement, Chirac a fait le choix de faire don de ses quelques 5000 cadeaux
au conseil départemental de Corrèze. Tu es vachement contente de voir Gérard Smerdier. Et on peut retrouver des centaines dans ce musée, dont les Santiago offertes par Clinton, effectivement. Donc visitez le musée Jacques Chirac si d'aventure vous allez en Corrèze. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Xanad Jegedi, homme politique hongrois d'extrême droite et antisémite. Oh là, voilà, ça commence bien. A découvert que sa grand-mère était juive. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué. Réponse A, il s'est suicidé. Ah. Réponse B, il a effacé toute trace de son passé en éliminant sa famille. Oh. Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïsme et est parti vivre en Israël. Ah. Réponse D, il a juré sur la vie de Tata Rachel que c'était faux, il a continué sa vie normale. Eh, hey, sympa votre quiz. Ah ouais. Il y a une ambiance. Ah, faut voir qu'il incarne en plus quand même. On l'embrasse d'ailleurs pour cette fabuleuse question. Max Chabac. Petit bon thème pour faire des blagues. En plus, je le vois bien. J'ai envie de l'entendre dire la D. J'ai envie d'entendre Max prononcer cette réponse. Ouais. Parce que j'imagine dire ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Selon vous. C'est histoire vraie. Ah, il a fait son alia, hein. La C, hein. Ouais, je pense, ouais. Il est allé. Je vois là, c'est moi. Il est allé sur la retrouvé terre. Une deuxième vie. C'est optimiste. Il est retourné, exactement. Il a été en Terre Sainte, là. Et maintenant, il tient une boîte de nuit à Eilat. Non, mais j'en sais rien. Une boîte LGBT à Eilat. Non, je sais pas. Écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, c'est sa grand-mère maternelle ou ça... comment ça se bidouille après, tu vois ? C'est là où il est fort, il creuse. Oui, si, maternelle, je crois. Bah oui. Ah non, parce que s'il se convertit, c'est qu'il n'est pas juif de base. Donc c'est que sa mère n'était pas juive. Tu dois quand même te convertir si tu le découvres plus tard. Ah non. Ça dépend c'est des par courants. La mère. Hein. Ouais. Ça dépend des courants au sein du parti. Je vais vous laisser là-dessus. Je sens que c'est glissant. Non, en fait, de base, si ta mère est juive, t'es juif, point. Après, tu fais ce que tu veux de ta pratique de la religion, mais. D'accord, ok, ça ok. Transmet par la maman. Eh ben, écoute, de toute façon, j'ai pas la réponse à la question, donc j'en sais rien. Moi, je crois qu'il s'est suicidé. Oui, voilà, je vais dire suicide, pareil. Réponse A, suicide. Réponse A, suicide. Tu sais, ils sont un peu extrêmes à l'extrême droite. C'est d'où le. Ah, ça vient de là. Du fait qu'ils sont un peu. D'accord. Léa. Là, c'est. Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïsme et est parti vivre en Israël, d'accord ? Pareil, là, c'est... Toi aussi, la réponse C, le chat a voté réponse C aussi, à 66%. Vous voulez des happy end ? Eh bien, c'est la bonne réponse, happy end. Oui, c'est une histoire vraie. Incroyable. Âgé de 30 ans, il était vice-président du Jobbik, le mouvement pour une meilleure Hongrie. Il était l'étoile montante de l'extrême droite hongroise, ce bonhomme. Seulement en juin 2012, il découvre ses origines juives que ses parents lui avaient jusqu'alors cachées. Et aujourd'hui, il s'appelle Benjamin Netanyahou. Il a déclaré, c'est sûr... C'est sûr, il va me falloir un certain temps pour digérer tout cela, admet-il publiquement quelques mois plus tard. Il s'est finalement converti, il a quitté son parti, il est parti vivre en Israël. Donc c'est une histoire vraie, absolument. Comme quoi, il y a des happy ends aussi, et on lui souhaite le meilleur. C'est la fin de ce quiz à la con, chers amis. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont fait un don. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour la dernière émission, attendez avant les applaudissements, pour la dernière émission, la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui ont donné, quel que soit le montant que vous donnez sur KissKissBankBank. Par contre, il faut que ce soit sur KissKissBankBank. Il y aura un tirage au sort pour gagner un t-shirt dédicacé. Il y aura 5 t-shirts à gagner, t-shirt dédicacé par tous les chroniqueurs de l'équipe. 10 t-shirts, pardon, à gagner. Profitez-en. Merci du fond du cœur pour vos dons. Merci si vous nous regardez en replay sur YouTube. Vous aussi qui aimez regarder Backseat en replay, n'hésitez pas à faire un don. On a besoin de vous. Si toutes les personnes qui regardent les replays de Backseat donnent 1 euro, alors on rentre dans nos frais, on réussit à être à l'équilibre financier sur cette saison et on envoie un très beau message à Internet et au monde. Merci du fond du cœur. C'est la fin de cette émission. Merci tout le monde. Ciao, bye bye.